Ladies and gentlemen, welcome! Bienvenue à toutes et à tous sur le stream. Nous sommes dans le Turfu ce soir. Après avoir été dans le passé pendant un petit moment là, ce soir c'est le Turfu. Ce soir c'est le futur, on est sur Star Citizen, mesdames et messieurs, toute la soirée. Il n'y aura pas de Witcher ce soir. La reprise du Let's Play The Witcher, c'est demain, évidemment, 18h. Ce soir, c'est événement Star Citizen spécial qui a été organisé par Kalec. Kalec Play, me semble, le pseudo complet. Et voilà, on va profiter de cet événement tous ensemble ce soir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de SC. Il s'est passé des choses depuis la dernière fois que je suis venu. Donc voilà, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Donc on est parti pour cette soirée. Une soirée, je pense, qui va être bien. Je pense que ça va être pas mal, ça a l'air d'être bien organisé. Je pense qu'on va passer un très bon moment ce soir. Ça va être une sorte de chasse à l'homme. Je suis du côté du groupe d'intervention. J'aurai notamment à mes côtés Fred Dugrenier. J'aurai aussi Kamak. Il me semble que aussi Cyril sera là. Donc voilà, c'est parti. Hype train incoming. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cette merde là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'un hype train? C'est gentil en tout cas, merci. Teletrad Corporation pour le Prime, Yaknil, merci pour les 9 mois de soutien. Hanzolo, merci pour les 2 mois. Merci Fonkerny pour les Prime, bienvenue à toi. Leysar pour le TA, bienvenue aussi. Piggy, merci pour l'année de sub. Lord Axiom pour les 9 mois. Enfin, un stream que je puisse suivre sans me spoiler The Witcher 3 que je fais en parallèle. Tu avances trop vite, Alpha, mais continue, j'ai hâte de rattraper les VOD. Drico, merci pour les 3 mois. Foxy Spark pour les 7 mois. Merci Traxou aussi pour le Prime. Et Max le Fifou pour les 100 bits et Majin Pandeadpool pour les 6 mois de soutien. Bonsoir Seigneur Cast, longtemps que je ne suis pas venu à cause des fêtes, j'espère que tout va bien pour vous, tout va super bien. Qu'est-ce que ça là? 82%, ça marche comment en fait? Ah, faut donner pour avoir plus? Comment ça? Ah, je ne sais pas, écoutez. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Le Hype Train permet de win des emotes sur le palier demandé, si le palier demandé est atteint. Bah oui, connard. Ok, très bien, bon bah je vais me démute, hein. Allez, on enchaîne. Menu, il faut que tu redémarres ton jeu. Ah merde. Bonjour, bonsoir. Bonsoir messieurs, rebonsoir du coup. Rebonsoir. Re Alpha, salut. Enfin, bonjour, bonsoir. Je t'ajoute du coup sur ma liste, Kalec. Moi je suis dans le menu. Ouais, voilà. Ça marche. En gros, alors c'est possible que tu sois amené à redémarrer ton jeu, je vais te dire ça. Ah. Bah je redémarre. Ah. Pas de problème. C'est probable. Ouais. Tu peux le faire. Ouais, voilà, c'est exécuté. Tout de suite. Tu me diras quand t'es de retour dans le menu du coup. Fred, est-ce que t'as ton OTAS qui est branché? Bah écoute, ce que j'ai fait de toute façon, c'est que j'ai reset tous les contrôles par défaut. Ouais. Ouais. Quelque chose me dit que Fred a des problèmes. Ça commence. Il y a Terada, ouais. C'est d'ailleurs Terada qui m'a proposé de participer. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, faut boire un coup là. Apparemment, elle est buggée la 3.8. Ah ouais? D'accord. Ok. On est en level 2? Oh là là, on est en level 2. Alors, du coup, sub, gift, or use bits to get to the next level. Ah, faut faire des dons. C'est marrant, moi, je l'ai pas activé, ça. Je l'ai pas activé, ça. Ça se fait automatiquement. Oh là là! TMG Geek qui gift 5 subs et du coup ça fait 36% de la jauge. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant ça. C'est cool comme fonctionnalité. Le fait que je puisse le voir directement aussi dans le chat, c'est cool. Avec mon talent de nifleur de bug, on n'est pas dans la merde. Ah, croyez-moi, il y a des chevilles qui vont se briser, des corps qui vont passer à travers des vaisseaux. Ça va être balèze. Ça ne sert à rien. Ah, j'ai été invité. J'accepte. C'est bon. I have joined. Alors, tiens, petit détail. Il y en a plein qui me disent « Ouais, tu rush The Witcher 3, tu fais que les quêtes principales, tu passes à côté de trop de trucs du jeu et tout. » Alors, de une, sachez que... En fait, off-stream, je joue. Genre, là, j'ai un peu joué aujourd'hui. Des fois, je joue un peu après le live pour faire des trucs secondaires. Pas nécessairement des trucs à scénario, mais des trucs secondaires. Toss a coin to your Witcher, oh valley. Merci à toi mon bon Melkorius pour les 1000 bits. Captain Matt, merci pour les 3 mois. Oldaros, merci pour les 7 mois. 5%. Ah là, le hype train qui continue d'upgrade. C'est fou ça.
Hype. C'est marrant ce truc. Chouchou, merci Oldaros pour les 7 mois. Mesmeré, 39 mois. Merci à toi, l'ami. Lionheart, merci pour les 5 gifts de sub. Et Tonto Yuyus, merci pour les 10 mois. C'est très gentil. Merci à toi, l'ami. Et Sulker, merci pour le Prime. Merci, copain. Sur Discord, ça se plaint que tu fais des quêtes secondaires et que t'es pas assez focus sur la quête principale. Ah ouais? Mais j'en parlais à Mouchou et je crois qu'on peut, on peut contenter personne en fait. Soit on fait trop de quêtes secondaires, soit on papillonne trop et les gens ça les saoule et ils veulent en savoir plus sur l'histoire principale, soit on passe trop à côté de trucs secondaires qui peuvent être très cool en se focalisant sur la team principale, sur la trame principale. Honnêtement, j'ai qu'une chose à vous dire. C'est pas toi qui décide. Voilà, c'est la seule chose que j'aurais à vous dire. Moi je pense que je fais un bon mix. Voilà. Moi, je pense que je fais un bon mix des deux. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus... donc, je vous explique là ce qui va se passer. Il y a Monster Hunter World Iceborne qui est sorti. Hein ? Et j'avais dans le projet de le faire hein, dès sa sortie. Sauf que, big brain que je suis, j'ai décidé de faire The Witcher 3. On va faire les DLC de The Witcher parce qu'ils sont incroyables apparemment. Ils sont même meilleurs que le jeu principal. Notamment Blood and Wine. Donc, on va les faire. Ça on va les faire, donc on va avoir beaucoup de The Witcher encore qui va venir sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, l'aventure continue. Même si on finit le jeu principal, l'aventure continue et vraiment apparemment ça vaut vraiment vraiment le coup. Mais ensuite, quand j'aurai fini le DLC Blood and Wine, Monster Hunter. Et il y a Juice, on voulait, Juice en fait s'est mis au jeu, il y a genre 3 jours. Et il me dit ouais et tout, ça me plaît bien, j'ai fait une quête avec lui au début quand il débutait, c'était marrant. Je fais littéralement ça, je fais... T'es genre, je fais ça, tu vois. Genre, je suis comme ça, je fais. Et le mec, il est full stuff. Il est juste full stuff. 2 jours plus tard, il a éclaté le jeu. Il me dit, bah bro, je suis prêt. Moi, je le regarde, je fais, comment ça, t'es prêt? Bah ça y est, moi, je suis full stuff. Je suis prêt à faire Monster Hunter World Iceborne. J'étais là. Comment ça? Moi, ça y est, je suis stuffé, j'ai plus rien à faire sur ton jeu là. Moi, je suis prêt à faire Iceborne. Et là, je suis là. J'ai pas fini la trame principale de The Witcher 3. Je dois faire Heart of Stone, je dois faire Blood and Wine. Et là, je me dis, mais. Comment. Quoi en fait? Donc, bon, on verra. On verra ce qu'on fait avec Juice. Mais j'aimerais bien faire un gros rush Monster Hunter. Genre, faire que ça pendant une semaine. En fait, je trouve ça trop cool de full focus un jeu pendant une semaine. Parce que je suis vraiment à fond dedans et je suis full passionné dedans. Et dès que je suis prêt à commencer MH, bon, je vais voir si Juice est chaud pour le faire avec nous. Mais juste, je pense qu'on va faire un méga méga rush où on va énormément jouer ensemble. Et voilà. Eventis est prêt. Eventis m'attend. Mais je suis pas sûr que Juice puisse se retenir parce qu'il est tellement dans la hype du jeu là. Donc bon, on verra. On verra. Non mais c'est ouf, en 3 jours il s'est fait le stuff au petit pour commencer à Iceborne en gros. Il a pas tout farmé hein, évidemment, mais il a fait tous les trucs importants qu'il faut avoir pour commencer à Iceborne. J'étais là, ok, moi j'ai mis un mois. Enfin bref, le boxon quoi. Oh là là! Mais ça ne s'arrête pas ce subtrain là, ça n'a aucun sens. Merci le douchiste pour les 5 gifts de sub. Arigato gozaimashita, merci à toi Douchiste, merci à toi, c'est très gentil. Merci Lionheart aussi pour les 5 subgifts. Tonton Yuyus, merci pour les 10 mois, Sulker pour le Prime. Oh Kalim, merci pour les 200 bits, train de la hype, tant que c'est pas le train de vacancier d'Overwatch, je signe. Merci Jean Catastrophe aussi pour les 100 bits, Larefax pour les 14 mois. 8357 pour les 100 bits. Dex Junior pour les 6 mois. Bon, plus de 50 heures de live The Witcher à rattraper. Oh, t'exagères, pas 50 heures. J'ai regardé mon temps de jeu sur The Witcher, il est. Ouais, non, si, 50 heures. Merci Roxas le Corbeau, 100 bits et Sar, ou Sac, ou Sach. Moi maintenant je prononce Krach, donc du coup je vois CH, c'est R. Sar, merci pour les 2 mois de soutien. Merci à toi. Donc voilà. On reveut du AoE 2 avec Zera, meilleur moment. Ça va revenir aussi, ça. Vous inquiétez pas. Ça va revenir, Age of. On va en refaire. On va en refaire. Vous inquiétez pas. Clairement, on adore faire ça tous les deux. On vous en refera. Il y a un mix de musique, là. Alors, la First Light.
de Pedro Camacho. Tellement bon ce son. Alors du coup, pour vous expliquer l'event Chasse à l'homme qu'on va faire. C'est organisé donc par Kalec Play. Vous êtes missionné par l'UEE. Attendez, je vous fais la musique. Vous êtes missionné par l'UEE. Musique, yes. Vous êtes missionné par l'UEE pour désamorcer un combli. Je crois que je vais arrêter de parler en fait. pour désamorcer un conflit contre un groupe de pirates qui tente de prendre le contrôle d'une partie de Microtech. Votre mission sera de récupérer les deux otages en leur possession afin de tourner la situation à votre avantage. Plus d'otages, plus de rançon. Plus de rançon, plus de sous, plus de sous, plus de flingues, plus de flingues, plus de missions, plus de missions, plus de gameplay. Après, on n'en avait pas nécessairement de base du gameplay. Bref, vous atterrissez sur la zone de conflit afin de récupérer deux Ursa Rovers qui vous permettront d'avancer dans les forêts enneigées derrière les lignes ennemies. Attendez les informations de votre lieutenant pour la suite des opérations. Lieutenant Kalec Play. Voilà. Donc, bah, c'est. Bah, voilà. Écoutez, on est. Moi, je suis pareil. Ils m'ont invité dans le groupe et tout. Je suis chaud. Voilà. Du lore. Bah, oui, il y a du lore. Il y a du RP dans le truc, c'est trop stylé. Donc, voilà. Alors, attendez. attendez. Je vais me démute dans le jeu. Re Alpha. On a re. Juste Cyril qui veut pas se grouper. Et après, pourquoi on va lancer bientôt. Pourquoi il veut pas? Je suis un solitaire. Bonsoir. Il fait la gueule. Vous me saoulez. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça? Ok. Il y a un bug, c'est ça? Laissez-moi deviner. Ouais. Ça alors. Une feature. Alpha, une feature. Et c'est sur le mec qui connaît le moins le jeu, tu vois. Donc c'est cool. Ouais, t'inquiète. Hein, ça, y a pas de discrimination dans les bugs. Hein. Tu vas prendre la patience. Donc non, je confirme, il apparaît pas. Donc on m'a dit dans le chat, c'est le dernier qui add qui doit relancer si ça n'a pas changé. Je sais pas, je suis pas sûr de la signification. Alors Cyril, refaisons une dernière tentative. Tu quittes et tu relances. Seul. Moi, ça fait deux fois que je le fais. Tu vas faire ta deuxième. Bon, du coup, vous avez compris, on part pas tout de suite. On peut discuter. De toute façon, l'événement est censé commencer à 21h. On est grave en avance en vérité. On est complètement dans les temps. Voilà, 40 minutes pour le setup d'event de toute façon. Oui, non mais ça va prendre du temps. Franchement, faut pas être pressé. Qu'est-ce que je disais? Oui, le Dougis, merci encore. Ostaro, merci pour le sub T1, bienvenue à toi. Dria, merci pour les presque 2 ans de soutien aussi, 23 mois. New Ember, merci pour le T1, bienvenue à toi New Ember. Et Corenolo, merci pour les 15 mois au total. L'événement dure combien de temps? Oh, je pense qu'il va durer 3 heures à peu près. Je sais pas exactement. Petite quête Witcher en attendant. Non. Alors, non, il y aura pas de The Witcher ce soir. Ok? Il y aura pas de The Witcher ce soir. Je ferai pas du The Witcher après l'événement parce qu'en fait, pour les gens qui étaient pas au courant, qui pensaient qu'il y avait du SC, j'ai pas envie qu'ils soient en mode demain. Ah, mais il a joué! Et tout. Donc, bon, voilà. Ils vont lancer. D'accord. Donc, non, pas de Witcher ce soir. Ce sera demain. Voilà. Soyez au rendez-vous demain pour le Witcher, tout simplement. Merci à tous de votre compréhension. Il y aura du Witcher demain et après-demain, ok? 18h, 1h, comme d'habitude. Des grosses sessions de 7h. Voilà. Je sais pas pourquoi je parle. Voilà. Je veux pas te hyper, Alpha, mais Iceborne est juste beaucoup trop bien. Genre beaucoup trop. No joke. Écoute, c'est parfait. Ça nous fait un planning de stream incroyable. Sekiro Game of the Year, Paul Pacas, ce grand devin. Bon, fallait pas être devin pour dire Sekiro Game of the Year. C'était assez simple de comprendre que ce serait Sekiro. Et que bon. La Monster, c'est bon, hein, mais. Merde. Voilà. Il me reste que une heure de rediffusion. En plus, c'est pas bon, c'est de la merde. Il me reste que une heure de rediffusion à rattraper, ça peut pas me tenir la soirée. Ah merde! Colonel Geek. Ah, c'est pas. Bah, tu sais, sinon, tu peux regarder ce stream. Colonel Geek, au pire. Tu vois, au pire du pire. Tu peux regarder le stream. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Un petit sang du vœu là, avant de partir. Oh, c'est vrai. J'ai pas fait l'imotechnie d'ailleurs, je la ferai demain. J'ai pas eu le temps de la faire aujourd'hui. Combien on est? On est un bon groupe, hein. On est un bon groupe. Voilà. ça répond à ta question ou. On est quelques-uns. Je pense qu'on est 40-50 par là. On doit être 50, on doit remplir un serveur. Merci Oka pour les 5 mois de soutien. Party launch! Oh yeah.
Party Launch. Party Time. Merci Ness aussi pour les 3 mois de soutien. Merci à toi l'ami. Merci bro. Allez c'est parti, est-ce qu'on crache en chargeant? C'est la question. T'as un grand italien qui t'attend avec une grosse batteuse sur Monster. Je sais. Après grand... taille normale juste. Mais il est costaud quoi. Un italien musclé oui. Salut Bauer. Allez maintenant on prie le dieu des 30K. C'est quoi les 30K? Qu'est-ce que c'est le 30K? Hein? Vous pouvez me dire ce que c'est le 30K? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça y est. J'ai pas bugué. Vous rendez compte? Tu rends compte? J'ai pas bugué. C'est fou quand même. Ah, c'est une erreur. Quoi qu'il arrive, hein, toujours 2 armes dans le dos. Hein. Nouvelle musique des spatioports en passant. Je suis le seul à spawn ici? Normalement, ma squad doit être avec moi. Hein. Je joue avec du monde, ouais, bien sûr. Allez, je vais me démute. Quoique, non, attendez. J'ai envie d'aller explorer la station un petit peu. Enfin, pas explorer, mais rejoindre les autres. Il y a plus de 30 000 erreurs. SC a vachement évolué, les cracholiers n'existent plus. Oh, hydraulique. Allons. Oh, bah y'a Taco. Salut à toi l'ami. On va au lobby. Alors juste comme ça, moi je suis un kikou, du coup je me suis mis mon masque en orange. Parce que mon armure avait des trucs orange en fait et je trouvais que c'était stylé. Voilà. Et on va être tous dans la même équipe. Les gens de la même équipe seront tous bleus normalement. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok. Très bien. Ah, il voulait juste s'asseoir. Ok. Ah, c'est vachement joli les nouveaux spatioports. Ouais, moi je suis RP. Hein. Moi je marche. Hein. Ouais, j'aime des minutes. Messieurs. Bonsoir, c'est bon, je suis là. Bonsoir. Ok. Ouais, c'est joli ici, hein. C'est cossu. Hein. C'est mignon. Ouais, ils ont fait de l'amélioration sur la déco. Hein. Tu sais quoi, Alpha? Ne marche pas plus vite, tu as le temps. Ouais, ne trottine pas, même dans là, les. Concrètement. Ah, je peux marcher, ah, genre. Ouais. Comme ça, c'est parce bon. Parce qu'il faut qu'on installe le matos derrière pour la mise en scène, tout ça. Le lieu du jeu et tout. Donc tu okay. as le temps de visiter. Attends, mais Kanak, t'as le style absolu. Par contre, tu vas briller dans la nuit, hein. Ouais, bah ouais, mais l'intervention à un moment donné, faut qu'elle soit, tu vois. Ouais, mais là pour l'ennemi, on est clairement d'accord pour dire que ta tête, c'est la cible prioritaire. Hein. C'est une mien, on passe en canal UE. Allez, go. Et bah ok, vas-y, j'en mets d'autres, c'est bon. Non, c'est bien, c'est stylé. La grande baie vitrée. Oh, puis ça m'arrange si tu prends les balles. Hein. Elle est où la grande baie vitrée? La grande baie vitrée, elle est là. Yes, merci, Terada. Pas de soucis. C'est où? Bah là. Yes. T'es où? T'es où? Bah, même suis, ah oui, mais il y a les plantes. Tu viens là. Je suis près de Platinum Bay. Attends, je viens te chercher. Alpha, Terada, j'avais lancé une squad de Twitch, si vous voulez en plus. Ah ouais? Ah ouais, yes. Ah donc. Attends, je vais l'accepter. Attends, je reviens. Attends, mais t'es où Alpha? Tu t'es paumé? Oh, je me balade moi. Tu te balades? Ben, c'est pas assez balade, moi. On va acheter après par contre. Moi, je suis dans le plus grand des calmes, je me balade. Ouais. Attends, j'accepte ton invite. J'ai okay. accepté aussi. Yes. Je vais lancer mon live et je lance la squad. Alpha, t'es où? Tiens, mais tu t'es. Attends. Attends. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Attends, je te cherche. Tu cherches un. Ah voilà, il est derrière caché derrière l'arbre. Oui. Ah là, viens là. C'est quoi le problème, Gwé? Derrière toi. Attends, je reviens sur je le jeu. Là. Ah, t'es pas sur le jeu, d'accord. C'est bon, c'est bon. Bonjour. Bonjour. C'est le plus beau, il est là. Ouais. Oh. Allez, viens. On est tous un peu même à égalité niveau beauté ce soir. Ah, on a tous pris l'inquisiteur avec le casque qui montre la peau. Hein, un plaisir. C'est ça, exactement. C'est... L'imagination avant tout. Hein. Ça m'a énormément gêné, ça. Quand j'ai vu ça, j'étais là, j'étais intolérable. c'était à ça de me lever. En même temps, j'ai dit à Kaek, la prochaine fois, ne nous mets pas en bleu, c'est le pire. C'est le pire. Peu importe ce que tu me mets, ça va être. Tu vas avoir une gueule de Playmobil. Bah non, mais bleu, moi, c'est pas la couleur qui me gêne, c'est surtout le fait que on voit la peau de mon perso à travers son casque, quoi. Ça te fait pas ce bug? Attends, quoi? Regarde derrière mon perso, regarde derrière dans sa nuque. Sa peau est apparente. Ah oui! Et ça, c'est juste. Ah, c'est... Tu sais, c'est parce les trucs. Que t'as un trop gros coup aussi. Mildly infuriating, tu vois, c'est ça en fait.
J'ai ça, m'en fous. Voilà. Okay, toi, t'as pas ça? Non, j'ai pas ça. Bah super. Bah vas-y, bah grossophobie de CIG, merci à tous. Oh, c'est ça. Super, CIG, quoi. Bravo. Hein. Bravo CIG. Bah, ah, c'est là la baie vitrée du coup, ok. Ouais. Je te jure, quoi. C'est ça qui m'énervait, voilà. Non, le bleu, moi, ça va. J'ai pas de problème avec les couleurs. Elle est cool cette nouvelle station, c'est vrai qu'elle est sympa. Ouais, et puis comme on dit souvent, là, les nouvelles stations qui ont en orbite, ça fait tellement de temps qu'on les attendait. Enfin, on a une station où on peut directement aller sur la planète et avec la vue. Ouais, j'avoue que c'est relou les villes. Tellement relou les villes. Ah, c'était infernal. Hein. Moi, j'y mets plus les pieds à part pour aller faire mes courses une fois tous les 6 mois. Hein. C'est les métros. Par contre, mon logiciel de capture me fait ramer le jeu. Je cherche un moyen de... Attends, t'as quoi comme problème? Ça me dit quelque chose. Non, c'est mon j'utilise Bandicam en fait, mais ça me fait ramer le jeu. Sur PC, t'as pas de PC de stream, hein. Et OBS, c'est pas bien? Non, non. C'est pas mieux que Bandicam, OBS? Ouais, je peux essayer de faire ça, c'était juste c'est pas prévu. Non, mais tu mets OBS juste en record, enfin... Ouais, mais il y a la cam aussi à côté, tu vois. Parce que Bandicam te laisse enregistrer les deux séparément, c'est ça? Ouais. Ça me fait les deux flux séparés. Ah, c'est pas mal, c'est ça. Pas mal, ça. Ouais, j'avoue. Je comprends pourquoi les gens l'utilisent alors. Parce que je me posais la question pourquoi les gens utilisent Bandicam en 2019. Je vois maintenant. Je vais me renseigner, tiens. Bah, c'est pratique parce que du coup, tu sais, genre, si tu veux à un moment juste laisser le jeu en plein écran et virer ta cam, tu peux le faire, quoi. Ouais, non, mais oui, clairement, c'est bien. Mais je m'étais posé la question de ce procédé aussi quand j'avais recordé des trucs. Donc en effet, c'est bien de savoir que ça existe. Du coup, le topo, c'est on doit aller désarmer un groupe, un conflit avec des pirates, c'est ça? En gros. Je vais vous donner le topo juste après. Vous avec des VIP. Moi, j'ai lu le doc que m'a fait suivre par mail en CC le chef de squad. Et je dois dire que je suis pour. Du moment que j'ai mon bonus de fin d'année, comme tout le monde. Voilà. On va essayer de faire mieux que la dernière chasse à l'homme où un des VIP a fini avec un coup de dragon dans les dents. C'est vrai. On a même cru que t'avais tué un coéquipier avec ton railgun aussi sur la dernière phase, mais. Non, enfin c'était. Ouais, non, c'était intéressant. J'ai apporté l'explication qui a sauvé ton innocence. Oui. Je l'ai même vengé en fait, mais par anticipation. Je vous ferai un topo quand on sera tous installés, puisque je vais commencer la partie avec vous. Il y aura Nimea aussi. Et. On va vous suivre pour vous guider à la première phase et vous aurez toutes les informations nécessaires juste avant le début de la partie. Pas de problème. Je vous invite à faire découvrir les stations à vos viewers en attendant, parce qu'il y a le temps. Ouais, pourquoi c'est hyper peu sensible maintenant F4? Enfin, quand tu bouges la caméra autour de ton perso. C'est un bug de la 3.8. J'étais en train de faire la même chose et c'est clairement tu peux AFK 15 minutes quand tu fais un changement de cam. Hein. C'est. Ah, au moins là. Le FOV, lui caméras. Par contre, il bouge plus vite. Ouais. Et t'as deux caméras maintenant par contre. Ouais, j'ai plus les sauvegarder. C'est. D'ailleurs, les caméras F4, vous avez le droit de les utiliser. Hein. Je ne l'ai pas précisé dans les docs, mais si vous décidez de faire des plans extérieurs, de filmer autrement, etc., vous avez tout à fait le droit de le faire. Ah, le jeu est beau, hein. Vous commencez à avoir l'habitude de ma tendance à faire des plans stylés dans tous les jeux que je fais, mais le jeu est beau, hein. C'est beau l'espace. Hein. Ah! Attends, vraiment là? Ah ouais, quelle horreur. Tu peux tellement pas monter la caméra? Ah oui, d'accord. Oh là là, la caméra met 1000 ans à changer, c'est horrible. Aïe aïe aïe. Attendez, je cherche la planète.
Ah, la planète, on la voit au fond là-bas. Ok. Bon, en tout cas, pour le moment, on attend, mesdames et messieurs. Le camion Ben, ouais, c'est un peu ça, ouais. On attend, on attend, on attend. Les gens sont en train de rejoindre le serveur. La première mort d'Afa sera un bug, une trahison, un fail de pilotage, un kill par l'ennemi. Autre. Bon, après, je suis content de voir ses votes. Je suis content de voir ces votes parce qu'au moins je me dis que vous avez confiance en ma capacité à pas mourir d'un ennemi rapidement. Mais en même temps, vous avez zéro confiance en la stabilité du jeu. C'est aussi ça le problème. Voilà. Et là, mon perso. C'est quoi ces sondages? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est n'importe quoi, ça! Voilà, super. On s'amuse bien avec les animations du jeu. Bug plus crash. Les deux en même temps, putain. C'est surtout que t'auras un bug avant de voir ton premier ennemi. Mais non. Mais non. Ayez confiance. Ayez confiance. Un fail de pilotage? Écoutez, si vous pensez que c'est moi qui vais piloter, vous trompez. Vous vous trompez. C'est pas une histoire de confiance, c'est plutôt une question d'habitude. Merci à tous. C'est apprécié, c'est très apprécié, merci à tous. Vraiment, votre confiance me touche. Me touche vraiment fort. Très très fort. Alors du coup, est-ce que Cyril a pu s'en sortir? Ouais ouais, je suis là. Nice. Au top. Et du coup, t'as une bonne expérience sur le jeu ou tu débutes? 15h. 15h, bah, ça voilà. Va. En 2014. Ah ouais. Gros XP. Ça va. Et du coup, on va devoir piloter nos vaisseaux ou on va être transporté? Non. Roleplay. N'oublie pas, tu marches pas trop vite dans les escaliers. Ouais, ouais, non, je... Tu peux te passer question conne. Roleplay. Promis, Fred, je fais un effort. Putain, je les avais jamais vus, ces magasins encore. Je visite un peu en attendant, mais... ce que je fais jamais. Et tu manques pas une armure, toi? Moi? Non. Ouais? Non? Attends, tu parles pas à moi là. Non, je sais pas, c'est lui en violet là. Ah, il y en a en violet, ouais, qui est à poil. Hein. Mais bordel de fion, pourquoi il capture pas le jeu, ce connard? C'est sur OBS? Ouais, sur Streamlab. Streamlab OBS. Ah bon, je peux pas t'aider. Après, c'est quasiment la même chose. Ouais, t'es en capture de jeu ou capture d'écran? Bah, j'ai essayé capture de jeu. Après, c'est parce que j'ai lancé Streamlab après avoir lancé le jeu. Ah, donc, je sais. Non, des fois, c'est faut que tu supprimes ta source. Faut que tu supprimes toutes tes sources capture de jeu et que t'en rajoutes une nouvelle. Et là, il te capture le jeu. Ça m'est déjà arrivé comme bug sur OBS. Alors, peut-être qu'ils ont le même sur Streamlab OBS. C'est la capture de fenêtre, il détecte même pas la fenêtre du jeu en fait. Bon, je viens juger vos armures du coup. Ouais. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. Ça va pas du tout, Fred. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Je dis ça parce que t'es un connard. Bah, j'ai pas la gêne. Yes. The reparti. Oh putain, je suis dans les cordes, mec. Là, je. Ouf. Je sais pas quoi répondre. Aïe, aïe, aïe. Je te jure. Hop. On reset les cams. Ok, donc on peut utiliser les caméras externes. Ça peut être utile des fois. Ça peut être très utile. Lancer OBS en mode admin. Il y en a qui disent aussi. Si ça marche pas. Lancer OBS en mode admin, je vais essayer. On ne sait jamais. Ça, c'est le truc à chaque fois que les gens me conseillent, mais qui ne marche jamais, de lancer les trucs en mode admin. Oui, pareil, c'est mon... Je fais, ouais, je le fais, ça change rien. C'est dommage. Je vais essayer de mettre en fenêtré. Les gens, vous êtes venus là où je suis? Si vous avez rien à faire, c'est très joli. C'est ça? Ah, ouais, c'est vrai que c'est joli ici. Attends, mais Alpha, t'es où? On est des bonhommes, on s'en fout de ce qui est joli. Je sais pas, tu me vois pas là? Ah, j'ai vu ton point à l'espace. Hein? Tu me vois pas, Terra? Non, je te vois pas. Attends, mais t'es. Bah merde alors. T'es pour moi vraiment, là? Ouais, je suis vraiment juste en face de toi là. Je te regarde là. Je...
Tu me vois pas. C'est... Je te... Non, j'ai vu ton point. Mais qu'est-ce que tu fous, ça? C'est... Quoi? Ah, tu me vois toujours pas là? Non. Ah, ok, parce que j'étais juste derrière toi, en fait. Ah oui, mais t'es là. Mais je vois ton point, mais je te vois pas toi, en fait. Ah bon? Ah, ok. Non, je te jure, t'étais invisible. Je vois ton point, mais je te vois pas toi. Ok. Parce qu'en fait... Ça, c'est RP, ça. J'arrête pas de me foutre derrière toi. Est-ce que tu peux guider Darius vers les pads? Et Darius? Ouais. Il est sur la station, est-ce que tu peux le guider vers le pad 1, s'il te plaît? Oui. Ah, je dois m'asseoir apparemment pour réapparaître. Je vais le guider, Darius. Je te le pad 1. Mais Darius, il y est? C'est bon, il prend son ascenseur, il y est? Non, et Darius, il arrive près de l'ascenseur, c'est bon. Ah, c'est bon. Je reviens. T'es pressé, Terada? Ouais. Ok, je viens de voir qu'il y était, c'est bon, c'est bon. Vas-y, je suis pas RP, je cours dans les escaliers. Ah ouais, non, mais ok, ok. Non, mais t'as fait gronder par quelqu'un, je pense. Il y a que les nazis qui font ça. Ouais, c'est... Hitler, il courait dans les escaliers. Mais putain, regarde, mais direct. Est-ce qu'il sautait aussi dans les escaliers ou pas? Est-ce qu'il sautait par-dessus les balustrades? C'est la question. En Autriche. Peut, il a fait... seulement en Autriche. D'accord, ok. Une fois au chalet, tout ça. Une fois au chalet en Autriche, il l'a fait. Bon, alors du coup, tu me vois là, Terra? Ouais, là, je te vois. Oula. Non mais tout va bien. Hein. Moi tout va pas bien. C'est-à-dire. Ma caméra est bizarre. Elle est penchée. J'ai la tête penchée. Oula, les contrôles font n'importe. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Quoi? T'as pas activé le tracking de caméra? Non, on dirait ouais. Non. T'es sûr? Parce que moi ça me fait ça quand le tracking est désynchro. C'est bon, je suis revenu. Moi la misère sexuelle est totale. Il veut pas capturer la vidéo. Mais c'est fou ça. Bah essayez avec OBS Studio. On me dit que tu dois jouer avec les barrières. C'est dangereux paraît-il. Ah oui non mais. Moi j'aime bien les trucs dangereux aussi. J'ai sauté. Je marche. J'ai réussi. Il a failli se tuer. C'est bon. Ça, t'aurais tellement pu te tuer quoi. Ah ça c'est extrêmement nazi ce que je viens de faire du coup. Ah bah là. Je viens de sauter d'un étage à l'autre. Là, t'envahis la Pologne dans 2-3 mois. Là, j'ai la moustache. La moustache pousse. Il va se faire ban. Oh mon dieu. C'est marrant. Petite musique au Burrito Store. Est-ce que Cyril, t'as réussi à rejoindre? Allô Cyril? Ouais, je suis là. Super, merci. J'attends patiemment. Super, merci. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec mon handicap, c'est juste que je perds 15 FPS en fait quand je capture, donc c'est chier. Oh, relou. Un peu. J'avoue que le plafond est vachement joli. Ouais, le plafond est sublime. Je suis un peu deg d'avoir un perso dégueulasse avec une énorme poutre dans le dos. Pour les screens. Bah, vire là. Ouais, bon, flemme. D'accord. Mobiglas, tout ça. Je pourrais faire de superbes screens, mais je préfère garder mon bazooka dans le dos. Tu sais, je reviendrai, hein. Je suis là tous les soirs pratiquement. C'est vrai, ça. C'est vrai. Par contre j'ai réalisé que c'est la première fois que je suis venu là ce soir et que je prends le temps de regarder parce qu'en général, je me crash et j'y retourne direct, tu vois. Ouais, normal. Je speed. C'est la première fois que je prends le temps de m'arrêter de regarder et faudrait que je revienne. À ça de devenir un rôliste confirmé, Terada. Ah ça, oui, ouais, il y a un petit peu de marge encore. Ah ça. C'est un de vous, le mec bloqué derrière la au barrière. Secours. Oui. Au même moment, il y a au secours. Qu'est-ce qui se passe? Comment te dire? Attends, cette barrière est vraiment énorme. Là, t'as deux choix. C'est soit tu restes appuyé sur backspace et à ce moment-là, on oublie. Soit vraiment t'essayes de t'en sortir. Mais je serais toi, je ferais backspace. Vas-y. Non, backspace pas, essaye. Non, mais il va tomber, regarde. Il va mais tomber si, il va y coup. Arriver. Regarde, saute. Vas-y, cours, saute. Donne tout, mec. Oula. Je me démute là-dessus, c'était étrange quand même. Vas-y, Cyril. Saute. Vas-y, Cyril, tu peux le faire. Spam le jump. Saute en arrière. Spam le jump. Non, là, tu j'ai l'impression d'être un mec en rééducation qui doit juste monter une marche. Allez. Ah.
Là, je pense que vous pouvez le faire, monsieur Fournier, allez. Une jambe après l'autre. C'est allez, trop dur. Je crois qu'il gars, est enfermé. L'aventure s'arrête ici pour moi, c'est vraiment. On a vécu une belle aventure, mais. Putain, le gameplay Rocket prison. Jump. Rocket ils, Jump. Ils ont ajouté le gameplay prison, c'est énorme, putain. On a une sneak peek. Tu peux pas essayer de sauter sur la partie inclinée là. Franchement, j'ai tout essayé. Bah là, t'es en train de t'enfermer de pire en pire. Cyril, au pire, tu te ouais, tues, tu respawns direct à côté. Hein. Ouais, ah. Le backspace, c'est un bon call. C'est pas très RP, hein, désolé les gars. Mais, un petit... ouais. Dis-nous quelque chose un petit peu de poignant et après backspace. Voilà. Alors, pour les clips. Alors avant, comment je peux backspace déjà? Non, mais tu laisses appuyer. Retour arrière, tu laisses appuyer. Retour arrière. Mais faut que tu prononces tes dernières paroles avant. C'était un honneur de découvrir cette galaxie à vos côtés, de m'être battu, mais cette barrière est vraiment trop forte pour moi. Adieu, camarade. Souvenez-vous de moi comme du héros qui n'a pas su passer. Alors, backspace. C'est triste. J'aime bien le mec en plein RP. Alors, backspace. Dommage. Press F. Oh là là. Press F to pay respect. Tout le monde F. Superbe mort. Bah écoute, maintenant on connaît le némésis de tout homme de l'espace. Les barrières. Je vous avais prévenu. C'est vrai. On a un prophète dans le groupe qui nous l'avait dit. Méfiez-vous des barrières. Des barrières. Ah, en fait, c'était le trou entre les barrières qui était dangereux. Ah, mais ça, comment t'as fait? Vas-y, mets-toi dedans là, dans le trou là, comme ça. Allez, bim. Veut mourir aussi. Ah ouais, j'étais juste sur le banc derrière. Oh, le troll. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de s'y mettre et il est sorti en un seul jump. Genre tranquille quoi. Ouais. Genre même pas. Ouais, vas-y, t'es quoi. Attends, mais 2000 heures de jeu, mec. Hein. Je suis juste. Non, mais il a que Terada, ça. Regarde, hop là. Ah merde. Mais comment il a fait? C'est facile. Ah non, mais c'est easy en vrai. Mais comment t'as fait, Cyril? Non, je pense qu'il était bloqué entre la poutre. Ouais, vas-y Terada, montre-nous, entre la poutre et la barrière. Regarde, comme ça l'attaque, bim, là, hop là, hop. Non, mais essaye de te mettre vraiment entre la poutre blanche et la barrière. Là, je fais des alertes. Il est vraiment sur le côté, lui. Les gars, quelqu'un m'a tué. Quoi? Quelqu'un vient de me tuer en courant sur moi. Je suis littéralement fait knockdown. Rip Alpha, je suis désolé. Tu m'as tué. C'était peut-être moi en plus. Je sais pas qui m'a tué. Alpha sur les mecs qui courent dans les couloirs. Mais je courais pas en plus. Il faut éviter de mourir s'il vous plaît pour pas faire bugger les ascenseurs. Oui, c'est vrai, on va arrêter. Hein. On va rester derrière la barrière tranquillement. J'ai pas choisi. Veuillez faire la queue derrière la barrière et attendre sagement. Bah du coup mon chat avait voté pour la mort par un bug en premier, bah voilà. Bien joué à tous. Ça va, ils avaient pas pris trop de risques quoi. Ça va. Ouais. Non, mais tu sais, l'option se fait tuer en situation PVP par un ennemi, elle avait genre 2% de vote. Non, ça monte la confiance. Ah non, mais c'est vrai que c'est assez logique au final. Par contre, maintenant que la mort par bug est arrivée, tu peux mourir par un ennemi. Je pense, ça va le faire. Ou par un autre bug, hein. Ouais. Franchement, je vous ai dit, ne courez pas dans les couloirs et ne sautez pas au-dessus des barrières. Il y a deux mecs qui sont morts sur 6 dans le groupe à cause de ça. Ah non, mais c'est terrible. Mais après, en même temps, Fred, ça l'arrange parce que ça fait plus RP de pas courir. Mais... Non, je sais, bah oui, regarde, moi je marche. Je vais faire tous les moments. Mec, ça me ferait tellement rire que je te croise en marchant et que ça tue ton personnage. Genre, ça serait tellement bien. Que tu descendes les marches en marchant, toi, ton perso court quand même. Moi, de toute façon, là, on est censé défendre je sais pas quoi, là, mais je vais y aller en marchant. C'est, en vrai, tu veux défendre une planète, tu prends ton temps, ça te prend pas 2 heures. Ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'il y a un marathon de 12 km à faire. Merci pour le sondage. La seconde mort d'Alpha, encore et toujours un bug. Un allié, un crash de vaisseau. Crash de vaisseau, je pense que c'est pas un ennemi, il y a 1%, il y a 7 votes sur un ennemi. Ok, je vais rester assis quelque part et vous verrez. Vous verrez, je vais pas mourir. Maintenant, objectif, zero death. On ne meurt pas d'un bug et ça devrait bien se passer. Je vais marcher, hein, je vais faire RP, comme ça papa il sera content. Et voilà, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Merci Warninj pour les 3 mois de soutien. Captain Fox, merci aussi pour les 4 mois. Jack
Jaxi, merci pour les 8 mois de soutien aussi. Mickey Oro pour les 6 mois aussi de soutien. Binut, merci pour le Prime. Mireille pour les 9 mois de soutien aussi. Exedios, merci pour les 15 mois. Continue comme ça, tu me changes les idées quand je suis pas bien. Eh ben, merci à toi, l'ami, et bienvenue. Simaï, le petit bâtard, merci pour les 54 bits. Stormrage pour les 35 mois de soutien aussi. Muninit pour les 2 mois. Simaï pour les autres bits aussi. Et Oka, merci pour les 5 mois de soutien. Ness, Ness54FR pour les 3 mois. Corenolo et New Ember. Merci les copains. Merci à vous. Encore, il y a toujours un bug. Vous êtes terrible avec ce vote. Je vais pas mourir d'un bug, vous verrez. Voilà. D'accord. Merci de ne pas me courir dessus. Ouais. Je suis assez fragile. Je suis omniscient. Voilà. Je suis omniscient. Bah, avec bisous à toutes. Ouais. T'es fragile, toi ? Oui. On en parle des 4 grenades que t'as sur le torse ou pas ? Oui. Je suis fragile. C'était pas dans le. C'était pas le dans chat. Le... Ah, ça interdit les grenades ? Bah en fait c'est mort par grenade si tu la lances je pense. Ah ouais non mais mec le chat peut voter direct hein, là, ouais, c'est sûr à 100%. C'est chaud. C'est sûr. Après c'est... Venez non, on fait une course safe en se dire on oh monsieur les grenades sont interdites. Je répète les grenades sont interdites. Ah ouais, veuillez ranger vos grenades s'il vous plaît. Ah ouais, les grenades c'est la mort de l'équipe. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Oh, à toutes. Attends venez je donne le top là on se met là la ligne de départ là. Jusqu'au bout du couloir. Jusqu'au bout de la route. Vitesse 1 ou. Je voulais pas blesser de vous. Ah non, bah c'est. Vous devez marcher, juste vous n'avez pas le droit de courir. Allez, okay. Vas-y. Alpha, ramène-toi. La course du jeu là. C'est ridicule avec ces bazookas sur le dos en plus. Allez, attends, vas-y. Ça n'a aucun sens. N'oubliez pas la sécurité avant tout. Et est-ce qu'on peut se gêner ? Allez, attends. Ah oui, allez, tous les coups d'épaule. Attends, il y a un type. Ouais, doucement. 3, 2, 1, go. Non. Oh putain, hey, y en a il marche pas là. Vas-y, je te bloque. Ouais, il y en a un qui te triche bloque. Là. Et moi je marche. Hein. Et on va où ? Mais... Je te prends à l'intérieur. Je te prends à l'intérieur. Il s'accroupit pour l'aérodynamisme. Attends. Je prends son aspi. T'as joué au bois de Macron là, c'est bon, ils sont plus en train de. Je vais doubler Alpha sur sa droite. Ah mais. Et ça court derrière, ça court. Tête à queue. Eh, tu cours là. Non, c'est bon. J'ai vu de la course là. Bah je vous bloque moi. Star Citizen 5 ans de développement. Merde, c'est par là. 250 millions de dollars. La coupe. Eh, il court. Fred, il court. Non, je cours pas. Ah non, moi non plus. Non, mais c'est l'escalier. Ah, j'en ai vu un. Eh, derrière, la Cyril, je t'ai vu. Je t'ai vu. Putain. Allez, jusqu'à la rambarde. La rambarde, c'est dangereux. Les gars, il y a des barrières, moi j'arrête. On a dit, on pouvait. Alpha, il triche. Comment sauter. Ça, je triche ? Bah, je suis devant, je décide où on va en fait, c'est surtout ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment de tracé. Hein. Allez, jusqu'au rideau d'eau. Moi je dis, ils sont pas à la marche. Jusqu'au minimum, rideau là, d'eau, là, vraiment. Ah là, jusqu'au rideau d'eau, allez. Mais putain, ça court. Ah bah, tu m'as poussé dedans, il m'a poussé dedans. Triche de ouf. Oh là. Ouais, ça a changé d'ambiance sur mon stream. Ah, ok, ça s'est calmé. D'accord. Il y a eu un bug de visuel là, c'était fou. Ah oui, les lumières qui s'éteignent, c'est classe quand ça fait ça. Ah ouais, ça fait un peu de ces genre. Petit moment éthéré spirituel, tu sais pas trop ce qui se passe. Ambiance boîte de nuit, ouais. Non, on a pas les mêmes bugs, c'est terrible. Oh, mes cheveux ils dépassent de mon casque, c'est trop stylé. C'est bon. Chacun ses goûts, j'ai envie de te dire. Écoute, mais ouais. Pour une fois qu'un bug ne me tue pas, tu vois, j'en profite. Je me dis, au moins lui, il est cool. Putain, mais t'as la nuque et les cheveux qui dépassent, quoi. Mm. Ouais, ton casque n'est pas fini en fait. Je suis un big boy, c'est trop petit leur truc. C'est pas safe. Hey, y a un problème avec ces pots de fleurs là. Ah oui, on dirait Soldier. Mon perso, c'est Soldier 76. J'avoue que c'est la même gueule. Manque juste le. La visière. Attends, les pots de fleurs ils bug ou c'est. Si je les vois flotter dans l'air. Les quêtes là ? Où ça ? Tous les pots de fleurs là au-dessus. Ah ouais, non, en effet, oui. Ils sont. Ouais. Ouais mais ils non, mais ils sont accrochés, non, ils sont accrochés au balcon, enfin au truc. Un bug ? Je suis content, cette coiffure. J'ai réussi à choper la coiffure qui ressemble plus à la mienne quand je suis un peu coiffé, quoi. Au moins, elle y est. Pas comme dans Monster Hunter où je suis obligé de me taper une banane là, quel enfer.
Mon perso, il a une banane dans mon Monster Hunter, c'est la seule coiffure qui ressemble à la mienne, c'est une cata. Enlève le casque et remets-le. Pourquoi je suis blessé? Pourquoi je suis blessé? Putain, ça me saoule. Ça me fatigue. Je suis blessé déjà. Regardez, mes jambes sont pétées. Je pense que je vais juste... Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Il y a des nouvelles coupes? Ouais, j'ai vu ça. Non, mais je sais ce que je vais faire. Faut juste que je sache par où on sort. C'est surtout ça le challenge. Mes jambes sont décollées. Ah oui, sur la TH, les jambes sont collées. Ah oui, what the fuck. Putain, mais... Oh. C'est... pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Petit élévateur. C'est le côté réaliste. Tu te pètes les jambes en marchant. Ah ouais. Ouais, personne n'avait prévu suicide comme cause de mort. Je vous ai tous su. Je vous ai tous su, les gars. Ah oui, c'est trop là. C'est trop, c'est pas propre. Le truc qui pend, non, c'est caché chez moi. C'est pas sous scanner. Non, j'ai vérifié Medipen, ok. Oh putain, par contre, Cyril, t'as chargé sur les Medipen. Hein. On sait jamais. Combien de prudents, ma mère m'a donné. T'en as pris combien? C'est pas les Medipen ça. Oh. Non, c'est pas les Medipen ça. Ça, c'est les munitions de la SMG. Ah, de lance-missile. Ouais, tu as les mêmes là, Kamak. Je sais pas ce qu'il y a sur moi, les gars. Toi aussi, t'as des petits trucs qui brillent. Attends, là. J'essaie de regarder ma ceinture, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu bizarre comme ça quand même. La vision est bizarre. Ouais. Ah oui, c'est vrai. True story. Ok. Ok, je crois que c'était les Medipen, ça ressemblait. Ah ouais, non, c'est les missiles. Je vais vraiment. Envoyer des missiles. Il paraît qu'on va en avoir besoin. T'avais peur. Non, mais on avait besoin des deux. Bah oui, connard. Ah putain, mais attends, faut que j'en rachète des Medipen là. Attends, Putain, pourquoi tu me fixes si intensément, Cyril? Putain, je tiens longtemps dans l'espace. Ton armure est vraiment pas mal. Ah ouais, tu sais, j'aime bien la tienne aussi. Sûr, on dirait que vous êtes en train de vous regarder la bite. Oh non, on est là. Tu veux venir? Attends, tu viens de me coucher. Tu viens de me coucher. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Il est actuellement 21h et nous sommes prêts. Incroyable. Wow. Magnifique. Donc. Grenade. Oh l'enfoiré. Ok, non, mais c'est pas grave, je me fais en bien. Je reviens sur votre position, sur Portressler, et puis on va gérer ça ensemble. Yes. Quelqu'un peut juste me dire où est-ce que le magasin d'armure ici là? Le magasin d'armure est à l'endroit où tu spawns près des lits. En fait, il est juste au premier étage sur ta droite. Okay, j'ai 9 euros. 9 euros? Ah, mais t'es parti où, Kamak? Kamak, il est parti en exploration. Je suis parti au burrito machin. Mais... Ah, il faut que t'ailles au fond et que tu continues quand t'es au fond. Attends, tout le monde a dégoupé ou quoi? Ok. Quand t'es au fond, tu vas encore plus au fond, tu vois. J'ai encore plus au fond, ok. Mais au-dessus ou en dessous? En dessous. Ah non, alors mettez-vous d'accord. Ah, j'ai trouvé les armures. J'ai trouvé les armures, moi. Attends. Est-ce que moi je confonds les deux stations, je pense, c'est pour ça. Ouais, elles sont. Bah, moi non plus, je vois plus personne. Attends, Kamak, viens où je suis. Je crois que c'est par là où je vais là. Attends, alors, éviter de mourir, ça serait bien. Attends, tu vois la salle où il y a l'arbre. Il y a l'arbre orange. Ouais, l'arbre magique, ouais. Non, bah vas-y, je te retrouve. C'était une. Fausse alerte. Non, mais attends, je vais aller sur le call d'Alpha. Attends. Vas-y. Alors, je vais tous vous regrouper de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Je reviens, Kalec, il y a un message, j'arrive. Je trouve ce jeu intéressant parce que contrairement au MMO, la majorité des joueurs ont des avatars masculins. Alors que dans le MMO... ça montre que les personnages féminins sont pas encore au point. Non, je pense que c'est dû à la VoIP en fait, et au fait que tu puisses t'exprimer en jeu, ça fait que les gens ils évitent Moi je pense que les armures sont beaucoup trop recouvertes. Mais après les habits des personnages féminins sont buggés pour l'instant. Oui, c'est buggé, y'a pas assez de décolleté, c'est trop buggé. On a trop l'habitude dans les MMO des armures, tu sais, qui couvrent qu'un minimum, là ça manque beaucoup trop. Ouah, c'est toi ça?
Ouais. Tu fous le bug. De quoi ? C'est quoi ce truc ? Ah quoi ? Attends, c'est quoi ce trauma ? Moi je pense qu'il y a pas beaucoup d'avatars féminins parce que ils viennent de sortir et les gens avaient l'habitude de jouer avec l'avatar masculin. Non mais il y a ça, il y a les armures et les animations des persos féminins qui sont pétés en fait. Ouais, vraiment en fait. Pas c'est sûr, pas... Ah ouais, pour moi c'est vraiment ouais. C'est vraiment juste le fait que là il y a tu peux pas te faire passer pour une meuf quoi. Aussi ouais, il y a la VoIP oui, c'est un bon argument. Putain mais c'est labyrinthe. Parce que en vrai encore une fois avatar féminin plus petit donc plus difficile à viser en PVP. Après c'est des choix. Non la hitbox est la même, je pense. Je crois que j'ai tout acheté par contre hein, si t'en veux. Je pense pas moi, tu vois, le délire de la VoIP. En fait, je pense que ton argument sera valable quand la VoIP sera vraiment full actif et pas buggé, tu vois. Parce que pour le moment la VoIP bon, c'est une feature. Elle marche une fois une semaine tous les 3 quand mois. Quand elle veut quoi. C'est quand elle veut la VoIP. Bon, en début de patch, elle marche une semaine et puis après c'est fini. Mm-hmm. Faut moins. Mais en Anthropoïde, elle marchait nickel hein. Non, tu rigoles. Faut moins de balles pour tuer un perso féminin à l'heure actuelle. Quoi ? Attends, je reviens. Non, c'est extrêmement misogyne. C'est sûr. Maman. What ? Ah, sur moi résistante, t'as déjà une super logique de bouffe quoi. Terrible. Non, je pense pas. Je pense pas. Non. Ouais. Par contre, t'as pas la carte quand t'as un perso féminin. On se retrouve devant. La carte devant, pour diriger la bug. On se retrouve devant la grande verrière à côté des pads. Des panneaux de commande pour les pads. Ouais. Attends, Zvou a fait des tests. Ah, je suis plus dans le groupe parce que je me suis tué ? Quoi ? Attends. Non, tu es toujours dans le groupe, c'est qu'en fait que quand vous mourrez en 3.8, l'affichage de pseudo disparaissent. C'est normal. Donc ça va être affiché pour faire les groupes. Vous inquiétez. J'ai crashé. Yes. Okay. Oh putain, mais t'as... J'ai. Tu peux faire un recovery. C'était ouais. Cyril. Ta-ta-ta, là. Et merci pour la participation. Ta-ta-ta, là. C'est terminé pour la soirée, merci à tous. Il faudrait un petit jingle de sortie des gens, c'est dommage. Alors, on me dit dans le chat que le coup des persos féminins, c'est confirmé par Zvo, qui du coup a fait des tests. Ouais. Il peut être fait. C'est. Je sais pas, j'ai pas testé moi, mais si Zvo a testé. Elle meurt plus vite, vraiment. Je lui fais assez confiance. Bah ouais. Écoute. arrête, Fred. Oh, ouais, c'est arrête, un arrête tout de suite, Fred. J'aime bien, je le vois avec son fusil là. Il sort le fusil instantanément. Bah écoute, quand t'as réfléchi, oui. Putain. Bah. Oh merde. Ah merde. Ah c'est horrible. Mais c'est prévu. C'est fait exprès. Ouais. Non c'est pas fait exprès. Non, obligé. Ça va être un bug. C'est pas normal ouais. C'est t'imagines pas normal. Ah, y a une plus petite. Si un jour un développeur te dit que c'était prévu, c'est chaud. Bug même. Ou feature. Ah, ouais. Bug ou feature. On me dit un truc pas mal. Lightbox est plus petit, donc logique qu'elle meurt plus rapidement. Non mais alors là. C'est ça se discute. À chaque fois. Il me rend ouf. C'est un peu limite. Ah putain. Ah bah go, envoyez que des pigments à la bataille. Hein. Moi je dis ça demande des tests. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de voir si une meuf ça butait ça... Hein. Bon. Imagine une meuf pygmée, mon gars. Alors là, complètement OP, il me bat. Impossible à toucher. En plus, il y a des bugs de taille sur la 3.8 avec des persos tout petits. Ah ouais. Ouais, ça me rappelle les Azura sur Guild Wars, les mecs qui jouaient ça pour pas se faire toucher. Oh là là. Alors, yes, Nico Bumper. Ah non, ça on s'en fout ça. Ce tonton JDG un peu bourré. Tu sais qu'il dérape direct au dîner de famille. Ah quand même. Après, j'ai rien dit hein. Ah, c'est de l'assurance, hein. Oh, 2020, on peut plus rien dire. Moi, je soulève un élément de gameplay. Feature. Vous faites ce que vous voulez. Non, c'est vrai. Voilà. Alors, vous acceptez l'invitation. Yes. Ça sera le groupe final, c'est ça? Ah, c'est. Là, c'est le groupe de jeu. Nice. Donc, on va bientôt commencer. Top. Faut juste savoir si Cyril a pu revenir. Pour l'instant, non. D'ailleurs, vraie question. Parce qu'on en est là. Est-ce que les avatars féminins ils touchent 33% de moins aussi sur les récompenses de mission?
Oh merde. Ah mais le gender gap. Gender gap. Allez, hop, elles ont un malus au pilotage aussi. Malus au pilotage, yes, merci à toi. On va tous les sortir, on va toutes les sortir maintenant, comme ça ce serait, voilà, ce sera hors du système. C'est fait après. Ah voilà, c'est comme ça, c'est fait. Attention, voilà, non mais c'est bien. C'est, Thomas, tu vois, si demain sur une dépêche, on a 4 streamers qu'on souhaitait, on sait pourquoi, tu sais. Je te jure. Le projet Star Citizen chute. Messieurs, je vous attends sur l'estrade juste à côté de vous. Vous pouvez vous mettre sur les sièges, en arc de cercle à côté, comme vous voulez. Vous pouvez... Alors chez moi, tu es invisible, mais très bien. Ah ouais, chez moi, t'es installé. Je suis invisible, ah ça n'a aucun sens. Il faudrait que tu t'éloignes. Non mais c'est un RP reviennes. Illusive Man, c'est nouveau. Donc c'est la voix. Ça va être la faut voix que je m'éloigne soir. Et que je revienne, c'est combien de mètres? Non, assieds-toi au cirque, Alec. Ah oui, assieds-toi. Oui, t'as raison. Il y a combien de places par siège? Moi je vois juste Kamak, Terada et Fred. C'est tout? Rasseyez-vous alors et levez-vous. Je vois Taco aussi. Asseyez-vous tous. Fred il veut s'asseoir à côté de moi, il peut pas. Bah ouais, je sais pas, là, c'est mignon. Bonjour Terada. C'est pris. Cette place est prise. Loin de l'autre en fait. C'est pris. Attends, mais. Non, on est pas là. Alors, les sièges bug. Alors, je vois qu'Alec. Les sièges bug. Par contre, mettez-vous en face de nous, puisque là, vous êtes. On va se tordre la nuque sinon. Attends, en face de vous, c'est où? Moi, je suis. Bah, on est assis dans les. Moi, je vois tout le monde là. Bah oui. Ah, ouais. Ah, oui, c'est vrai. Mais y'a un PNJ qui m'a volé la place là-bas, et en plus, il y a un chiffon sur la tête. Ah, oui. Regardez, il a à moitié pété le mec. Et what the fuck. C'est hyper raciste que tu en as. Enfin, super quoi, merci Terada quoi. Mais non, mais c'est pas par rapport à ça, c'était la position qu'il avait. J'avoue, il sort d'où ce mec, on dirait un personnage de Final Fantasy quoi. J'avoue, il est là. Il a un malus en gameplay, vous pensez? Stay awards, sur la verre, listen my quest. Mec, il sort de nulle part. J'avoue, il doit pas voir grand chose. Hein. Mais bon. Ah. Ok, bon. Sinon, on le fait comme ça, c'est bien là, non? Écoute, moi je suis bien, c'est bon. Peut-être que les gens sentent, il est ici. Je passe en cinématique, c'est bon. Nimea, allez, c'est l'arbitre. Est-ce que nous avons des nouvelles de Cyril? Erreur code de 6015 pour le moment. Tout est normal, Navet. Lui, pendant ce temps-là, Cyril, il est en train de hacker le jeu. Alors, Cyril, je te décale dans un autre vocal et on va régler le problème. J'arrive tout de suite. Bon, c'est un Belge, un Français, c'est un mec. Les mecs, super, on se fait chier là, y'a plus rien à faire du coup. Qu'est-ce qu'on fait du coup là? On attend encore hein, ou on fait quoi? Bah, c'était les 20, hein, salut! Salut! C'est cool hein. D'avoir participé! Salut à tous! Mais en fait, on va faire un loup-garou! Ah, yes. 3.9! Oh merde, je vais mourir! Ah, ça va. J'ai fait un petit grind là sur le divan, c'était pas fou. Le fil rouge, Cyril va-t-il réussir à rejoindre le crew? Oui, moi je pense qu'il y arrivera. De toute façon, on est avec des experts du jeu. Ils ont tous déjà vu les bugs qu'on est en train de voir. Et ils ont tous une solution. Ah les gars. Oui, bien sûr. Non mais en fait, c'est des bugs procéduraux. On a chacun des bugs différents en fait. C'est un concept. C'est Star Citizen. Trop bien comme concept. Moi j'avais un bug intéressant. Je l'ai toujours d'ailleurs. Quand je branche ma carte d'acquisition, je suis à 20 FPS locké. Depuis la 3.8. Quoi? C'est pratique. Ouais. Et j'ai dû mettre. Si jamais tu le sauras, hein, si ça t'arrive. Mais en gros, moi je joue en plein écran fenêtré. T'as quelle carte de gestion? J'ai dû. La HD. Avermedia. HD 60 Pro. Ouais. Ok, Avermedia qui revient vers nous. Hey! Oh merde! Il vient de s'enfoncer dans le sol. Ouais, c'est sorcellerie. Tiens. Il faut mettre la... Tu sais le bruit de Mario quand tu passes dans les warp zones. je suis en dessous de moi en fait. Ah ouais, okay. La station. Arrête de faire piscine là. Reviens Kalec. Va en EVA peut-être Kalec. On te l'avait dit, fallait pas courir dans les couloirs. J'essaie de passer le plancher mais ça marche pas. Et la voie 9 3/4. C'est ça ouais. Malheureusement y a pas de train en dessous. Que dalle là. Bon bah je vois un pad, je vais aller au pad, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt commencer. Tu vois Peter petit gros, c'est normal. Hein. En fait, je ne sais pas si je peux passer les textures de la station. Non, c'est vise le quai 9 3 quarts. Ah, c'est bon, je suis passé. T'es bon? Ouais. T'es où? T'es à 239 mètres. Je suis dans l'espace, c'est bon, je suis sorti de la station, j'arrive. Ok. Tout va bien. Tu te portes dérobé en fait. Bah, au Cyril, pire, tu nous fais le speech depuis la baie vitrée. Depuis ouais, non, je vais le faire. Le mec est dehors, il est là. Oh, on fout,
Oh merde. Ouais. Non, mais on... Bon, en tout cas, je vais commencer les explications, tout ça, le temps que j'arrive, il y a pas de problème. J'arrive. Cyril, le temps que tu te positionnes, dès que t'es prêt, je commence. C'est bon, je suis là. Super. Attention, mode cinématique. Tu peux pas t'asseoir non, là. Je devrais être devant vous, mais... Cyril, assieds-toi de l'autre côté. Le plan main. De l'autre côté, pas là où je suis, comme je suis, mais de l'autre côté. Voilà. Là, tu peux. Donc, bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue sur cet événement de la chasse à l'homme numéro 7. C'est un événement scénarisé dans lequel les joueurs AlphaCast, Kamak, Cyril, joueurs du grenier, Takoyaki et Terada vont donc progresser. C'est un événement qui a lieu sur Microtech et qui va mettre en valeur les nouveautés que nous apporte la 3.8. Dans cet événement, vous verrez trois phases différentes de jeu, distinctes, je n'en dis pas plus, puisque les joueurs qui vont donc participer ce soir en groupe vont devoir progresser au travers de tout un scénario établi de A à Z avec un serveur quasiment full de personnes qui ont travaillé dur pour rendre ceci possible ce soir. Je le rappelle, mais vous le savez certainement déjà pour la plupart d'entre vous, que nous combattons actuellement Star Citizen sur tous les plans pour que ces événements puissent avoir lieu. Donc si jamais quelque chose intervenait ce soir qui fasse arrêter ou annuler l'événement ou reporter, ce sera contre notre gré, puisque bien sûr nous mettons tout en œuvre pour que la stabilité soit au rendez-vous et que vous puissiez passer un agréable moment. Maintenant que je suis de retour devant vous, nous allons pouvoir commencer. Bien, messieurs, je suis le lieutenant Kalec. Vous avez été amené sur Port Tressler puisque les temps sont graves. Je vais vous faire passer le dernier enregistrement que nous avons eu de notre Idriss local. Voici l'enregistrement. Le Transinton à Jasper 2, au rapport. Nous recevons un contact, général. De quelle nature ? Avertissement. Je vous transmets la ligne. Vous n'êtes que des chiens. Une infection qui ronge jusqu'aux os. Dès maintenant, vous vous mettrez à genoux. Vous regarderez notre colère monter et nos hommes comprendre ce qui nous vient de droit. Nous avons trop longtemps arraché à nos terres. Nous sommes de retour. Le système Pyro vous salue. Voici donc pour le dernier enregistrement du Transinton. Nous allons donc demander à notre soldat Patatrus, ici présent, de nous emmener en hoplite directement sur zone. Nous devons aller à la zone 6-12-73-6 sur Microtech. Je vous invite à aller au pad directement. Soldat Patatrus, est-ce que vous pouvez nous indiquer le pad, s'il vous plaît ? Pad numéro 2. Équipe d'intervention, rendez-vous au pad numéro 2. Je peux parler ? J'espère que vous avez une connaissance... Oui, vous pouvez parler, bien sûr. J'espère que vous avez une bonne connaissance du terrain. J'espère que Microtech vous est familière. Malheureusement, notre théâtre d'opération va avoir lieu dans la nuit. Nous allons faire notre possible pour arriver sur zone le plus rapidement possible et le plus efficacement. On m'indique que plusieurs escadrons de Cutlass Pirates sont déjà sur zone. Il va falloir faire très très attention. Nous comptons donc sur le pilotage de Patatrus pour réussir cette arrivée. On attend... Allez-y, moi je veux pas mourir dans l'ascenseur. Allez-y. Mais rentre seulement, Alpha. Ça risque rien, viens. Ah ouais, c'est ça. On bouge pas. Parce que moi, la dernière fois que j'ai fait ça, je suis mort. Non, mais on y va tous ensemble, on meurt tous ensemble. C'est quoi le pad, les gens ? Comment ça, tu es mort ? Enfin, je veux dire, désolé, j'ai l'agoraphobie. Ah oui. Ah d'accord. L'espace d'un instant, j'ai cru que vous étiez mort et que vous aviez... Non, excusez-moi, j'ai juste l'agoraphobie. Tel Jésus. Ouais, non, j'aime pas être en contact, enfin, surtout Terada, première classe Terada, et m'inquiète un peu. Pourquoi ? Mais c'était avec Cyril tout à l'heure, hein. C'était pas... Non, mais c'est... C'est juste entre nous, hein.
C'est l'odeur. Du coup. Ah. Bon, on attend quelle résistance sinon sur place? On attend une sacrée aérienne. Résistance. De ce qu'on a pu analyser du message audio que vous avez entendu, énormément de cutlass pirates sont sortis du jump point entre Pyro et Stanton et rencontrent une très très forte résistance sur plusieurs astres du système. Notre théâtre d'opération aujourd'hui se tournera vers Microtech puisqu'ils ont déjà réussi à gagner du territoire directement sur l'astre. Ce qui nous rend la tâche très compliquée. On m'indique aussi que deux personnes seraient retenues en otage. On attend encore de pouvoir définir leur identité, mais ce sont des cibles relativement prioritaires. Reçu. Comment est-ce qu'on va les identifier ? Je vous donnerai l'information lorsque mes contacts l'auront. Vous allez venir avec nous ? Pour l'instant, je vous emmène sur place puisque nous allons tenter une infiltration derrière les lignes ennemies. Notre matériel devrait être sur place. Excellent. Ma foi, ça me paraît pas être bien compliqué comme mission. Oh, alors là. Je rappelle que si on a fait appel à vous, c'est pour une bonne raison. Ah, des professionnels, hein. Bon, on a l'habitude, hein. D'habitude. Je passe sur une autre ligne de communication, je reviens tout de suite. Je crois que... Attendez... Je crois que ma... J'arrive pas... Est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'arrive pas à mettre la rambarde de sécurité sur... Bon, c'est... Merci à tous. Quelqu'un peut aider... Mais bloqué... Enfin, mettre sa ceinture attendez, de sécurité. Je me suis fait un tour de rein la semaine dernière et j'y arrive pas. Non mais y a pas de problème, il doit avoir le siège enfant, je pense, attendez. Tu verras, écoute... Fred, tu continues comme ça, sur le terrain, je peux te dire qu'une balle dans le dos, ça arrive très très vite. Hein, et c'est pas moi qui irai écrire le rapport. Hein. Attends, mets ton siège enfant. Tu veux que je t'appelle ton doudou? Ok, vas-y, dégage. C'est bon, je ferai ça en rambarde, y'a pas de problème. Équipe d'intervention, excusez-moi. Oui. Ouais. C'est nous, oui. Est-ce que le Alpha Cast serait en possession d'un doudou dans son équipement? Oui. Non, mais ça, écoutez pas, c'est Fred qui dit raconte des conneries. Moi, j'ai du mal avec ma rambarde qui était bloquée. Je sais pas qui a pris cet équipement. Depuis le temps qu'on se connaît, tu peux juste avouer que c'est un porte-bonheur que tu gardes depuis sur toi, depuis ton enfance. Absolument pas, non. Foutez-moi la paix. Le doudou flunch. Le doudou, doudou flunch. Nous prenons donc conscience que nous avons fait appel à votre équipe en sachant que le système Stanton est à deux doigts de disparaître sous les flammes des pirates. Oui, enfin bon, vous avez avec nous, quoi. Hein. Sauf si c'est un moyen de vous détendre, je ne sais pas. C'est évidemment un moyen de nous détendre, enfin, lieutenant. Vous comprenez bien qu'on va à la mort tous les jours et si on prend ça au sérieux tout le temps. Après, vous avez vos méthodes, je peux l'entendre. Je peux comprendre. La prochaine fois que tu me fais une vague comme ça, je défonce la gueule, je te préviens. On est sur le canal de communication général, Alpha. Là, tout le monde t'a entendu. Non. Non, on n'a rien entendu. Tout va bien. Par contre, qui est debout encore? C'est le lieutenant. Je crois pas qu'il est de siège. Ah, d'accord. J'ai pas besoin de siège, moi, vous savez. Vous voulez vous mettre sur mes genoux, lieutenant? Sans façon. Sur les genoux de Terada. Hein. Alors, oui. Mais il a l'habitude de mes genoux. Hein. Ce serait pas la première fois. Ah, bah, dis donc. Ouais, mais tu sais, c'est les groupes armés à Stanton, hein. On est très proches, hein. C'est la famille. Ok. Okay. Par contre... Laissez-moi quitter cette pièce, je reviens plus tard. En fait, je crois que... Je connais pas que le lieutenant, quoi. Les gars... Il fait semblant d'aller dans l'autre pièce, mais il y a rien de l'autre côté. J'ai réussi à mettre la rambarde, les gars. La ceinture de sécurité. Putain. Excellent. Seul problème. C'est bon. J'arrive la rambarde est mise pour tout le monde. C'est bon. Vous êtes prêts? Si. Je suis coincé dans mon siège. Oh, mais c'est la sécurité en France. Il y a le siège en France. Je pense que j'ai passé trop de temps à la cantine avant cette mission en fait. Appuyez sur la touche espace de votre mobiglace. Merci, nickel. Ah! Je sais pas, ce siège me plaît pas. J'ai envie d'un petit peu aller voir la vue. Excusez-moi les gars, je reviens. Attention, on peut passer dans les trous du vaisseau. Non, y'a pas de soucis. Je fais gaffe.
Je vais jeter un œil un petit peu à la vue. N'oubliez pas, on ne marche pas vite dans les escaliers. Ah, je fais attention. Faites attention, je fais attention à la zone ouais. à composants, elle est dangereuse. Mais tu sais que tu peux passer en vue F4 maintenant depuis en tant que passager. Ouais, je sais bien. Okay. Oui, bien sûr. F4 comme le nom de la fenêtre. Comme F4. La caméra yes, F4. Yes, bien sûr, la caméra F4. Le drone caméra invisible. C'est le module d'identification. c'est l'appellation bien. Militaire, c'est le code militaire qui permet de... Hein, voilà. Yes. Non, mais moi, je suis agoraphobe et je suis aussi claustro. Du coup, j'ai besoin de regarder régulièrement là, par dehors. Sinon, je me sens pas hyper bien, en fait. C'est vrai que le vide spatial, c'est rassurant. Ouais, moi, ça m'apaise, moi. Pas vous ? Moi, ça m'apaise beaucoup. Équipe d'intervention Falco 6, je viens d'avoir des informations sur nos deux otages. Ce seraient des cibles militaires prioritaires qui permettraient de jouer en notre faveur dans l'arrêt de cette guerre contre les pirates. Est-ce qu'on a une je n'ai pas le droit de divulguer leur identité, cette information, mais... Mais comment est-ce qu'on va l'identifier par rapport aux pirates? On devrait trouver un moyen. On a des personnes qui travaillent dessus pour pouvoir identifier leur position directement derrière les lignes ennemies. Mais avant d'avoir leur position, il va falloir que vous arriviez à traverser cette frontière qu'ont établi les pirates. Cette espèce de sécurité, périmètre de sécurité établi par les pirates directement sur place. Je vous donnerai les informations dès qu'on sera sur place. Excellent. On va arriver directement devant deux Ursa qui seraient prêts pour notre équipe d'intervention, ce qui nous permettra d'avancer avec des boucliers, utiliser nos Ursa comme boucliers afin d'avancer dans le décor, pendant qu'une équipe d'intervention aérienne viendra nous soutenir dans cette percée derrière les lignes ennemies. Okay. Bon, c'est pas tout ça les filles, mais est-ce qu'on s'organise un petit peu là? Parce que bon, si on doit aller au casse-cou, au casse-pipe, faudrait peut-être savoir qui va passer devant. Bah moi, du moment que je suis pas dans ton Ursa, tout me va bien. D'accord, super. Tout le monde a lance-missile, là. Oui. On est bon. Affirmatif. Voilà. Personnellement, je parle juste d'un petit peu d'organisation, histoire de pas croiser les lignes de feu, histoire de pas se tirer dessus. Bon, on se met les uns à côté des autres. Est-ce que tout le monde porte un lance-missile? Parce que personnellement, j'en ai un avec moi, mais je suis plutôt préférence arme antipersonnelle. Question de goût. On va tous avoir besoin d'un lance-missile pour cette mission, ou est-ce qu'on a des personnels dédiés pour ça? J'ai entendu dire qu'il y aurait beaucoup de cibles aériennes sur zone, je ne sais pas à quel point encore. Après, l'idéal, c'est d'avoir une de chaque. Moi, j'ai équipé également une P8 pour pouvoir faire un peu de combat antipersonnel également. Ok. Ouais, moi, j'ai une SMG avec moi. Dis donc, vraie question, qui est le chef de cette mission? Bah, c'est vous. c'est nous. Yes. Voilà. C'est celui qui demande. Ah, ok. Parfait. Bien, puisque cette équipe d'intervention n'est pas capable de nommer un responsable, je nommerai... On l'a nommé. Ah bon? Luc Machin. Ah. Il a dit c'est moi. Alors c'est moi. Ok. Oh, ça vous fait rire, Alpha? Ah, je suis désolé, mais cette escouade, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas de cette escouade. Toujours un plaisir de partir en mission avec ces zigotos. Ces zigotos. J'avais plus entendu ça depuis 2938. Ok, boomer. Bon. On arrive dans combien de temps? On a un ETA ici, lieutenant? On devrait arriver d'ici quelques minutes. Et j'ai une question, lieutenant, sur les infos, là. Est-ce qu'on sait la distance entre les Ursa et les cibles? Avant de... Quelques kilomètres. Pour l'instant, on ne pourrait pas vraiment analyser le terrain puisque c'est un terrain de conflit actuellement. On essaie de tenter une percée à travers les lignes déjà avec toute l'équipe aérienne. Une fois que vous serez au sol, vous serez très rapidement fixé, je pense, sur la distance à établir. Les Ursa seront là aussi pour vous faire gagner un peu en vitesse, vous faire gagner du temps avant que les otages n'aient quoi que ce soit qui leur arrive. Arrêtez-moi si je me trompe, Nimea, mais je crois que les Ursa ont une tourelle à leur sommet. Est-ce qu'on peut pas utiliser ça pour progresser plus vite et avoir une puissance de feu supplémentaire? On peut, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de restrictions par rapport à ça. En tout cas, elles fonctionnent. Hein. Elles ont été révisées, j'imagine. On n'envoie pas n'importe quel matériel sur le terrain, vous savez. Oui, je m'en doute pas du tout.
Bon, la question est, qui va piloter les Ursa? Pour l'instant, le sergent Nimea et moi-même piloterons les Ursa. Vous serez donc à l'arrière. Nous allons utiliser les arrières pour, nous allons utiliser les Ursa comme bouclier. Je vous inviterai donc à rester à l'extérieur et à bien repérer les cibles latérales potentielles afin que nous puissions faire une traversée derrière les lignes ennemies. Par contre, Alpha, le siège, non, c'est pas comme ça que ça s'utilise. Hein. Bah oui, connard. C'est de sécurité, je pense. Là, s'il y a un freinage d'urgence, c'est la nuque. Hein. C'est la nuque qui prend. Ah mais je te dis, je suis vraiment, vraiment à l'étroit, mon siège. Il est solide, à l'étroit. Un bon gaillard. Ouais, mais en fait, il faut s'asseoir dedans, il faut pas être debout dessus, en fait. Quoi? Mais comment ça? T'as pas dit... Mais en fait... C'est une technologie, hein, c'est nouveau. Hein. Excuse-moi. Hein, c'est une chaise, hein. Excuse-moi. Non, mais je vois que la manière dont je m'assois te gêne, donc je vais m'asseoir différemment. Voilà. Ouais, mais j'ai de la peine, j'aime bien les trucs bien faits, tout, l'organisation... Ça te va comme ça? Ah bah écoute... on va dire que ça va aller, hein. Ah, voilà. Ça va aller. Merci à toi. Non, mais ça va, ouais. Ouais, non, ça va bien, là. Okay. Est-ce qu'on ne définirait pas les équipes par Ursa, histoire de ne pas perdre du temps une fois qu'on est au sol, parce que ça... Ouais, bah, impeccable. On a qu'à se dire... on va faire dans l'ordre. Cyril, Taco et Alpha dans le premier, et moi, Terada et Kamak, on ira dans le second. Bien, chef. Vous avez eu le gros lot, les gars. Ouais. Yes. Oula. Dans lequel j'ai pas écouté. Je dois aller dans lequel, hein. Ah ben ça commence bien. J'ai dit Kamak, Terada et moi, on va dans le second. Alpha, Cyril et Taco dans le premier. Ah très bien, très bien. T'inquiète, t'es pas le seul et à pas l'écouter. On est déjà arrivé là, tout le monde se lève. J'ai pas fini mon goûter. Ah sympa la position. Franchement j'aime beaucoup vos positions pour vous asseoir, c'est original. Hein. C'est de la danse interprétative, tu vois. Lui, on a besoin de faire ça pour se détendre. On se détend. Et on va même donner le nom de... Est-ce que tu peux ranger ce sniper rifle et ne pas le pointer contre mon crâne, sergent? S'il vous plaît, quand même. Lieutenant. Sergent ou lieutenant, je sais pas trop. On a toujours eu des soucis avec les grades dans notre escouade, hein. Vraiment. La classe d'Alpha, franchement, en toutes circonstances. J'aime beaucoup la position, la posture. Écoute, je suis peut-être le seul à voir ce que je vois, mais... Écoute, le siège bébé ne m'allait pas, ça n'a pas été designé pour mes hanches de nordique, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Où en sommes-nous de notre arrivée sur place? 160 km. Très bien. Je pense qu'on a un petit peu de route encore. Joli moonwalk. C'est quoi ce joujou que vous avez, lieutenant, en main, là? C'est un sniper dernier cri qui m'a été confié par un ami. Vous l'aviez plus dans les mains là. Vous pouvez le ressortir un petit peu là, parce que je dois avouer que j'ai jamais vu cette bête en action. C'est puissant ça. Ça transperce tout ce qui bouge. Ok. Calibre 50, ça vous dit quelque chose? Ah oui, calibre 50, oui, je connais. Je connais bien. Mais en général, on est plus. Moi, je suis plus close quarter, vous voyez. Plus au corps à corps. Calibre 50, ça a pas le temps de marcher au corps à corps. En général, c'est l'autre Fred qui reste à des lieux du combat et qui s'occupe de la couverture sniper. Je vous rappelle que je suis votre commandant. Oui. Je vous rappelle aussi que vous êtes assis juste à côté de la porte d'éjection. Je pourrais juste... mon doigt pourrait déraper. Fred, j'ai une nouvelle donnée qui m'est parvenue. Restez calme. La zone que vous allez devoir parcourir représente l'équivalent en ligne droite d'environ 25 à 30 km. Ah oui, quand même. Ah oui. Les otages sont certainement retenus dans des montagnes. Le relief est très, très, très difficile à engager. D'accord. Les Ursa vont vous aider très certainement pendant le tout début de leur utilisation à traverser les montagnes, mais faites très attention aux pentes. Les Ursa ne sont malheureusement pas encore équipés. Alors les Ursa peuvent nous déposer à quelle distance de la cible? Je pense une quinzaine de kilomètres. 15 kilomètres, on va se taper 15 kilomètres à pied. Waouh, 15, mais ça va prendre 2 heures les gars. J'ai pas le cardio. Vous n'allez pas être à pied pendant cette phase, vous serez avec vos Ursa, vous irez bien plus rapidement. Oui, mais la question c'est les Ursa peuvent nous amener à quelle distance de notre cible? Vous pouvez très certainement parcourir toute la distance, ça sera à vous d'étudier. Ah voilà,
C'était la vraie question. Donc on aura très certainement les quelques dernières centaines de mètres à faire à pied si c'est accidenté. Exactement. Oui, ça c'est problème. Même pour la discussion, je pense que c'est un peu mieux que d'arriver et sonner la porte avec l'Ursa. Hein. Ce sera j'ai un peu une question, lieutenant. Mon lieutenant, j'ai une question, oui. Mon lieutenant. Lieutenant. Oui. Je peux vous poser une question. Est-ce qu'il y a des bâtiments? Alors ça c'est Timmy, c'est le débit du groupe. Pardonnez-le, il est un peu simple, mais il est gentil. Personnellement, je l'apprécie beaucoup. Il était pas cher à l'embauche. Oui. Donc a priori non, pas de bâtiment sur place. Oh. Il fait froid, Microtech. Oh. Et surtout, on n'a pas voulu engager de terrains dans lesquels des civils auraient pu perdre la vie suite à notre intervention ou à celle des pirates. Donc nous préférons intervenir sur un champ de bataille plus approprié. Ok, la météo ouais. Sur place. J'en ai aucune idée. Mais je pense que Microtech est propice aux fortes tempêtes. Vous devrez vous adapter. Vous avez de beaux yeux, lieutenant. Je tenais à vous le dire. Ah, c'est l'effet des lunettes, ça. Des lunettes? Je vois pas de lunettes, moi. Non, vous avez pas de lunettes, lieutenant. Pourtant, non, vous avez pas de lunettes. Quand même, lieutenant. Vous êtes sûr que ça va, lieutenant? Ça va très bien. Vous voulez mes lunettes, lieutenant? J'en ai plein les lunettes. Non, vous voulez Non, merci. Attention, on va bientôt arriver sur zone, je pense. Arrivée imminente. Arrivée imminente, tout le monde se lève, paré à sortir. Beaucoup de contacts de vaisseau. Nous attendons que le pilote nous fasse descendre la rampe d'accès. Sortez vos armes, préparez-vous. Nimea et moi allons prendre possession de... C'est bon, je suis prêt. ...sur ça. Je vous invite pour le moment à ne pas rentrer à l'intérieur et à nous... Bonjour. À nous suivre derrière les Ursa. Nous allons utiliser les Ursa comme bouclier pour avancer derrière les lignes ennemies en espérant que l'équipe aérienne puisse nous aider. Allez, tout le monde inspecte ses armes. On prépare à descendre. Focus. Je rappelle, Alpha, Team Rouge. Avec Taco et Cyril. Pilote, la situation au sol. Une info sur la situation au sol, pilote. Il est comme son bruit. Votre communicateur doit avoir un souci, pilote. Bon, très bien, vous allez devoir improviser. Ouais, visibilité zéro. Mince, on doit être dans une tempête. Attention, préparez-vous. Ah là, tu continues un petit peu de me coller, ça me gêne. Ah, désolé, je suis un peu ému. Bah, justement, quand t'es ému, tu pues encore plus, donc reste loin, merci. Ah bah d'accord, bah c'est sympa ici. Sympa l'ambiance, cool hein. On se disperse, on fait attention aux lignes de tir, personne se tire dessus, merci. On récupère les Ursa, vous restez à l'arrière des Ursa et on progresse dans le relief. On va essayer de passer les lignes ennemies. Nimea, je passe en première position, vous suivez avec le deuxième. Bien déposé, attention, c'est en descente. Reçu, sergent. Oh non. Il fait... C'est parti, go, 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 go. Allez. Allez, on y va les gars. Allez, c'est parti. Oula, mais dites-moi, c'est qu'il y a de l'activité autour. On éteint les lampes là, s'il vous plaît là. C'est pas le Ok, une équipe dans l'Ursa de gauche, une deuxième équipe dans l'Ursa de droite. Enfin, en tout cas, à l'arrière, Nimea, je prends l'Ursa de gauche. Ok, équipe rouge, on va avec vous allez avec Nimea, avec Kalex et équipe bleue avec moi. Bien chef. Ok chef. Ok, je monte à bord. Ah bah y a la fête, c'est la fête foraine au-dessus. Ouais. Si une partie de l'équipe peut rester à l'arrière de l'Ursa pour... Cyril, vous faites partie de l'équipe rouge, c'est l'autre. Je me mets à la tourelle. Ok. Allez Taco. Cyril, rejoins-moi. Ils veulent pas de moi à côté. On va rentrer. C'est bon, Cyril est avec moi. Taco, passe par l'extérieur. Ça. Passe par l'extérieur. Attends, c'est bon, c'est ouvert. T'as le cul trop gros. C'est bon. Non, c'est bon, nickel. C'est bon. Donnez-moi les cibles à acquérir. Il doit y avoir quelques cutlasses qui passent au-dessus de nous. Cible Ursa numéro 1, en avancée. Affirmatif, Ursa numéro 2 sur vos talons, lieutenant. Alors utilisez les désignations rouge et bleu, hein, pour qu'on se comprenne. On a quelqu'un rouge. Dans la tourelle déjà, chez nous. Négatif. Ursa rouge, quelqu'un dans la tourelle. Négatif. Ok. Attends, faut que quelqu'un se décale parce que là on a. Ursa rouge, désignez-vous pour monter à la tourelle, terminé. Mais bon, Cyril est dedans. Je m'en occupe les gars, vous êtes entre de bonnes mains. On est en portée des meilleurs tireurs, mais bon, ça le fera. Des véhicules ennemis.
Véhicule ennemi en vue, on est à plus de 2000 mètres, on est en train de faire. Ça veut dire que l'équipe aérienne fait son taf, on continue à progresser, on continue. Ça va Cyril, les contrôles de la tourelle? Ah ouais, c'est top. C'est top. Ah ouais. T'as pas demandé si c'était c'est... top. T'as demandé si bien. Ça marchait. C'est bon, ça a l'air de marcher à ce que j'entends. Je m'en occupe, t'inquiète pas. La visibilité est pas mal pour l'instant. Vous êtes sûr que vous voulez laisser les lampes allumées? C'est dangereux. On est obligé pour l'instant. Peut-être qu'à terme on aura besoin une fois qu'on aura passé les lignes ennemies, mais pour l'instant le terrain est très accidenté. Ursa bleu, multiple cible en l'air, venez tirer. Terminé. On reçoit des tirs, je change de trajectoire. Non, c'est moi, j'ai glissé. C'est Cyril. Vous nous collez au cul. Pas question qu'on se perde dans les montagnes. Ouais, vous inquiétez pas, on vous a en cible. Ursa rouge et Ursa bleu, on est derrière vous. Et attention, là ça devient assez accidenté. Attention, le terrain devient légèrement accidenté. Bien pris. Attention, il y a les combats nous suivent. Au-dessus de nos têtes. Voilà, vache. Cyril, établissez un périmètre de défense. Grave. Ouf. Mais je crois bien qu'on a perdu un chasseur. Je sais pas si c'était un des nôtres, mais en tout cas, il a pas duré bien longtemps. On continue. C'est pas notre problème. On va se mettre à l'intérieur de la forêt pour nous protéger. Et ça rouge, collez-nous aux fesses, on entre dans un défilé, ça va pas être évident. Merci bleu, on est derrière vous. La montée devient rude, on va essayer de rester derrière les arbres. Hé hey, Taco, va pousser. Sors pousser, Taco. Et à sortir du terrain. Allez là. Allez Titine, t'accélères là. Ça mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Mais terrain accidenté, je dois refaire notre passage. C'est ça d'acheter Dacia en même temps, les gars. Hein, c'est dangereux là, on a la Ursa bleu à l'arrêt, Ursa bleu stop, Ursa bleu stop. On est à l'arrêt. Taco, viens ouvrir la porte. On a semé Ursa rouge, on va les attendre. Okay. Ouvre-moi la porte, Taco, s'il te plaît. Ouais, j'essaye, mais attends. Je vais reculer à fond. Au secours. Oh merde, vous êtes bloqués, je crois. Au secours. Attention, est-ce que cette foutue porte peut s'ouvrir? Attends, je me mets tout au fond pour pas le bloquer. Qu'est-ce qui se passe derrière? Kalec? Pourquoi il y a Kalec qui... Parce que je suis mort. Ça a fait bugger dans l'Ursa, vous inquiétez pas. D'accord. Vous voulez dire que vous êtes dans le coma? On a besoin d'un pilote. Les gars, vous pouvez venir nous tracter? On a besoin d'un pilote. Je peux prendre la voiture, chef, si vous voulez, chef. C'est pas un problème, chef. Je savais que je sais conduire, chef. Allez-y, vous pouvez prendre les commandes de l'Ursa. Allez-y. Kamak, vas-y. On va où? Attention, on attend les autres. Est bien parti. Attendez, Ursa rouge, on est sur votre gauche. Attendez. On est là. On est en train de redémarrer. Ok, Ursa bleu. Ok, je viens de recevoir les informations, les coordonnées des otages. Je vais vous transmettre tout de suite. Bien les reçu. Informations. Ok, nous les gars, on a un problème. La porte est bloquée. Je suis bloqué dans le cockpit avec vous. Est-ce qu'on est à l'arrêt, Nimea? Faut vous dire que vous avez eu 30 heures. C'est bon. Coupez votre lumière. On est en stand-by là, on sapin oui. De Noël. Ok. Il y a beaucoup d'activités, chef. À c'est Pacast, vraiment la guerre en face. Vous pouvez sortir. Ouais, c'est okay. Noté. Les cibles sont Edarius et Ivo de l'Or. Je vous invite à rejoindre leur point le plus rapidement possible avec les Ursa. La porte est toujours fermée. Allez, on y va. C'est bon, on peut sortir. On arrive à avancer, c'est bon? Ouais, ça avance. Faut y aller doucement avec les obstacles. Attention devant toi, y'a un caillou. Ouais, je l'ai. On passe à travers, c'est bon. Non. Allez, Titine, allez! Oh la vache, c'est dur, mais on y est arrivé. Ça passe! Et d'abord, il y a. On vous pousse, les gars! Y'a pas de problème, on vous pousse. Ok, marche arrière, pas de problème, on continue. On est bien, on est bien. Marche arrière? Attendez, c'est parfait les gars. Nimea, arrête-toi. Faites demi-tour. C'est original, mais on va essayer de rouler en marche avant. Ouais, ça peut être pas mal. Le problème, c'est que la marche avant est difficile, chef. Est-ce qu'on prend la... Attention, j'ai entendu une explosion. Attendez, chef, je vais faire une marche arrière plutôt. Vous inquiétez pas, chef. Il fallait que le lieutenant ait une crise de panique à ce moment-là, vraiment quoi. Il faut que quelqu'un prenne ma place, j'ai pris un coup. Vas-y, j'arrive Nimea, décale-toi. Une équipe va revenir chercher Nimea. Attends, décale-toi Nimea. Vous pouvez commencer à... On se fait tirer dessus, c'est quoi ça? On se fait tirer dessus. Fuyez, y a l'Ursa, le premier Ursa a explosé.
Non, 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 on est là. Ursa rouge a explosé, Ursa rouge a explosé. Ah bon? Ursa rouge a explosé, oui, oui. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ils se sont fait tirer dessus, chef. C'est la guerre, vous croyez quoi, chef? Attendez. Il a pas tort. Fuyez. Mais oui. Mettez-vous à couvert dans la forêt. Dans la forêt, oui, c'est pas con la forêt. Ursa bleu, vas-y, foutez-vous à couvert dans la forêt. Mettez-vous à couvert dans la forêt, éteignez les lumières. Les lumières sont éteintes depuis tout à l'heure, je vois rien. Ok, on part forêt, chef. On est mort. Mon dieu, j'ai l'impression d'entendre des fantômes. Vivez pour nous. C'est mes amis, c'est comme s'ils étaient encore parmi nous. Il faut se battre pour eux. Pour nous. Y'a qui était avec vous, Alpha et Taco? Taco, Cyril, Nimea. Nimea, Cyril, c'est bon. Taco. Tout le monde est là. Vous êtes mouru. Bon, on vous envoie décédé. Vous allez être transformé en seconde escouade, on va vous en renvoyer sur place. Alors, vous allez pas numéro 3, s'il vous plaît, je vous attends sur place. Réincarnation. Zouip. C'est bon, je suis vivant, les gars. Vous allez pas de numéro 3. Allez. Go, 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 pas de numéro 3. Ah, les règles physiques sont incroyables ici. Hein. CSC, tout va bien. Petit coup de Heroes Never Die. C'était prévu. C'était prévu. Allez, pas de 0-3, tout le monde est là. Pas de 0-3, ouais, on se calme, j'arrive. Attendez, attendez un petit peu. Il vient de réincarner. Par où? Oh, la musique est bien, hein. Une fois que tu te fais réincarner, c'est fou. Hein. Je savais pas que ça s'accompagnait de... Je savais bien que je devais être bouddhiste, déjà. Je savais bien que c'était une bonne idée d'être bouddhiste. Et je suis très content d'avoir été réincarné avec une super musique comme ça. Allez, j'arrive. Choix. Pas de 0-3, c'est ça? Ouais, affirmatif, tout le monde dans le vaisseau. Allez, pas de 0-3, je vous ramène. Bon, bah... Première expérience de mort, hein. C'était spécial. Personne n'a aimé ça. Non. Malheureusement, on subit un peu le jeu pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. On va donc on va vous ramener sur zone et on va vous donner une légère avance par rapport au premier groupe afin que vous puissiez les guider sur la zone des otages. Okay. Donc on va vous mettre en scène dans une deuxième équipe qui aurait pu aller beaucoup plus loin que la première, qui aurait eu une autre opportunité. Voilà. J'attends juste, je crois, Alpha, c'est tout. C'est ça. Super. Alpha qui arrive, 512 mètres. J'arrive. Je suis dans l'ascenseur. Là. Sweep. Non. C'était pas de 0-3. Ouais, pas de 0-3. Affirmatif. Ouais, j'suis t'es là. Ah, oh, c'est un Pisces. Ouais, Pisces. Pisces. Ou Pisces, je sais même plus. Si Pisces. Un Pisces. Pisces. Un Pisces. Allez, c'est un parti. Je en m'entendant le Pisces, c'est un peu cher. Allez, le Pisces. Oh, pas cher. Puis se casse à fond la caisse. Allez, c'est bon, on est parti. Il manque du monde ou pas? Bah, je sais pas, non, t'es pas dedans, non? Ah, si, je suis dedans. Hein. Faut que je m'assoie dans le vaisseau. Lève-toi, ouais, Taco ou Cyril, levez-vous. T'es des 5 là, j'aimerais bien, ouais, si tu pouvais t'asseoir éventuellement, c'est bizarre. Okay. Ah, merci, Cyril. Attends, hop, je m'assois. Vous me voyez ou pas? Ah, ouais, c'est bon. Oui, c'est bon, t'as pas réussi. On peut y aller, Calégo. Hop. Vas-y, Cyril, si tu veux t'asseoir. C'est oh, c'est bien aimable. On est les squads de réservistes qui viennent de Toulouse, là. On est pas... on a... Le RP, c'est qu'on a tout la seule accent du sud. On est un peu cher. Ah, parce qu'il faut... Il faut bien qu'on soit des personnages différents, là. Donc, vous êtes voilà. Des personnages différents, mais vous êtes censé être en première ligne déjà depuis le début. Donc oui. C'est censé être une marge temporelle, vous voyez, capitaine. On est dans la mêlée, Madiak. Là, on est dans la mêlée. On pousse dans la mêlée, là. On va chercher le ballon. Comme on nous a appris à Perpignan. Ça va qu'elle est croquante et croustillante cette histoire. Ah, c'est croustillant, ah, c'est proto-sensuel, je te dis. Mais... Poussez les petits poupons. Allez. La cocotte. Let me doubt. Ok, donc là on va arriver sur zone. Cyril, je crois que tu as perdu la tête taco. Essayez de vérifier si vous n'avez pas perdu vos armes de poing. Vu que vous êtes mort dans l'Ursa. Au cas où. Négatif, c'est bon, j'ai. Ah, ok. Ah, est-ce que j'ai perdu si vous êtes pas voilà, si vous êtes pas perdu vos armes c'est bon, moi. En mourant. T'as pistolet luche lance roquette? T'as pas d'arme SMG ou quoi d'autre? Ouf, ah par contre je crois que j'ai perdu ma SP8. Oh, ok. Bah au pire si tu veux t'en remettre une si t'avais acheté 2-3. Ouais. Hey, pose cette arme. Je vais tirer avec son couteau là.
C'est moi le commandant maintenant. Obadiak, tu vas. Tu poses cette arme, Obadiak, tout de suite là, tu te calmes là. Oh peu cher, je vais prendre le contrôle du vaisseau. Tu peux couper le saucisson avec ça, mais pas nos vies, s'il te plaît, hein, merci. Tu poses ça tout de suite. Il attaque le vaisseau. Je niquais le cuir. Attends, comment tu as sélectionné le couteau? Le couteau de quoi? Ah. La. Attention. Je te joutais. La joute. Comment vous l'avez joué? Non, on arrête. Chut. Ça tire déjà. Comment vous l'avez pris le couteau? 5. Chut. C'est marrant parce que le personnage fait chut à chaque fois qu'il tape. Le couteau, attention, le couteau tue. Ouais, on va le ranger. One shot, non, mais 2-3 coups, c'est fini. Ouais. Restez calme à l'arrière, s'il vous plaît. Restez calme, posez tous ces couteaux. Tu as un clic molette, tu one shot, hein. Ah oui, d'accord, ok, on fait gaffe. Ouais, en fait, tu fais une prise où tu mets un coup de couteau dans la gorge, en fait. Ok. Tu pourras peut-être en faire un tout à l'heure si t'es discret. On va peut-être éviter de faire ça. Écoutez, capitaine, si vous êtes bien discret devant les lignes ennemies, avec le couteau, vous pouvez peut-être faire quelque chose d'intéressant. À nous, de toute façon, on nous appelle les petits hippocampes. Nous, nanana, le nom de cette escouade, ce sont les petits hippocampes de l'étang de Tau. Et on est très discrets. Nous sommes extrêmement discrets. On ne nous voit pas, on est tout petits. Et on passe derrière les lignes ennemies. C'est le but de cette escouade. Voilà. Espérez bien. C'est bien pour ça qu'on vous a choisi, peu cher. Pire accent du sud. c'est différents accents de différents endroits dans le sud qui ont rien à voir, ça, non? Ouais, je viens de Perpignan, moi, ici, pour ça. Perpignan. Non, puis là, t'en rigoles, mais moi, je le subis tous les jours, hein, j'en peux plus. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, le RP est mort. Mais non, le RP est pas mort. De toute façon, on reprend le RP dès qu'on arrive sur site. Hein. Là, on. C'est ça, voilà, pour l'instant. On se réincarne. Un joueur qui est pose cette arme. De toute façon, la mort en général, ça détend bien. Donc. Pose cette arme. J'en peux plus. Au début, c'est des barrières. Après, c'est des missiles qui sortent de nulle part. Si tu me tires, je tire. Le meilleur Mexican stand-off, quoi. Pose cette arme. Si tu butes, je te bute. Ok, ça pose. Parce que, ça juste question, est-ce que l'un d'entre vous a déjà tiré avec cette arme avant? Jamais. Et là, par exemple, si on tire dans le vaisseau, tout le monde meurt instantanément? Oui. Ah bah oui, bien sûr. D'accord. Ça va faire 3 tirs, ça va faire. Range ça tout de suite. D'accord. Rangez vos armes, messieurs. J'aimerais conduire avec prudence et suivre le GPS. Tranquille. Sérénité aussi. Dans la sérénité. Voilà. Sur les poings. Ah, tu t'es fait. Ah, c'est mignon. Sur ton couteau, tu as. Comment ça s'appelle déjà? Les trucs que tu. Ah, un dragon. Une dragon. Non, une dragon. Non, le truc que tu faisais au collège là, avec des fils en plastique. Ah, un Scooby-Doo. Un Scooby-Doo. Scooby-Doo depuis que t'es tout petit. Il est trop stylé ton Scooby-Doo. Regarde. Tu veux que je t'en fasse un? T'as vu, il est beau mon Scooby-Doo à moi. Hein. Ah, oui, t'en as aussi. Super Scooby-Doo. Oh, tu l'as bien tressé. Ah, j'ai pris le tang. Bah tu sais, il y a beaucoup de... Avec les temps de transit entre les différents systèmes, on a le temps, hein. On se fait chier un peu. Tu as fait un tressage africain. Pas mal. Pas mal et tout. Ah, le capitaine, il a eu le temps de faire un Scooby-Doo pour un Idriss entier. Hein. Et toi, tu n'as pas de Scooby-Doo. Regarde mon Scooby-Doo. Ah ouais, oui, tu as Scooby-Doo. Oh oui. Le RP des enfers. Excusez-moi, capitaine. Je vous dérange pendant le pilotage, mais vous avez un Scooby-Doo? Il est lieutenant. Lieutenant. Oh, il a pas l'air intéressé. Alors, le lieutenant est dans une autre communication vocale, sergent. Ah bon? Alors, moi, je trouve vraiment cette mission vraiment, là. Je sais vraiment pas quoi y penser, la police. Ok, d'accord, on va se calmer sur les accents. C'est pas en couille. Ah, moi je suis mon réaliste, j'ai le droit. Soyez gentil avec votre stagiaire du Québec. Ah, je dois avouer, mon ATH est intéressant en bas. Le statut de mon personnage. C'est-à-dire que j'ai les deux bras collés sur mon épaule gauche et les jambes séparées. Ça n'a aucun sens. Vous
n'oubliez pas que vous êtes des rescapés d'une explosion d'Ursa aussi. C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis réincarné en un mutant, je pense. Voilà. Je n'avais pas vu. Magnifique. Et re. 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 On a rangé les couteaux. Les raisons d'organisation, forcément, je change tout le temps de channel. Alors. Ah, bien sûr, bien sûr. Lieutenant, il y a le sergent Cyril qui voulait vous demander quelque chose. Oui ? Est-ce que vous avez un Scooby-Doo ? Il fut un temps où j'avais des Scooby-Doo, mais je suis trop vieux pour ce genre de conneries maintenant. Oh ! Il n'y a pas d'âge, lieutenant ! Il n'y a pas d'âge ! Il n'y a pas d'âge ! Parce que oh. Nous, on a tous un Scooby-Doo à bord. Oh, et sac ton 4 mon terrain avec ton Scooby-Doo là, non mais. Putain. Vous êtes unité d'intervention et vous me parlez de Scooby-Doo. Je sais pas quoi faire. Bah faut bien s'occuper. C'est un mélange de russe et des. Je sais pas oui, quoi pourquoi faire. Je fais jamais d'accent, voilà. Voilà. Je fais plus d'accent, j'arrête. On a un ETA là pour l'arrivée. Nous sommes à 113 km de destination. Alors, arrivée estimée dans 5 minutes. J'utilise ma technique qui me permet. Alors, avant qu'on arrive, petite technique. Vous pouvez faire comme si vous vouliez drifter avec votre vaisseau et vous vous mettez en vitesse de croisière et vous allez pouvoir atteindre, selon les vaisseaux, jusqu'à 2000 mètres par seconde. Ouais. C'est un petit tips qui me permet de gagner du temps précieux pour aller jusqu'à Microtech. Bonne info. Je reviens les copains, j'ai un appel personnel. Ça marche. Bon voilà, il s'est passé des choses sur la planète. Je crois qu'en fait, je sais pas si on est mort d'un bug, ou si on s'est pris une mauvaise rafale, ou si on s'est fait stream snipe en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on s'est fait tirer dessus. Hein. Je sais pas vous, moi j'ai eu l'impression qu'on s'est fait tirer dessus, et qu'on s'est pris juste la rafale qui nous a one shot le Ursa. Mais bon, là en gros ce qui se passe, donc vous l'avez entendu, on est en train de revenir sur le site. Et on va se poser et en gros on va reprendre le RP tout claqué qu'on fait mais version cette fois-ci comment ça il a quitté le channel Cyril, qu'est-ce qu'il a fait, il est mort, mais qu'est-ce qu'il fout, il va bugger, il va se tuer, donc on va refaire, ouais c'est un tir hein, on est d'accord, on va du coup faire un autre RP comme si on était d'autres soldats. Donc je pense que je vais arrêter avec le grincheux qui insulte tout le monde. Merci Darksider pour les 11 mois de soutien. Old Batman, merci pour les 2 mois. Pomme de terre, merci à toi. Vous êtes hyper nombreux, ça fait plaisir à voir. Merci à tous d'être là ce soir. Je pensais pas que vous seriez aussi nombreux ce soir. Non, on n'a pas fini The Witcher. The Witcher, on reprend demain. Merci Malicia Wells pour les 2 mois de soutien. Elzaria pour les 41 mois de soutien. ESL underscore Igor, merci pour les 31 mois. Toujours un plaisir de regarder tes streams. Mais après, même après tout ce temps. Merci Igor. Merci Phoenix aussi pour les 2 mois, Valkyrie pour l'année de soutien aussi. Hello Alpha, déjà 1 an, continue ce que tu fais et fais surtout plus de SC comme ce soir. Hâte de voir Squadron 42. Ah oui, carrément hâte de voir Squadron 42 aussi, vraiment. Grudu, merci pour les 6 mois. Hero SSBU aussi pour presque 1 an de sub. Ice Eagle, merci pour les 2 ans aussi. 2 ans, oui, bonne année. Merci, bonne année à toi aussi Ice Eagle, merci pour les subs de 2 ans. Red J, merci pour les 11 mois aussi de soutien. Warning pour les 3 mois. Captain Fox, Jackie, 8 mois. Miki Oro pour les 6 mois, Binuts pour le Prime, Mireille pour les 9 mois et Exedios pour les 15 mois de soutien. Go ! Quoi, go ? Ah ! Nimea a dit, ok. Joli bon. Coup de magie. Hein. J'ai terminé l'appel, j'avais un appel à mon petit cousin un petit peu attardé. Nous sommes sur place, soldat Alpha Cast. C'est noté. Alpha ! Ouais. Alpha, vous n'êtes pas mort ! On est de retour ! Seigneur Paul, ouais ! Non, mais c'est pas Alpha, moi, là c'est Gérard, c'est son cousin. Ah, Gérard Cast. Comment ça, vous dites qu'Alpha est mort? Ah bah non, il va bien. Non, c'était ah bon juste... Oui, il va bien. Et Mais il était pas avec vous pour cette mission? Si, et bah il est à la plage. Il s'est trompé, il est parti de l'autre côté, voilà. D'accord, ok, bah tant pis alors, bah je le contacterai après. Oui, équipe merci d'intervention, nous passons au-dessus de vous. Oui, on vous voit. Équipe d'intervention légèrement plus loin, j'en ai l'occasion. Coucou. On vous fait des appels de phare. Ah oui, ok. Oui, je vois. Oula, voilà, mais dites-moi, mais c'est que le temps. Mais le temps est pourri sur votre planète. Le temps est dégueulasse. On va essayer de monter jusqu'en haut de la colline. C'est pas Terra. Hein. Si j'en ai l'occasion, je viendrai récupérer l'équipe d'intervention. Vois plus rien. Attendez, restez ici. Attendez, je vous donne le départ pour top. Ne passez pas la porte.
Terada, Kamak, essayez de monter en haut de la colline. Oui, essayez de progresser de quelques mètres. J'ai envie de faire un zizi. Il y a beaucoup de neige par ici. Hein. Oui. La tempête est totale. Tu vas t'en sortir, j'y crois. Maria, capitaine, vous êtes où? Allume la lampe. Allume la lampe. Je sais pas pourquoi je suis content de pas être dans son escouade, ami. Ouais, je suis là. Essayez de suivre par là où je marche. La pente est trop abrupte, on n'arrive pas à grimper par là. Équipe d'intervention numéro 2, nous sommes au sol, vous pouvez sortir. Go 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 go, on y va, qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi ça... Pourquoi vous refermez? C'est une sortie, nom de Dieu. Go 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 go. J'ai glissé le long de la paroi, mais je vais bien, pas de problème. On passe de l'autre côté, essayez de monter au sommet de la colline, essayez de trouver un passage. C'est un peu pentu quand même, hein. Ouais, j'entends bon, rien. On n'y voit rien. Il y a la reine des neiges. Mais attendez, il nous balance ici 600 véhicules, qu'est-ce qu'on fait? Vous progresser jusqu'au VIP, Falco 7. Allez-y, okay. Commencez à progresser vers les VIP, j'essaie de ramener le Falco 6. Quelle direction? Suivez-moi, Jean, suivez j'arrive au sommet de la montagne. Suivez Taco. Première classe Taco. Ok, on le suit. Checkpoint. Il est où? Ok, on vous suit. Oh, 7000 mètres, 7800 mètres. C'est fou, ça me rappelle Aurillac quand j'y habitais. C'est bon en plus. Parlez d'Aurillac sur la planète X382 TUZ. Ah non, sur Terra, ça va pas changé. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Ça n'a pas changé. Ok, le terrain est... Je ne pourrais pas me poser ici, vous allez devoir sauter dans le véhicule. Attendez-moi. Porte ouverte en préparation, lieutenant, en attente d'instruction. Essayez de récupérer l'équipe... essayez de récupérer l'équipe bleue, là. On arrive, on est sur le chemin. Sale temps, hein. Ouais, fait un sale temps. On va se faire écraser, attention. Hein. Comment ça, on va se faire écraser? Non mais dessous là, tu le Pisces, c'est bon là. Ok. Ok. Là, go, à l'intérieur. Je suis en train d'arriver. Allez, hop. Ah merci. Incroyable. Ah yes. Okay, on en a deux, lieutenant. Il manque plus que... J'ai l'impression d'être à Space Chamonix. Il y a des squads Pépito. Space Chamonix. Il y a pas des tire-fesses dans le coin? J'avoue que ce serait pratique, un petit tire-fesses là. Un petit télésiège quoi. Un télésiège, j'avoue que ça serait cool aussi. Toi le DNA. Je vous vois. On a 7600 mètres en hey, merveilleux. Allez, bien bon, lieutenant, go, bon, lieutenant. Ah, putain, j'ai de la buée sur le casque et j'y vois rien du tout. On y voit comme à travers une pelle sur cette île, c'est terrible, enfin sur cette planète, excusez-moi. Oh là là, mais on avance à 2 à l'heure maintenant. En même temps, c'est le brouillard devant. On voit rien. Ah, il a glissé, le lieutenant. Lieutenant Kalec, est-ce que vous avez ramené des armes par hasard? La Falco 7 a de quoi tirer dans le tas, mais je vous conseillerais d'être le plus furtif possible. Ça va, Cyril ? À partir du moment où vous êtes à moins de 10 km des cibles. Je vais tenter de vous recartographier la zone afin que vous puissiez repérer les VIP. Très bien, Falco 7, qu'est-ce que vous appelez Falco 7 ? Falco 7, c'est la deuxième équipe qui est juste devant nous que je vais essayer de vous faire rejoindre. D'accord, vous voulez dire l'équipe rouge donc ? Équipe rouge, si vous le souhaitez. Ah, cette balade. Vous pouvez me réinviter dans l'escouade, s'il vous plaît. Cette balade me rappelle un récit d'un ennui mortel qu'un ami nommé Kojima m'avait raconté l'autre jour. Okay, allez, on va y arriver. Attention, on le prépare. Non, besoin de. Go. Go, ok. Go, tout le monde. Oui. Go. Affirmatif, lieutenant. Je suis derrière. Ok, on se regroupe. Équipe rouge, équipe bleue. On se regroupe. Alpha, Taco, Cyril, rejoignez-nous. Reçu. On est là, on est sur site. Ah, ça fait baisser, c'est bon de vous voir, les gars. Ça fait plaisir. Tout. Oh, par contre, le temps a vraiment tourné, c'est la catastrophe. Ah oui. On a aucune visibilité. Je vais devoir refaire notre groupe d'intervention, ne vous inquiétez pas. Allez, les gars. Ça fait plaisir de vous voir. J'ai des contacts, sans nom devant moi. Confirmé. Oh mon dieu, on se voit plus. Bienvenue dans mon monde, c'est ce que je vois depuis tout à l'heure, les gars. J'ai flippé, j'ai chié dans mon froc, je vous ai perdu 3 fois. Allez, on essaye de pas trop disperser là parce que le temps est dégueulasse. Hein, si on s'éloigne, donc laissez les lampes allumées pour l'instant histoire de se repérer. S'il y a un contact, on l'éteindra. On vous suit. Bien reçu.
commandant, il prend bien les rênes. Hein. Commandant. Ouais, bah, ouais, commandant, c'est ce qu'il fait. Hein. Regardez, c'est il est devant fait. Tout seul, là. Il est chaud. Dans le brouillard, il a fait ça toute sa vie. Et je crois qu'il était guide touristique dans une autre vie. C'est ça. Non, vous n'avez pas déjà fait du hors-piste par hasard. J'ai fait, je faisais le tour de la Space Bretagne sur la Lune. La Space Bretagne, c'est fou ça. C'est, ouais. C'est pas le fameux pays New Space Bretagne, justement. Oui, New Space Bretagne. Ouais, ouais, bien sûr. Et il cassait les couilles pour être indépendant, non ? Ouais, c'est ça. Ok. Accepter les invitations du groupe. Je dois vous... Aïe. Je dois vous dire que... Les gars, fait... Oh, on a perdu Cyril. Attention, les gars. Alors, attention, il y a un trou. Je suis désolé, allez-y, moi. Je vous rattrape. Vous inquiétez pas. Okay. C'est bon, vous inquiétez pas. Vous pouvez... Ça va l'air un peu dangereux, quand même. Tu peux le faire, Terada. Vas-y, t'inquiète. Allez, je glisse. Petit accroupissement, c'est bon. Alors, donc moi je suis désolé. Je suis atteint de la maladie des os de verre. On a, dans la famille, on a beaucoup de problèmes et du coup, je vais faire attention moi pour descendre. Oh, je suis désolé, d'accord. Cyril. Ah, ouf. Attention sur la nuque. Oh là. Capitaine, ah, j'ai saigné un peu. L'unité, je crois. Ah, ok, excusez-moi, j'ai eu peur. Je suis désolé. J'ai saturé les coms, je pense. Je suis désolé. C'est bon, sur bas. Bonjour Nino, tout le monde a sauté. C'est Gérard, moi. Qu'est-ce qui se passe là ? Mon nom est Gérard de la Rivière. Oula ! On se fait tirer dessus, attention ! Éteignez les lumières ! Éteignez les lumières ! Coupez les lumières ! Ne me perdez pas de vue ! Terra ! Terra, cours ! Terra, cours ! 20 ans ! Oh non de Dieu ! Terra, cours ! Je suis fait full focus ! T'es mort ? Ouais ! Putain, wouah! Courez. Ok, il est mort, il est explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est craché près du. Il s'est craché près du sergent chef Pépito. Chef, vous allez bien? J'ai tué l'ennemi, mais... chef. Bien joué. Il vous dérangera plus, chef. Promis. Terada est mort. Je suis au paradis. J'entends mais une je voix. Crois que je peux revenir. J'entends une voix. Vous m'entendez? J'entends une voix, je sais pas. C'est comme si c'était la voix de Terada, mais il est mort. Il va pas pouvoir parler. Mais. Je crois, je vois de la lumière. Alpha, reste avec moi, donne-moi la main, s'il te plaît. T'es où ? Ah, yes. Je suis là. Je suis avec toi. Restez collés. Putain, mais on voit j'ai rien la direction, du tout. On y voit j'ai reçu les indications de la direction. On y voit vraiment quand même. T'as ta lumière, est malheureux. Non, mais je pense qu'on a plus de. Y'a plus de risque, hein. Chef, je crois que c'est vers Iboldor qu'il faut aller, pas vers Patatrus, si. Le chasseur s'est craché, donc ça devrait aller. C'est à peu près la même direction, c'est sensiblement la même chose. Ok, attendez-nous les gars, faut qu'on se regroupe. On arrive. Chef, on est loin. On traîne un peu avec Cyril, chef, mais... Chef, il y a un bocage, mettons-nous dans le petit bocage qui est là. Le chef. Bocage, un bocage, yes. Éteignez... bocage. Venez chef, j'ai trouvé Alpha un bocage, chef. Oui. Gérard, éteignez votre lampe. Gérard, oui. Mais on y voit vraiment rien par contre sans la lampe, hein. Mais je vous ferai des appels de phare pour vous indiquer par où il faut passer. Très bien. Cessez de m'appeler comme mon cousin, c'est comme si... Il était pas du tout allé là où vous avez dit qu'il est allé et que... C'est purement un hasard, il est sur les célèbres plages de Microtech. Mm-hmm. C'est pas une planète de glace, Microtech, monsieur ? Oui, et alors ? Non mais, d'accord. Oula, j'entends un bruit. Qu'est-ce qui se passe ? On dirait un tremblement de terre ? Je sais pas. C'est un vaisseau, non ? Il y a un vaisseau, chef. Chef, j'ai l'impression qu'il y a un vaisseau pas loin. Ok, Alpha, Cyril, préparez-vous à décocher vos lance-roquettes là, vous les avez ? Ok, on décoche. Ouais. Décoche, alors là, y'a pas besoin je de décoche. Le dire deux fois. Décocher. Comment ça fonctionne ? Lance-missile décoché. J'ai jamais tiré avec ça. Juste... Alors, Gérard, si je peux me permettre, ouais. Il suffit de viser la cible et il y aura un lock automatique comme dans un vaisseau. Ok, on a de la lumière droit devant. Heureusement, ça va, on est couvert par la tempête. Équipe d'intervention, je reviens sur votre position, je vais pouvoir vous récupérer et vous faire gagner quelques mètres. Très bien. Kilomètres ? Attendez, on va essayer de se trouver une position plate où vous pourrez atterrir. Oula, j'ai de la lumière sur moi là. Oui, c'est le Pisces, il y a un Pisces qui vient de nous passer. Attendez, stop. Taco, on s'arrête, on a Alpha Cast et Cyril qui sont un peu distants. Le lance-missile est un peu lourd. C'est un peu lourd pour les épaules, ouais. Et c'est Gérard, attendez. Ah bah, il y a Uber qui vient d'arriver. Oh là là. Parfait. C'est toi qui a commandé ? Je crois que la tempête est en train de se renforcer encore plus.
Je crois que c'est moi qui ai commandé, ouais. Dis-lui que tu viens de la part de Gérard. Eh ben rien, monsieur, merci. On partage les frais, non? Ouais, on partage, ouais. Allez-y, allez-y les gars, y'a de la place. Ouais, rangez vos lance-roquettes, ouais. Sous-officier Cyril, rangez votre. Est-ce que tout le monde est à l'intérieur? Voilà, mais t'as l'air combatif, là. Affirmatif. Arrêtez la bagarre. S'il vous plaît, les gars, je sais que l'ambiance est tendue, mais pas une raison d'en venir au point. Et je range. Aïe. Non. Bon sang de bois. J'ai l'impression que nous sommes... que nous sommes blessés. Je meurs une fois de plus. La mission a échoué. Nous sommes au ciel. Zouip. Incroyable. Ah, je me suis réincarné en un... Et je m'appelle... Messieurs, dames, bonsoir. Je vous rajoute tous ensemble... Je m'appelle Francis. Bonjour à tous. Vocal. Je suis le... Je suis le cousin éloigné de Gérard. Encore un. Je suis Gérard. La totalité des joueurs est mort. Je suis atteint de narcolepsie. Je savais que mes points étaient puissants, mais à ce point-là... Y'a un problème. Ouais, la Cyril, qu'est-ce que vous avez fait? Bon sang. Je sais pas, j'ai décoché, chef. J'ai décoché. Comment sont-ils morts, chef? Mais pourquoi ils sont morts? Aucune idée. J'ai tapé dans le cuir. Ils sont dans le commun, déjà pour commencer. Ah. Et puis les shit happens, comme disait. Shit happens, exactement. Okay. Mais what? Exactement. Très bien. Du coup, le plan On va essayer de sortir de Port Tressler en espérant que les ascenseurs fonctionnent. À certains les étages. Les ascenseurs, cas, ceux qu'on vient de prendre fonctionnent. Ah. Mais est-ce qu'on a un point que je puisse aller faire le ménage sur la zone? Alpha, est-ce que tu pourrais essayer de réutiliser l'ascenseur pour nous prendre le prendre Cyril? Cyril, t'as besoin... Ok. Mais alors quel ascenseur? Ouais. Essaye d'ouvrir... on sait pas quel étage on est. Ok. J'ouvre tous les étages. Ah, mais vous savez pas à quel étage vous êtes? Ah oui, vous êtes. Yes, bah, vous êtes. On va se donner rendez-vous devant la baie vitrée. La devise de notre unité, c'est shit happens. Okay, y'a personne là? Ok, c'est pas là que vous êtes. Profitez-en si vous avez perdu vos armes pour faire le plein d'ailleurs. Non, on n'est pas là, vas-y, change deuxième et troisième. Non, y'a pas d'armes, y'a des infos sur. Nimea, est-ce qu'il y a des infos sur ce qui s'est passé? Juste qu'on puisse savoir, parce que là je suis sur zone Angladus. Non, mais c'est pas dû à quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est une explosion du Pi-6 que j'arrive pas à expliquer. Et j'ai le crime stat comme quoi je suis responsable de cette mort, donc je. Voilà. Sabotage. Sabotage du lieutenant. Sabotage. Je ne vois qu'une seule explication. J'ai toujours pas d'arme. Du coup, moi je suis déjà sur zone, je vous attends. Surveiller les ascenseurs. On fait genre on a rien vu, on recommence. Ah, le scénario c'est que le lieutenant est un traître. Non. J'ai toujours su. Pas prévu. C'est stylé de ouf. Il a fait son petit tour de magie dans la station. C'est trop stylé. Pourquoi le floor numéro 2 ne marche pas? Non, mais ça veut dire que c'est buggé. Les étages 1 et 2 sont buggés alors, c'est ça? J'ai l'impression. Ok. Et comme par hasard, on est aux étages 1 et 2. Bah, ok, Alpha, bah sors. Tu peux retourner sur le bistop. Merci. Je peux pas. De quoi? Ça t'a coincé dans l'ascenseur? Je suis bloqué dans l'ascenseur. Quelqu'un peut appeler l'extérieur, ouais. Quelqu'un peut appeler un ascenseur au lobby, s'il vous plaît. Est-ce que tu sais, t'es dans celui de droite ou celui de gauche? Je suis à droite. Première porte à droite, je crois. Les ascenseurs sont interconnectés, donc si même s'il est à droite, il ira à gauche. Là, tu m'as perdu, mais. Okay. Au secours! Enfin, tu sais, les ascenseurs sur ici, ils vont en haut, en bas. Non, mais appelle-les tous au pire, on sait jamais. Ouais, j'ai tous les appelés. Ah, il faut appeler, je pense qu'il faut appeler un dépanneur normalement d'ici 2-3 heures. C'est dommage, mon cousin Gérard était dépanneur avant. Ah. C'est vraiment pas de chance. Et vous, c'est quoi votre nom? Julien? Moi, c'est Francis. Francis? Oui. Ah ouais, grosse imagination. Écoutez, on est une famille, on vient de Lorraine. C'est vrai. On vient de Lorraine, on va tous les dimanches au Puy du Fou. Exact. Quelles sont les instructions, Kalec? On attend les ascenseurs. Vous en êtes là, d'accord. C'est quoi le souci avec Francis? Ouais, je sais pas, apparemment, Fred a un problème avec Francis. Ah, t'es pas dans le premier ascenseur que j'ai appelé? Non, je suis pas dans ce stuff Kinder Surprise là, je vais en ouvrir d'autres.
Et il bouge ton ascenseur ou pas du tout? Ah, ça, y a pas trop de bruit, hein. Y a une caméra qui me regarde. Coucou. Mais il bouge pas. Ouais, y a qu'une zone d'habitation ici. Ouais, y a qu'une zone, c'est chiotte. En fait, l'ascenseur dans lequel t'es, il vient pas. Mais regarde. Je vais vérifier. Crise cardiaque, je suis mort. Je vous parle de l'au-delà. C'est parce que ton nom était dégueulasse. Bon, messieurs, je suis obligé de prendre une décision. Je m'appelle Francis Hubert, je suis. Oui. Je suis navré, je suis obligé de prendre une décision pour arrêter l'événement. On subit trop de choses vis-à-vis du jeu, comme je le redoutais. Donc y en a qui pourront faire l'event, il y en a d'autres qui pourront pas le faire, donc ça aura pas d'intérêt de faire jouer la moitié. C'est le but, c'était quand même de vous faire jouer tous ensemble. Donc on subit Portressler, on subit les bugs, les machins et tout, donc je suis désolé, profondément désolé pour tous ceux qui voulaient prendre le temps de voir cet événement ce soir, mais qui donc devraient être repoussés ou abandonnés. J'étais mute. Moi là, je suis sorti de l'ascenseur oui, en fait. Oui, Carada, t'étais mute. Ouais, en fait, on est obligé d'annuler l'event parce qu'il y a deux personnes qui sont bloquées. Et comme le disait Kalec, on peut pas. Le problème, c'est que le temps de la préparation, il y a environ une heure de préparation hein, encore. Mais les gars, je croyais que c'était. Parce que là, nous, on est débloqué des ascenseurs. Hein. Enfin... Tu veux vraiment annuler l'event hein? Parce qu'il n'y a pas moyen. Vous avez essayé le coup du slash dance deux? Ouais, ça fonctionne pas. J'ai essayé le slash dance 3-4 fois, il veut pas me faire esquiver. Ouais. Je suis en analyse de toutes les possibilités possibles, hein, donc si dans 5 minutes j'ai trouvé un truc, je vous le dis. Mais là, concrètement, pour l'instant, si on quitte le serveur, qu'on quitte tout et qu'on rejoint, on va être au même étage ou pas? Non. Enfin, en vrai, le problème, c'est que si on change de serve, il y a une heure de prep pour que tout le monde se place sur zone. Non, mais c'est là parce que les personnes, tout le monde n'est pas bloqué là de toute façon. Ah, moi je suis sur zone déjà. Ouais, il y a juste quelques personnes bloquées, dont moi. Moi, je suis bloqué. T'es où? Ouais. Je suis à l'étage avec eux, on est trois, je sais pas qui est. C'est Nimea et Kalec, mais JDG pas bloqué, Kamak pas bloqué, Alpha pas bloqué, Taco pas bloqué et Terada non plus. Donc il y a que Cyril qui est. Enfin, il y a Cyril qui est bloqué. Et au pire, vous continuez et moi je peux quitter le serve et rejoindre. Et puis si ça marche pas, bah faites-le, c'est pas. C'est même pas ça, c'est qu'en vrai. J'ai oublié ce que je voulais dire. Yes. La vieillesse. En vrai, JDG et moi, on a perdu notre arme en glissière. Ouais, accessoirement, mais bon, c'est à Osef, tu vois. Mais en vrai, de toute façon, il faudra attendre des correctifs parce qu'on est sur un patch natif qui est sorti avant Noël, qui n'a pas eu de correctif. Donc, c'est sûr que c'était foupoudave, comme on dit dans, comme on dit dans le Sodarian. Mais... Donc du coup, c'est, enfin, y a pas moyen de, entre guillemets, recycler un peu le reste qu'on a là pour finir. Mais oui, Kalec, là je vois il y a tellement de gens sur place. En vrai, attends, si on se déconnecte tout dans les lits et qu'on relance un serveur, il se passe. Oh non, on va revenir au même endroit. Attends, faut que je trouve une solution là. C'est pas possible. Je suis en réflexion aussi. Ouais, je lâche pas l'affaire. C'est juste que pour l'instant, on est obligé de faire un stand-by. Je suis en réflexion aussi. Ouais, c'est vraiment le délai de préparation qui est très long. Bien sûr. Mais si on recommence à la partie où on était au sol, et puis que les gens prennent leur vaisseau et reviennent au fur et à mesure, si vous êtes basé à Mikkel 1, c'est pas si long de se préparer et de monter dans des vaisseaux. Vous faites l'organisation de la suite pendant qu'on est déjà en train de faire le début. Non, mais après, je comprends que c'est quand même un truc qu'il a envie de faire de manière safe, avec tout qui est bien préparé. Ouais. Et là si on reprend un peu à l'arrache, il va se précipiter, du coup il va y avoir des gens qui ne savent pas trop quoi faire, où aller... Ouais. Mais je comprends parce que c'est vrai que le début quand on est arrivé genre sur la planète c'était trop cool, c'était trop classe avec des trucs dans le ciel et machin, c'était trop beau à voir. Donc c'est vrai que là si on le fait un peu à l'arrache, je pense que ça sera pas parfait et peut-être qu'il a pas envie qu'on retienne l'image d'un truc en qui fait, est c'est, genre... C'est faisable mais je suis en train d'analyser les contournements de chaque situation et c'est très difficile pour moi d'assurer le fait que Cyril puisse revenir dans la partie. Mais moi c'est pas grave les gars, vraiment si tout le monde peut jouer et c'est juste pas moi, c'est pas grave, allez-y. Non mais c'est bon, on a compris que tu détestais le jeu, ça va. je mettrai des emotes, non mais allez-y. De toute façon j'ai quitté le serveur et je vais le rejoindre et si je suis dans le même lit, bah c'est juste mort. Donc. Ouais, tu seras dans le même lit, ouais. Ouais, fais ce test déjà et puis on va voir. Pour ceux... Alors ce que je vais faire, c'est que même ce qu'on va faire, on va passer directement à la deuxième phase si jamais on rejoue. Donc je refais votre groupe. Attends, je vous... On me dit que la personne bloquée change de serveur, se logout dans un vaisseau et se reconnecte ensuite sur le serveur de l'événement. Ah mais oui,
Mais oui. Oui, c'est pas con ça. Il reste dans son... T'as un vaisseau avec un lit, Cyril? Ouais, un aura. Ouais, c'est bon. Ouais. Et bah, tu sais, ouais, ça peut être pas mal. Ça va être long, hein, ça va être long. Bah, non, enfin, juste tu sors et tu le fais spawn, tu décolles et tu restes à côté de la station et tu restes dans le lit. Et tu fais bien le logout dans le lit, pas échappe, exit, machin. Okay. Ouais, t'as une option logout lit option en fait. Dans le lit, avec le F, le menu, enfin, tu sais, la souris menu. T'as un freelancer? Non, t'as pas de freelancer, merde. Parce que je sais que les freelancers sont pas buggés. De toute façon, tout le monde est un freelancer là, ils ont donné un truc à tout le monde. Oui, là. Ah oui, mais c'est pour ça, Cyril. C'est pour ça. Prends le freelancer. Prends le freelancer alors. Ok. Le freelancer, je crois que tu peux te log out dedans, y'a pas de bug. Je fais ça tout de suite. Non, mais en vrai, le patch en soi, s'il y avait pas eu de mort du Pisces, on serait tous encore sur place là. Et pourquoi t'es mort toi? C'est parce que y'a un gars qui t'a focus hard ou? Moi en fait, c'est parce que j'avais du Crimstat, y'a un mec qui a pris la mission qui est venu me buter en fait. Ah d'accord, et, donc c'est juste pas, un vieux gars. Ce manque de bol absolu quoi. Ah ouais, putain, vraiment quoi. Ah, bon, le pire, même s'il y avait eu que ça, je serais revenu, tu vois. J'ai juste perdu un Animus, mais sinon je serais revenu. Là, je suis sur zone depuis un moment déjà. Donc le mec qui t'a tué, il s'est fait instant abattre par les gens qui protégeaient autour. Je sais pas, j'ai. Parce qu'il s'est craché en fait, il s'est craché juste devant nous. Ah. Il sort, c'était magnifique. Le pire, non mais le pire, c'est que avant de mourir, j'étais en train de lock mon Animus. Hein, j'allais tirer 3 missiles d'un coup, genre à une demi-seconde près, c'était lui. C'est pour ça que j'ai pas bougé, j'étais en train de le lock. C'était. Alors ceux qui sont vivants et en station, ce qu'on va faire. Vous avez normalement en coéquipier dans votre partie que je viens de refaire. Si jamais il y en a un qui n'est pas groupé, il me le dit. À part Cyril. Vous allez avoir normalement la position de Ivo de l'Or ou des Darius, qui est la position de la partie gameplay de libération des otages. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre un vaisseau, le vôtre ou un autre ou quoi que ce soit, et vous allez vous poser, on va dire, à 600 mètres. Des otages pour pouvoir reprendre l'action dans la partie de libération des otages. Donc faites ça, on va faire du mieux qu'on peut pour retrouver une situation d'événement en faisant ce système là. Pendant ce temps là, Cyril du coup il va rester avec nous en logistique et on va voir avec lui comment il arrive à progresser pour revenir sur le jeu. Donc je vous invite à vous poser à 600 mètres de Ivo de l'Or ou des Darius. Et si jamais ils n'apparaissent pas, je fais en sorte qu'ils réapparaissent. Ouais, c'est ce que m'inviter parce que. On prend tous le même vaisseau. Vous prenez soit tous un même vaisseau, soit vous y allez en solo, mais en tout cas, vous rejoignez sur place. Essayez d'y aller ensemble, parce que pour les perfs, ce sera mieux. Exactement. T'as un hoplit, non? J'ai un hoplit, ouais. J'ai tout. Unlimited power! Allez, on te suit. Je prends un hoplit. Par contre, il faut une invitation parce qu'on se voit plus. Attends, c'est quoi l'hoplite là? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Je sors un hoplite, on le prend tous, comme ça on va je sais pas où là. Pas de 04. Attends, bouge pas! Arrête de bouger! Ah non, je peux pas t'inviter au groupe. Non, je parlais à la personne qui est pas dans le groupe, c'était Taco? Oui. Ah, il faut inviter on Taco. On va se mettre. Parce que je suis pas sûr de voir bien le pseudo, c'est Evil Door. Attends. Vous êtes pas obligé de tous monter dans l'ascenseur, il faut prendre n'importe quel ascenseur. C'est ça. Non, mais c'est bien tous ensemble. Pas de 04, je sais pas s'il y a des gens qui sont pas dedans. Kalec, en gros, je dois trouver un spot de départ d'attaque de la cible, c'est ça? Là, en gros, je suis à. Je vois pas le nom de la personne qui est là, c'est qui ça devant moi là? C'est Taco, j'ai donné une avis, je pense. D'accord. Ok, je vais me poser là. Parce que je t'ai ajouté au contact, mais je peux pas. C'est qui le chef du groupe normalement? C'est Kalec, non? Il manque pas de... Il est où Terada? Moi je suis sur zone les gars. Il est sur zone déjà Terada. Ah d'accord. Quelqu'un a une SMG à me filer? Partie launch. J'aurais sûrement ça à te filer. Attendez, ça doit être un problème. Merde, parce que j'ai cliqué sur oui moi. Oh non, bah on a perdu l'Opit. On t'a perdu. What the fuck, l'Opit qui est... Je me retourne, l'Opit il a disparu. Attends mais... Quoi? Magie disparu. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah il a rejoint le truc du coup. Non mais Kalec, pourquoi il a relancé? Je comprends pas en fait. Ah ça je sais pas. Oh, attends je vais là. Il est où? Comment on refuse? C'est dollar sign? Tu fais. C'est dollar. Ouais c'est ça. Dollar.
Non. Bah, mais moi je suis con, moi je vois un truc apparaître donc comme un con. Mais ni avant. Oui, t'es, moi, quand je reçois les mails du roi nigérien qui a besoin d'aide, moi je réponds. Hein. Du coup, les ventes t'es maintenu. Bah, on va essayer de faire un truc quand même. 2 millions de dollars quand même, c'est intéressant. Bah oui. Moi je clique. Bon, on va s'en sortir les copains. Hein. Désolé, il y a eu quelques bugs, mais on va poursuivre. Oh, c'est joli. On va poursuivre la mission. Là, j'ai la frappe qui s'est déco, mais il va revenir. Pas d'inquiétude. Ça va bien se passer. C'est une alpha. Mais oui, c'est une alpha. C'est pour ça qu'il y a autant de bugs. Le jeu est loin d'être terminé. En fait, le problème, c'est que, bah, il l'a dit tout à l'heure, qu'Alex, c'est un patch qui est sorti vers Noël. Et depuis, il n'y a pas eu de nouveaux correctifs. Donc, il y a encore pas mal de petits bugs qui bloquent, qui bloquent et qui sont un peu pénibles. Mais bon, on va s'en sortir. Je viens d'arriver, what happened? Notre vaisseau a explosé. Le vaisseau a explosé. Oui et non, Alpha. Là, l'état de ce patch est pas trop excusable. Ah ouais? Ah bah mince alors. Go Witcher. Non, on pourra pas Witcher ce soir. Moi, ce soir, c'est full SC. En gros, si l'événement était annulé, genre vers 21h, j'aurais pu le considérer. Mais là, non, il est trop tard pour Witcher. En fait, le problème de Witcher, c'est si je commence à jouer, je peux pas m'arrêter avant un moment. Donc non, ce sera demain, The Witcher, ok? Je pense même que demain, The Witcher, on commencera vers 16h. Je pense qu'on commencera vers 16h, The Witcher, demain. Au lieu de 18h, vu que c'est dimanche. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, c'est Jaurès. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais non. Ne saute pas. Non, je sais pas. Reste avec nous. T'as été renommé Théodule, au fait. Théodule, ouais. Pas de problème. Toi, c'est. Terada, c'est Joël. Avec Joël. Avec un G. T'es genre. Avec un G. Joël. Les parents qui j'ai rebaptisé, c'est bon. Eh bien, moi, c'est Théodule. Très bien. Et Roger. Et toi, c'est Ectolien. C'est pas bien d'aller voir la zone avec. Non, moi, c'est Erwan. Ah, c'est toi qui m'as dit de me poser à 500 mètres, hein, la zone je l'ai déjà vu déjà. T'es le breton du groupe. Mais Kalec, pourquoi t'as fait un launch server? Tu sais qu'il y a non, c'est moi qui ai quitté parce que je suis aussi bugué, donc j'ai dit à tout le monde de pas rejoindre. Bah oui, mais tu ne l'as pas dit, du coup moi je l'ai join. Non, ouais, tu ne l'as pas dit. Ouais. Ah. Bon, le réflexe du join était très rapide, hein, mais... Ah bah moi je... mais tu l'as pas... C'est frame one, tu vois. J'ai même pas regardé, j'ai cliqué. Tryhard, l'accent circonflexe. Du coup, est-ce que tu... Et on va plutôt qu'être... Parce que plutôt que d'attendre... Erwan? Oui, c'est moi. Est-ce qu'on s'en tirerait pas un bot type et qu'on n'essaierait pas d'avancer si on reste sur ce serveur-là? Tu gagnes 2 points roleplay. Oh, nice. Et tant qu'Erwan nous rejoint... Moi, je suis en négatif depuis le début. Erwan, roleplay. Ah, mais merde, les ascenseurs. Ah, c'est bon, ils marchent. Alors, votre serveur est full, évidemment. Je précise, sinon je serais revenu déjà. Même quand t'es parti, c'était à 49 sur 50, j'ai une erreur 60.05, serveur full, donc en plus ça bug de ce côté-là. Impeccable. J'adore quand un événement se déroule sans accro. Sans accro. J'adore quand un plan se déroule sans accro, yes. Putain, le dernier s'est tellement bien passé en plus. Ah, mais le dernier était en 3.7. Ouais, bah, mais. Bah, cherche pas, hein, c'est tout, t'as compris. Non, mais ouais, mais c'est de la chance complète, hein. C'est juste de la chance. Hein. Les events sur SC, peu importe le patch, ouais. Pour l'instant. Ouais, enfin là, 3.8, c'est quand même compliqué. C'est compliqué, c'est sûr. Théodule? Ouais. Et Joël, pas de 3, ça doit être juste à côté, c'est un cutlass. Pas de 3? Ouais, ça doit être juste à côté, en Eva, vous pouvez. Ah oui, je le vois. Et Octave, il peut venir? C'est qui, Octave? Okay. Octave, c'est bien, j'aime bien. Les aventures de Théodule. Erwan, Octave et Roger. La bande de hipsters, quoi, c'est pas possible. Que des noms de hipsters. Ils ont tous ensemble. Sur Microtech. Pour exploser dans un paysage. Ouais, c'est tellement ça. Ah, oui, ça va bien avec l'ambiance de Microtech en plus. Oh putain. Hop. Bon, vaudrait mieux que j'évite de mourir. Kalec, est-ce que tu es là ou pas? Ouais, je suis là. To live by. Okay. Oui, moi je suis là en vocal. Il manque quelqu'un ou pas? De Taco, je ne suis pas dans le groupe. Est-ce que ouais, mais ça, c'est pas de mon ressort. Je suis sous-officier, moi. Alors,
Je veux dire. Simple et vieux groupe. Je peux pas trop, voilà. Moi, on m'a dit. Je saute. Erwan n'est plus là, donc. Erwan n'est plus là, tout part. C'est vrai qu'Erwan n'est plus là, j'ai été promu, putain. Ah merde, c'est lui le chef putain, maintenant. J'ai été promu. Non, non. Ah, mais c'est pour ça que ça a foiré en fait. Sergent Octave, vous voilà promu. Sergent de deuxième classe. Je vais me poser. Deuxième classe. Non, mais on attend quelqu'un là sur. Mais Dieu Pardon. On y va à 3 là, parce que si on y va à 3, c'est la mort assurée. Mais les gars, venez, moi j'ai envie de dire. Hein. On se cale là au sommet d'une montagne, on se met bien, on se fait une fondue. Ouais, mais le problème, Terra, c'est que je te vois pas en fait. Ah, mais sur la Star Map, peut-être que tu me vois. Ouais, tu crois que je vais me repérer à la Star Map? Tiens, Terrada, pose-toi avec ton ship. Vous allez refaire un groupe, vous, ensemble. Ouais. Comme ça, tu as la direction de l'endroit où il faut récupérer l'otage, okay. Même s'il n'est pas dans ton groupe. Et tu te mets à 600 mètres d'eux. Les ventes, ça va finir, le piscasse, il va nous déposer sur Kalec. l'otage. La technique de freelancer fonctionne. GG, vous avez réussi. Allez, fin de tournage, allez, salut. Ah merde, les phares, j'ai oublié les phares. Oh putain. Oula. Quelqu'un pourrait détruire. Non. Et on va exploser en arrivant sur l'otage. Pourquoi c'est toi qui pilote, Kamak? Je sais pas. Mais tu sais où tu vas? Bah, je sais pas. Je vais rejoindre Terrada. Ah. Tu sais où je suis? Bah non, enfin, on a dit qu'on faisait. Mais non, d'accord, ok. Enfin, je te groupe. Je te groupe. Ouais. Alors attends. J'ai pas été payé pour réfléchir. Hein. Excuse-moi. Attends. Ah, mais si on était ensemble, on faisait partie. Kamak, je t'invite. Ouais, mais en fait, quand on meurt, on voit plus les pseudos, on est obligé de refaire le groupe, donc je regroupe tout le monde. Vas-y. Arrêtez de parler dans le chat. Et sur Microtech? Ok, nice. Alpha. Ouais, je suis déjà sur zone. Ouais, tu m'invites? T'as pas de balise. Je regarde à quel côté. À la fin, Kalec qui va faire mort. Enfin, écoutez les gars, l'otage c'était bon, moi. Bon, allez, merde. Mais les générales, merde. Allez, libérez-moi. Ça va être trop ça. Oh, ça va, c'est du bon côté. Tu peux m'inviter? T'es en train de chercher Fred, je comprends pas pourquoi je le voyais pas. Il est sur l'autre serveur. Je suis sur un autre serveur, oui. J'essaie de revenir sur votre serveur, mais c'est full évidemment. Ça va, la famille là-bas? Ah oui, c'est Théodule, c'est pas Alpha, faut pas oublier. Ah oui, et puis n'oubliez pas, je suis Erwan, s'il vous plaît. C'est quand même pas merde quoi, on essaie de faire un RP. Alpha, je t'ai invité plusieurs fois en fait. Ah bon? Ouais. Bah, faut peut-être que je quitte le groupe où je suis moi. Bah normalement pas, je te spam là. Hop. T'as réinvité là? Ah oui. Ouais. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on est tout. Quoi? Non, c'est pas bon. Pourquoi on est que deux dans le groupe? 3. Pourquoi on est 3 dans le groupe? Oui. Il y a Georges Abitbol sur le serveur, c'est marrant ça. Pour ça. Kamak, Taco. Mais Alpha, t'es toujours pas dans le groupe. Hein. Tu m'as invité? Je t'ai spammé. Non, putain. Attends. Essaye parce que là j'ai rien su moi. J'essaye de faire un groupe. J'avoue que quelqu'un parle dans le chat, ça reset la liste des gens dans le serveur. C'est un plaisir. Pardon, excusez-moi, je fais un gameplay alternatif de Star Citizen, groupage. Allez, c'est bon. Je te spam là. Ah ouais? Ouais. Accepte? Bah, j'essaye, mais j'y arrive pas en fait. Genre, je vois pas d'invite. On va faire un effort, s'il te plaît. Je vais quitter le. Vas-y, quitte. Vas-y, enfin, je quitte le copilote site, donc vas-y, réessaye maintenant. Et n'oubliez pas, achetez plus de vaisseaux. Pour réduire les bugs. Tu m'as invité là? Le chat est témoin. La Terra qui va s'énerver. Je t'ai spammé, mais d'une violence là. J'ai rien su, mec. Mais t'invites d'accord, pas. T'invites Alpha ou Théodule? T'es genre mec, il fout la merde. C'est peut-être pour ça en fait, mec. Il est où Théodule? Théodule de Sim. Et moi, je peux pas demander à rejoindre. On a rigolé ce soir. C'est rigolo, ouais. Ah, moi, c'est rigolo. C'est... Le jeu est beau, et quand même, on s'est bien marré. Hein. C'est rigolo, d'ailleurs. C'est la conclusion. Eh, mais c'est marré. C'est cocasse la soirée. C'est croustillant. Ah, y'a Cyril. Cyril est revenu? Incroyable. Ah, putain, Cyril est sur le serveur? Incroyable. Alors, on a Cyril. On peut pas peut-être faire en sorte que quelqu'un d'autre recrute? Par contre, ouais, parce que j'ai un malus sur le groupage là. J'ai été nerf. 22h32. L'équipe commence à grouper. 10 bonnes groupes.
On est sur un. Non, j'arrive. Ah, pardon. Attends, je te reviens, j'avoue, c'est pas grave si je suis pas dans le groupe. Je suis juste à côté. Moi, je colle au cul de Kamak et c'est pas grave si je suis pas dans le groupe, tu sais. Non, non, mais c'est bon, t'inquiète. Mais quel enfer. Tu m'as invité. Comment ça, je t'ai invité, Kaby? Mais c'est un enfer. Arrête de parler dans le chat. À chaque fois que tu parles, ça reset toute la liste de contacts. J'ai dû inviter des gens par erreur, c'est possible. Peut-être la moitié du serveur. Do it. Ok, bon, par contre, la vue est jolie. Hein. Bon, bah voilà. Bon, bah c'est chouette. Voilà, ça y est. C'était cool, Steven, de regarder la vue de fin. Belle ambiance. Les aventures. Attends, la vue de fin. Le Erwan. Un cutlass qui arrive dans ta tronche. Hey, je vois un vaisseau posé. Notre serveur. Un cutlass qui arrive dans ma tronche. Il y a un vaisseau posé au loin. Il y en a 2, 3, 4. Ah oui. Le jeu est beau. Ah, c'est beau, hein. C'est quand même joli, hein. C'est loin, mais c'est beau, hein. Ah, c'est loin, mais c'est beau. Alors, c'est un peu la crête pour te poser, il va falloir être en équilibre. Peut-être à la limite, pose-toi à côté de mon Gladius, enclenche l'autodestruction pour détruire les vaisseaux. Ouais. Quoi ? Non. On va d'arriver. On va se calmer avec les autodestructions et les trucs funky. C'est une technique un peu fourbe, c'est vrai, mais je peux le faire si vous voulez. Non, mais pourquoi faire ? Pourquoi tu veux détruire mon cutlass ? Mais j'aime bien les explosions, j'aime bien quand ça brûle. Oh ouais, oui, non, mais là, on va déjà essayer de survivre hein, avant de faire des explosions. D'accord, les autres là-bas. Parce que là, on a vu assez d'explosions. Bien, c'est bien, on est bien là, regarde, il y a une belle vue. Oh, les gars. C'est beau. C'est beau. Sinon, c'est le jeu est beau. Hein. De là. Donc, Gladius. Hein ? Ah, tu peux le pousser, ouais, si tu veux. Ouais. Ah, oui, si tu veux, on peut le pousser. Ouais. Oh, ouais, non, vas-y, non mais est-ce que je peux descendre avant que quelqu'un pousse quelque chose ? Est-ce que vous pouvez rajouter Cyril au groupe ? Faut que tu ouvres. Ouais, alors, moi, j'ai un malus sur le groupage, il faut que quelqu'un le fasse, ça marche. Je peux pas ouvrir le vaisseau, faut que tu l'ouvres, Kavak. Non, mais une petite pitchinette là, il y a un équilibre. Vas-y, c'est bon, tu peux descendre. Merci. T'es à l'envers là. C'est pas du tout safe. Je suis dans le vide. Oh non. Attends, c'est pas safe. C'est pas safe. Attends, mais il y a la tempête qui se lève. Attends que je descende. Oh oh. En plus, il y a la tempête et tout. Non, mais ça va pas quoi. Ouais, tu peux descendre. Merci. Merci monsieur. Bienvenue. Merci. Trop bien. On se revoit plus encore, c'est normal. Moi, c'est normal, hein, je suis plus dans aucun groupe en fait. Faut qu'on m'invite dans un nouveau groupe. Ouais, mais j'ai essayé de. Il faut que quelqu'un fasse le groupe parce que moi j'essaye. Faut qu'on se mette tous en ligne là et puis qu'on s'invite. Est-ce qu'il y a un bug qui empêche quelqu'un de recevoir quelconque invite de groupe ? Non. Excuse-moi, Kamak, hein, mais j'ai un petit côté maniaque des fois. Quoi ? Faut que je fasse faut que j'enlève un truc qui me dérange. J'ai éteint le moteur. Ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Non mais c'est pas. Non mais t'as rien, t'as tout fait bien, c'est pas pour tout ça. C'est pas pour ton cutlass, je te l'emprunte juste, je te le rends tout de suite. Il va le faire exploser. Non mais c'est mon cutlass. T'inquiète, c'était... je te le range. Non mais Terada, non mais fly like a Terada, ça marche qu'avec des petits vaisseaux hein, fais pas genre. Non mais je te le rends, t'inquiète. Ouais, je te le rends, t'inquiète. Regarde, c'est juste une bien. Petite pinette, regarde. Mais non, c'est moi. Mais non mais tu vas mourir. Pas toi, mais... Il va se faire tuer. Pousse-toi. Regarde là, tac. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout avec la pelle là? Ah là. Hop, mais là, what the fuck? Ça dégage. Hop. Non, il est pas parti, il est toujours là. Comme il l'a hit. Oh, mais encore une fois. Il a hit le vaisseau en bas. Attends. Qu'est-ce qu'il fout, putain? Il va exploser. Mais non. Ouais, bon, hop là, petit coup. T'as non, pété non, la l'aile. Putain, t'as rien. L'aile, t'es en train de le détruire là. T'es tout ce que. Tu vas éclater le cul, prends-le par l'arrière. Ok, messieurs, posez-vous. On va faire la phase de jeu. Bon, il est caché, hein, ça se verra moins. Allez, posez-vous, il y a Cyril qui va vous rejoindre tout le temps. Il faut juste le rajouter en groupe. Donc faites votre groupe. Qui c'est qui a invité du coup? Vous voulez que j'invite moi? C'est vraiment le brouillard. Hein. Kamak, tu peux faire le groupe, hein, vas-y. Ouais, j'invite. Vas-y. Fais le groupe. Une fois que le groupe est fait, invite, vous pouvez relancer votre mission. Et vous êtes donc dans la situation normalement prévue. Où vous devez aller récupérer les otages qui ne sont plus qu'à quelques mètres de votre position. Non mais c'est pas possible, je peux pas faire le groupe. J'ai trop de glace sur ma mobile glace. Vraiment, va dans le cutlass, il est ouvert derrière toi. Le jeu qui est beaucoup trop réaliste. Non mais c'est ça. C'est tellement ça. Je peux même pas, mec, c'est tellement... Je vois rien du tout. Mais t'as essayé d'ouvrir ta... Attends, j'essaye. Dans ta mobile glace nickel. Moi, nickel. Ah.
Ah ouais, nickel. Non, nickel. Oh bah... Vraiment nickel. Moi, je suis sur la page d'accueil, mais c'est beau. C'est bon, je suis là, j'arrive. Okay. Alors, c'est, attendez, c'est beau, ouais. La page d'accueil, c'est beau. J'invite Terada. Le jeu est beau, hein. J'invite Ah oui. Je t'invite, t'es là ? Oui, il est là. Ouais. Vas-y. C'est Octave. On est groupés. Trop bien. J'invite... Merde, j'ai oublié. Théodule. Théodule. Et j'invite Cyril. Oh, monsieur Gladius là. Ah yes, c'est bon, je suis dans le groupe, trop bien. Vous pouvez venir m'aider à pousser. Vous pensez qu'on peut pousser Gladius Cyril, dans le vide hein. Cyril, il est mort, je rappelle, son nouveau nom c'est Gwenaël. Ah ouais, Gwenaël. Mais putain, Gwenaël. Venez, on prend que des prénoms bretons. Bah, ah ouais. Donc, Erwan, Gwenaël. Gwenaël. Octave, il a pas reçu. Kevin. Octave, c'est pas du tout breton, mais c'est pas grave. Kevin, Gwenaël et Octave, yes. Non, je sais pas. Il y a pas, d'autres noms bretons qui me viennent en tête. Donnez-nous des. Docteur, j'ai reçu. Kylian. Attends, mais j'ai Kamak, pas de question bretonne. Je peux pas vous aider. Kamak, oublie pas d'inviter Cyril. Bah, j'essaye, non. Mais apparemment. Ah oui, Loïc. Corentin. Ah, il fait beau. C'est bon, là. Hey, la tempête s'est barrée. Oh Cyril. Oh, le jeu est beau. Hein. Ah, bah, c'est tout de suite, on voit mieux. Hein. Allô, ouais. Cyril. Non, Cyril, pardon. Je m'entends pas. Par contre, mon Gladius là, il me tend là. Oh, c'est beau là, regarde. Ah, regarde la Suisse. Oh, regarde Octave. C'est non, la Suisse. Non, ça c'est le Canada plutôt. Non, mais c'est je. Yolande, viens, on va regarder. Regarde de l'autre côté. Oh, c'est qui Yolande, putain. Bah, c'est toi, je sais pas, j'ai plus ton nom. Théodule, ah non, mais Yolande. Théodule, viens. C'est réincarné. Donnons-nous la main les uns les autres et faisons la main. Mais bien, cher frère! S'il y a quelqu'un qui est venu au début de l'event et qui arrive maintenant, on dirait qu'il a raté deux. Ah oui! Gros événement e-sport! Kamak, je te pique deux secondes avant que vous recommenciez. J'arrive. Ah! Petite picouse, allez! Salut! Hein. Du coup, t'envoies les. Merde! Bon. Quelle prestance! Le jeu est beau, hein. Le jeu est beau, oui. Qu'est-ce que... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais... Ah, Alpha ! Mais qu'est-ce que... Théodule, non ! Ah oui, j'ai une idée. Oh, mon chat m'a donné une idée de fou. Merci, le chat. T'es parti où, Théodule ? Les gars, éloignez-vous de mon Gladius. Ça va exploser. Mais... Théodule, il faut mettre la musique de Ulysse 31. Kamak, couvre. Tout va bien. Mais... Kamak... Mais qu'est-ce que... Kamak n'est pas là. Ah, bah, il faut lui dire de courir. Pourquoi ? Bah, va lui dire de courir. Courir ? Okay. Bah oui, mais... Jusqu'ici... Mes amis, cette aventure était superbe. Je suis présentement en train de dériver à travers la... Merci. Je suis mort. Attends, je vais éteindre les boucliers avant. Non, mais attends, mais vous êtes... Bah, je vais mais ah, non, c'est mais... beau quand même. Par contre, comment je vais éteindre les boucliers ? Ah, c'est dangereux ça. Hein. Non, mais c'est un peu dangereux. Vous êtes sûr que vous voulez faire péter les vaisseaux là ? Mais franchement, c'est pas beau, c'est pas écolo déjà. Non, mais c'est pas écolo, mais pourquoi ? On peut... C'est notre porte de sortie. Si la mission est un échec, on peut au moins partir. Vous avez perdu Alpha dans l'action. Hein. Non, mais c'est le Gladius. Non, mais je reviens, y'a pas de problème. Alors attention. Moi, hein. Bon, je vais tenter comme ça. Le jeu est beau. Hein. Pardon, excusez-moi. Je suis en train de m'énerver un peu là, mais j'arrive. Ça marche ? Non, ça marche pas. Ah, oh, c'est de la merde. Non mais si tu veux moi j'y mets un... Ah roquette. C'est de la merde hein. Bah, excusez-moi je, le RP... Ah ouais c'est de la merde ouais. Les points RP, les points RP en chute libre. Ça l'a fait zéro dégâts, même pas un aileron quoi. C'est la devise du jeu, non, c'est shit happens. C'est que cette merde qu'est-ce que c'est cette merde. Ah je crois que je vois les otages venir vers nous en fait. Vas-y. Bah c'est bien ça nous évitera les tags. Ah parfait. Ils se sont libérés, les otages qui arrivent. Bon on s'est libérés nous-mêmes, vous cassez les couilles. Vous êtes trop lents les défenses d'intervention, en plus c'est la quatrième équipe qu'on envoie. Toutes les autres elles sont wipe. Non, alors, par contre, les otages c'est... viennent nous libérer nous. Ils viennent nous sauver. C'est par où les vaisseaux dans cette putain de station de merde. Non mais j'avoue de ouf, j'ai OS un cutlass tout à l'heure et là le Gladius est en mode balai couille. Mais putain mais c'est pas ouf. Ah Cyril non. Suprématie du Gladius face au cutlass. Monte devant. Avec quoi Alpha, tu montes l'escalier. Avec la même chose. Ouais, c'est bon, je monte l'escalier. Merci Fred. Au secours. Je vais péter un plomb. Nice. Je vais péter un câble.
Et maintenant, les consoles, elles sont où les consoles? Putain, mais je sais pas, je cours partout, je sais pas où je vais, j'en peux plus. Il faut que tu trouves le poste de... Tu trouves le truc où il y a marqué sécurité, que tu passes le... la sécurité, c'est de l'autre côté. Sécurité. C'était derrière toi, c'était derrière toi. Ah, sécurité. C'est où? Mais... Kamak, on est que les deux? Là? Ah non, il y a Taco. Non, il y a Taco aussi qui est là, mais... Je vois pas bouger. Allez, viens, on va au bout de la... De la crête. Tu bouges là, rassure-moi. Oui, je bouge, ouais. Okay, Kamak, je vois pas bouger. Bah voilà. Ah. Mais moi, je te vois bouger, en fait. Ouais, bah pas moi. Ah, on est déphasé, Kamak. J'arrive, hein, je me dépêche. On est plus sur la même longueur d'onde, mais ça fait un petit moment que je te le dis. Hein. J'ai l'impression qu'entre toi et moi. C'est... Ouais, mais il faut qu'on parle plus, hein, c'est pour ça. Hein. Bon, messieurs. Oui. Oui. C'est bien, on va pas pouvoir faire la phase d'otage. Mais ils arrivent. Hein. Si, si, j'arrive, bah, j'arrive. Bah... On se dépêche. Non, j'avoue. En tout cas, le jour se lève. Hein. Et le jeu est beau. Je tiens à le dire. Et le jeu est beau. Est-ce qu'on ferait pas une petite photo juste pour avoir. Bien sûr. Ah, mais là, j'en fais une, là, tu vois, c'est. Petite photo de souvenir là avec la vue sur sur le Canada avec nos gros animus dans le dos. Mais moi je vous vois pas. Ah si. Est-ce qu'il y a une série parallèle sur les otages? Kamak? Kamak? Quoi, t'es où? J'ai décidé de prendre mon envol. Je parcours mec... la planète jusqu'à son centre. Qu'est-ce que quoi? Il a le même bug que moi. Il a fait... Non mais Kamak, hey, Kamak, Kamak, Kamak. Ouais. Pas de 03, ouais. Pas de numéro 3. 03. Ok. Pas de numéro mais 3, ça n'a Kamak. Aucun sens. J'arrive. Il n'en j'arrive. Restera qu'un seul. Attends, j'arrive. Dans le Mustang Gamma, il y a de la place pour deux ou pas? J'arrive mes amis, attendez. Il y a de la place pour deux dans le Mustang Gamma ou pas? Je vais me serrer, t'inquiète. Ah non, Mustang Gamma, non. Ah bah tu vas devoir prendre ton vaisseau. T'es merde de toi, ok. Ok, c'est bon, t'inquiète. Bon bah moi je suis sur ma crête, Taco, y'a plus que nous deux là du coup hein. Ah bah moi je me suis assis dans le cutlass, je bouge plus. Ah d'accord, monsieur est dans le cutlass. J'ai peur. Monsieur a peur. Ah mais je vous vois plus dans mon groupe du coup moi. Comment je peux faire pour vous revoir? Je te réinvite. Ça va faire un plan épique. Ah mais sinon Kamak débande et rebande ouais. Quoi? Alors ça c'est on se fait passer quand même. Qu'est-ce que quoi? J'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu? Mais tu sais, je t'ai déjà dit, il faut prendre plus ton temps avec les gens. Ouais. Tu m'as invité là au groupe? Non, et ça va, oh. Eh, putain, hein. Ça. Ok, hein? Oh, eh. Alors, c'est quoi déjà? Guenièvre? Non, je sais. Guenièvre. Je vais tous les faire. Hectolien. Parce que je suis mort, salut, je suis un nouveau Guenièvre, personne. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. Guenièvre Gaming. Mais mec, t'es dans le groupe. T'es dans le groupe, Alpha. C'est fou, ça. Alors, je te kick. Je reconnais, ça, c'est un mensonge. Non, mais je vais te kicker, je vais te kicker. Okay. C'est bon, j'ai quitté. C'est moi qui pars, c'est pas toi qui me kick. Vas-y, tu peux m'inviter. Je pars tout seul. C'est moi, je m'en vais comme un prince. Attends. Alors, attends. Oh, le bordel. Ça avait si bien commencé. Vas-y, tu peux m'inviter. C'est vrai que jusqu'au moment où on était sur la station, ça va. Ouais, voilà. L'heure et demie qu'on a passé dans la station était bien. T'as reçu ou pas? Ouais. Par contre, non, ouais. Non, en vrai, c'est pas vrai. Ça a commencé à déconner quand on est arrivé dans les Ursa. Ouais. Bah, tout le passage dans les Ursa était chouette, mais après, il y a eu un accident et puis. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a la moitié d'équipe qui est morte entre deux, mais bon, je ne vous vois pas. Non, pourquoi? T'es pas, bon. Et t'es pas de combien là? Non, mais mec, je vais. Non mais je suis parti, de retour moi les gars après une petite demi-heure, salut. Je les vois pas non plus. Ah si c'est bon. Ah oh, Cyril. Ah, t'es là. Viens. Mais je suis déjà parti Kamak moi. Oh non bah. Mais okay, j'ai un gamma, j'ai un gamma, je peux pas. Ah Cyril, tu peux pas pousser mon Gladius pendant qu'on. Non t'inquiète, je m'en occupe. C'est magnifique ici par contre. Ouais hein, t'as vu hein. Ah ouais le jeu est beau hein. Le jeu est beau. Faut que tu le dises, mais avec la saturation de ouf, t'es. Ouais. Par contre, mon Gladius il remonte la pente. Mon Gladius il remonte la pente tout seul, il a pas envie de mourir. Ah, Cyril il est content. Il le montre avec des mouvements de satisfaction. Wouhou! Ah ouais, là. Ah ouais, c'est beau là. Ah ouais, c'est beau là.
Oh ouais. Ah ouais, un petit coup de ventre comme ça. Putain, mais je suis méga loin en fait. Fais une balise, balise jump, tu vois. La balise jump, je la chope comment? Sur la map, sur la map, sur un mec. Je veux pas la choper au... Ça, tu pourras pas la choper. Vas-y. Ok, merci Brazing. Bon, bah écoute, Cyril. Ouais. Je t'invite à te poser. Je vais procéder au nettoyage de la zone. Non, mais nettoyage, ah, on arrive avec deux chips en plus. Vous étiez de l'autre côté de la planète. Oui. Heureusement que le Quantum fait éviter la planète, parce que moi là, j'étais parti pour la traverser. Ah bah t'as de la chance que le Quantum ait marché du coup. Ah bah moi je vais tout droit. Ça va Cyril, niveau parking, t'as besoin d'un coup de main peut-être? Ah, ah ouais je crois. Je suis Oh le jeu est très Ah beau. Ouais bah d'accord, bon, en tout cas t'as replacé mon Gladius. Oula mais qu'est-ce qui... Ah, attends, on doit avoir une D5 parce que moi je suis assez éloigné. Ah oui, moi je peux, là, voilà, après tu peux passer au-dessus de nous là. Ah non. Là je suis en face du Gladius. Ça c'est un Cutlass. Du Cutlass. Ah du Cutlass. Ah c'est pas lui qui doit bouger. Enfin non mais juste pose-toi, t'inquiète, ça va bien se passer. Moi je vais m'occuper de mon Gladius. Il vient de mettre un coup de tête au sol. Alors on éteint les shields, hein. ça c'est vraiment inutile. Voilà, c'est bon, ça ira mieux comme ça. Oh, c'est plus grand que Skellige, hein. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Ok. On va le purifier par le feu. Il est où? Il est où? Hein? Quoi? Moi, je vois juste devant le Cutlass, ton Gladius. Quoi? Attention à pas casser mon vaisseau. Mais... What? Mon Gladius est littéralement possédé. Moi je te vois en train de faire de la Macarena à la terre là. Ouais il y a Alpha qui tente un truc. J'ai un move. Je fais un move hein. Ouais je vois ça. Il y a un truc. Hey, moi je me suis posé en pleine descente en fait, c'est hyper risqué. Mon jeu a crash. Merde. D'accord, personne n'est dans le Cutlass au cas où. Éloignez-vous. Attends, je suis dans le coma. Voilà. Ah, je suis très proche quand même. Pardon, ça va? Tout le monde va bien? Ah, il y a Cyril qui fait des poches assez. Tout va bien. On peut se poser ou ça pue? C'est bon, j'ai fait le ménage, je me sens beaucoup mieux là. Attention Cyril, tu te rapproches dangereusement vers une... Ah ouais, mais je suis dans le coma là, je contrôle pas mon corps. Attends, t'es dans le coma? Tu peux m'empêcher de tomber dans la montagne? Quoi? Non, Cyril, te suicide pas. Mais rattrapez-moi. Rattrapez-moi. Mais comment ça? Regardez, on dirait un bouquetin. Il marche le long de la montagne. Ah non, je suis en train de voir, c'est horrible. Ah ça va. On reprend le contrôle de mon corps. C'est le... Oh là là... Ah ouais. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je sautais de la montagne. Non mais là, tout ce que tu vis actuellement, c'est un rêve. Hein. Y'a rien de... Y'a absolument rien de réel. Hein. Très sympathique, cette planète. Et où est mon vaisseau? Il est là-bas, au loin. Ah, y'a un Razor. C'est Burger, ça? Non. Ah non, mais ça c'est un Razor et Ferrule ça. Oh mon Razor! Oh, oh là là! Je vais le niquer, Je vais le niquer! Attends, je vais t'aider! Mais non, mon Razor! Vas-y, tire! Mais non, mais ça coûte cher! Eh, attends, moi j'ai pas tiré un seul missile là, ça fait 3 heures que je joue, c'est bon. Ouais, yo! Alors là, t'as tiré sur le sol. Fais attention de viseur pour l'air. Ah ouais, on a eu chaud. Attends que ça lock. Je suis attends que ça log bien en rouge. Ça louche un peu quand même. Hein.
Non mais là vous êtes trop près les gars, faut vous reculer de ouf. Ouais. Désolé les gars, vous faites... vous êtes dangereux. Ouais, quoi? T'inquiète. Mais non. Ah bon. Eh mais pourquoi ça tire? Oh non. Oh non. Non mais... Alpha, ça va Alpha? Mais putain, c'est quand je change de caméra, ça me fait traverser la map. Mais j'en peux plus. Ouais, je change pas de caméra. Ah, il est beau le jeu quand même. Il est beau le jeu. Il est reparti pour un petit voyage. Bon, messieurs, ouais. Puis-je avoir votre attention une petite minute, s'il vous plaît. Ouais. Donc, la décision a été prise parce que ça devient trop trop compliqué. Moi, je vois pas de quoi tu parles. Et que de toute façon, il faut quand même bien animer un petit peu la séquence parce que voilà, vous avez quand même des personnes qui sont venues vous regarder ce soir et profiter de l'instant tous ensemble. Je pense qu'à mon avis, ils passent un bon moment tous. Ils passent tous un très bon moment, je pense que vous déconnez bien. Ce qu'on va faire, c'est que les vaisseaux qui sont sur place vont rejoindre votre position. On va tenter de profiter du lever de Stanton et du paysage qui s'éclaircit pour faire des fly-by, profiter un petit peu des sons des vaisseaux. On peut pas les attaquer, on peut pas attaquer la base comme prévu à la base. Bah, j'ai volé le Mustang Alpha. On peut pas. Si vous en avez l'occasion, postez-vous, faites des films, tout ça, profitez un petit peu de la situation. Il y a des vaisseaux qui vont vous rejoindre et faire. Non mais on peut pas faire la bagarre. Ah si vous voulez, vous faites la bagarre, mais je vous propose de la faire après le spectacle. Ah ok, vas-y. Bah attends, j'arrive. De toute façon, toi, il faut que tu reviennes de Portrait. Yes. Il faut que je monte à l'étage. Donc voilà, vous faites des galipettes avec vos vaisseaux, attendez que j'arrive. Est-ce que, Kamak, tu peux me kick et m'inviter, s'il te plaît? Attention, explosion incoming. C'est possible. Je te kick. Mais attendez, c'est pas mon vaisseau, ça. Il est où, mon vaisseau? Je crois que tu te l'as fait voler. Vous me l'avez carjacké? Je crois qu'il était carjacké. Et je te réinvite. Fais carjacké. Attends. C'est quoi c'est ça? Ça bah c'est moi. Oh, mon razor. Ah pardon. Mon vaisseau. Non mais il était je sais pas, désolé, j'ai besoin d'explosion. T'es sérieux? Oh désolé hein. Ah oh, mais il était mal parqué aussi hein. Vas-y, attrape-moi si tu peux. Attends, bouge pas, laisse-moi recharger. Attends, bouge pas ouais. Ouais, je bouge pas ouais. Attends, pause. Vas-y, chope-moi. Oui bah attends, faut que je recharge. Vas-y Cyril, mets tout. Je tire vraiment? Ouais tire, mais ah oui vas-y, tire vas-y. Putain, c'est un putain de carjacker de vaisseau. Bah ça c'est pas le mien ouais, mais je vais quand même le niquer. Oh putain, ça touche. Bien sûr ça, que ça touche. J'arrive. T'as je profite de la beauté du jeu là. Wow. Non mais... Bah de toute façon oui. En fait Terada, je pense que tu l'as explosé mon vaisseau. Non, c'est... alors pour le coup, c'est pas moi. Moi, j'en ai explosé un autre, mais pas le tien. T'as tout fait sauter. Ah, j'ai fait sauter que le razor. Ouais, le rat. Je passe un bon moment, néanmoins. Parce qu'on se marre bien. Mais je dois avouer que. Il y a certains bugs un peu uniques. Bon, j'ai sorti un petit vaisseau, histoire d'aller rejoindre rapidement. Parce que sinon, ça. Voilà, ça va être pénible. Du coup, par où c'est qu'on rentre là-dedans, bordel. Je sais plus, ouais. Ah, c'est par là. Ah, mais y'a... Y'a pas les portes. Je peux pas rentrer dans le vaisseau. J'ai le bug des portes, ce qui fait que je peux pas rentrer dans mon vaisseau. C'est dommage, je vais devoir changer de vaisseau. Si je peux. Ah bon? Par où? Là? Ah! Ah oui! Oh énorme! Oh merci Vinchok! Je vais me faire écraser. Non, c'est pas bug! C'est pas un bug, c'est une feature! Arrêtez d'être mauvaise langue, c'est pas un bug! Hop! Go up! C'est juste que y a des textures noires, c'est bizarre. Non mais c'est un truc de fou, je suis vraiment, vraiment un aimant à bug. C'est impressionnant. Ah, nous voici dans le... Oh le con. Oh, j'ai fait une énorme erreur. Ah, c'est bon. J'ai fait une énorme erreur. Il faut pas que je fasse F4. Il faut pas que je fasse F4 parce que sinon c'est le bug qui te fait traverser la map.
Pas spécialement le patch est full buggé. Non mais mec. Vous me dites ça à chaque fois. Vraiment. À chaque fois que je joue à ce jeu, on me dit « Non, mais le build est pas stable. T'as pas choisi le bon build, Alpha. » C'est... Je suis désolé. Faut pas que je switch de... C'est pas un bug, vu que le jeu est bug, c'est une feature. Il est trop stylé, ce vaisseau, n'empêche. J'aime beaucoup le look qu'il a. Normalement, c'est par là, je crois, pour rentrer. Yes. J'ai failli mourir. Tout va bien. Ah, le poste de pilotage est là. Alors, combien vous pariez ? On peut faire un sondage. Est-ce que je me crache ? Est-ce que c'est possible de rentrer dans ce putain de siège ? Non mais vraiment par contre ? Non mais par contre. Ah. Non, c'est copilot. C'est copilot. C'est ça, Death Stranding. C'est ça. C'est tout à fait ça. Attends, je sors de là. Mais au moins, le jeu est beau. Le jeu est beau. Franchement, vous imaginez si en plus le jeu était moche? Ah, nickel. Ok. Combien de temps avant que tu touches à la touche F4 surtout? Ah ouais, non mais... Ah, je sais. Merde. Voilà. Je l'ai retiré. Comme ça, j'aurai pas de problème. Nickel. Alors, flight ready, c'est où? J'ai retiré la touche. Modern problems require modern solutions. Ok, c'est bon. J'ai viré ma touche. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Oh putain. Oh bordel. Mais j'appuie quand même sur F4. C'est un gros morceau, hein, du coup faut faire attention. Ne vous inquiétez pas, je suis un pilote hors pair. Fut un temps, j'étais un bon pilote. Non mais quand je suis en vaisseau, c'est utile F4. Là, vous voyez, c'est utile. Pour savoir si je me vautre en sortant ou pas, quoi. Allez, hop! Yes! Eh! Like a glove! Like a fucking glove! Ça passe easy, mon gars! Ok, donc là, faut que je chope la balise. Elle est où la balise? Au secours! Au secours! La balise! J'ai dit la balise! Par pitié. Puis-je voir la vallée? Je vais tenter un autre truc. J'essaye de dézoomer. Ça marche pas. Non mais j'essaye de dézoomer, ça ne marche pas. Ok. Peut-être si je fais ça... Double clic droit sur la star map. Oh! Oh, merci à tous! Oh, vous êtes des génies! Oh putain, heureusement que. Comment ça? Hop! Comment ça? Et quoi? Mais putain, mais. Mais non, mais ça, c'est taco. Quoi? Faut être assis. Faut être aux commandes. Ah, je croyais que tu pouvais mettre des balises. Attendez, c'était quel siège déjà? C'était celui-là. Faut être assis, ok. Je vais y arriver. Dans ma corvette. Wouah, c'est trop joli. La surface de la... Wouah, regardez comme le jeu est beau. Oh, le jeu, il est tellement beau. Top. Cette route for intercourse. Hop. Et là, je suis sûr, il y a quelqu'un dans le chat
MDR, il va se crasher, il a pris le Hammerhead, et le Hammerhead, quand tu fais un saut hyperspatial à cet endroit du jeu, il plante, lol. Il va y avoir un truc comme ça, je suis sûr. On va voir, on va voir. Mais moi, j'y crois. Je charge le Quantum. Quantum Travel. Initiate. Oh, ça a marché. Quantum Travel. Waouh. Eh, on a des bugs. Est-ce que ça n'avait pas le coup de voir ça quand même? Hein? Quantum travel complete. J'enlève ça. S'il te plaît, enlève-toi. Je m'en fous du quantum, arrête. Voilà. Merci à tous. Temps de l'avoir, nous, là. Eh, j'arrive. Vas-y, viens, Alpha. Prends ton javelin. J'arrive. Omar. On est bloqué. Comment ça, vous êtes bloqué? On peut plus passer par les ascenseurs. Ah. Ah bah, c'est dommage, ça. C'est con, ça. Oui, j'arrête de F4. J'arrête de F4. Je suis sur la planète, j'arrête de F4. Re. 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 Ah. Perso, je suis je suis bloqué dans l'état de... On est pas... Ouais. Oh putain. Waouh. Attends, mais il y a la baston de ouf là. Vas-y, Alpha. Ouais. Oh. Attends, il y a un Mustang qui se fait attaquer. Mais c'est qui le Mustang là? Oh, il y a du monde ici. Je comprends rien à ce qui se passe. Il faudrait que je fasse la technique de Cyril en fait. Il est où, Fred, j'avoue? Bah, j'ai déco. Ah ouais, tu peux même pas revenir là? Ah non, j'ai essayé pendant une demi-heure, ça marche pas. Mais quel enfer. Là, t'as pas rejoint le serveur, c'est ça? Fred? Ouais, pardon? T'arrives pas à rejoindre le serveur, c'est ça? Il faut un vaisseau. Non, le serveur il est archi full, j'ai essayé, j'ai spamé pendant 25-30 minutes, au bout d'un moment j'ai fait fuck it. Nous aussi, on commence à être bloqué là, on peut rien faire. Wow, wow, wow. Wow, putain! En fait, c'est Alpha! T'as vraiment pris Javelin? Non, mais après, c'est vachement cool. C'est un BR en fait. L'event, il a vachement de potentiel en vrai. Hein, ce qu'on a vu visuellement, c'était super, super beau là quand on est sorti des trucs. Clair, ouais. Mais il faut attendre. Franchement, en vrai, il faut attendre. Faut pas jouer 2 mois après la sortie d'une patch. T'attends juste. Non, mais là, c'était vraiment de la mal. Enfin. C'est tellement impossible de prévoir et comme ça prend tellement de temps de faire des choses comme ça que tu peux pas savoir 3 mois à l'avance. C'est pas de la malchance, hein. Les patchs natifs ils sont toujours ultra buggés. Quoi. C'est, la 3.7 c'était pareil, il a fallu attendre la 3.7.1 et la 3.7.2 pour que ce soit vraiment bien. Donc ouais. C'est classique. Après l'event il est au final il est rodé en termes au de secours. Préparatif. Non, mais oui, mais en vrai. Bien sûr, mais en vrai, là, l'event qu'on fait, on le refait dans un mois et demi et c'est parfait. Hein. Oui. C'est en juste qu'il faut attendre, les milliards de correctifs qui doivent sortir chaque fois après la sortie d'un patch. Surtout que là, en plus, c'est le patch post-Noël, en plus avec SSOCS qui a fait tourner. C'est normal qu'ils doivent rebosser. J'ai plus rien. Bon, c'est de la merde. Faut un vaisseau là. Bah si tu veux j'en ai un, j'arrive. Ah ouais, viens s'il te plaît. J'arrive, bro. Toute berzingue. Vas-y. T'inquiète, je monte dans une tourelle. On s'occupe du reste. Bon, je vais essayer de me poser. Lol. Ouais, oh, te pose pas, hein, juste à te mettre en lévitation. Attends, mais là t'es un... Attends, t'es un poil loin là. Bouge pas, attends. Vas-y, si bouge, mais un peu. Avance un... Attends. J'entends quoi, moi ou... Proximity alert. Ah oui, je l'ai désactivé pour être plus safe. Ok, alors t'es de l'autre côté de la montagne, très bien. Je vais faire une petite rando, j'arrive. Moi je vais voir comment je me suis posé. Comme un chef. Eh, je me suis pas ça crashé. Ça va, c'est propre. Je me suis pas crashé avec une Corvette. C'est quand même beau. Personne ne souligne cette performance dans le chat, mais...
Moi je suis content. Vous en pensez quoi le chat? Ça vaut un yes. Moi j'aime bien sortir par là. J'ai dit sortir. 6 sur 10, 9, 8, ouais. Aïe. Oh, ils sont blasés les miens. C'est quoi, c'est V ou c'est... C'est V pour ce livre, c'est quoi déjà? C'est... C. What? Mais c'est quoi cet essaim de vaisseau là, tiens? Posé comme un chef. Je crois que par contre il va falloir qu'on... On est un peu entouré de personnes qui m'ont l'air un petit peu hostile. Ouais. Mon Mustang il est où? What the fuck? Pourquoi mon Mustang il est en bas? Ton Mustang? Je crois que quelqu'un l'a fait tomber. Je me demande qui c'est. Ah ouais, je me demande vraiment qui c'est. Ouais, je me demande. Mais je pense que tu peux le récupérer là, à mon avis. Bah écoute, on va voir. Aïe, c'était quoi ça? C'est un cutlass. Oh putain, le con. Ah, au secours. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh putain. What? Le cutlass s'est effondré, il m'est tombé sur la gueule. Putain, mais même à l'intérieur du Hammerhead, j'ai vu du feu. Terada? Oui, ça va? J'ai trouvé le Mustang. Ah. Et? Bah... Comment? Comme si, comme ça, quoi. C'est couci couça le Mustang quoi, genre c'est... Ouais mais avec 3 coups de pile à molette c'est bon, ça repart. Attends, je viens voir ça. Oh c'est une piste noire ça. Même pas mort. Ah je vais quand même le tenter. Ah oui d'accord, ah non impossible d'aller le chercher du coup. Attends je vais aller voir ça. Tu peux venir me chercher en bas s'il te plaît dans la vallée. J'arrive. Oh putain. Oh la vache. Oh, attends. Oh merde. Ça va mieux le Mustang. Le Mustang il est toujours vivant mon gars. Ah ouais, putain, ouais. C'est solide cette merde. C'est solide. Le Hammerhead ne l'a pas détruit. Putain Alpha il est en train de vivre une scène de Jurassic Park là. C'est un peu ça. Pourquoi j'ai des missiles au cul là? What? Mais qui m'envoie des missiles? Mais qui m'aime pas comme ça? Je crois qu'il y a des gens qui... Attends je vais en ramer un ou deux, ils vont se calmer là. Et moi? Attends je reviens chercher. Le mec se casse. Oh, de toute façon, on s'en fout, on est en Hammerhead. Ils devraient envoyer toute la flotte, tout l'embouffé. C'est les arbres là, non? Oh putain! Oh putain! T'as vu des arbres? Oh, ça passe! Non, mais y'a pas d'arbres, excuse-moi, j'ai mal vu. Yes. Comment je peux te récupérer? Par contre, c'est un peu compliqué pour me poser là. Hein. Mais non, mais moi je croyais que t'étais Terada. Alors, je savais pas que c'était un adjectif, hein, mais. Terada, moi c'est. Peut se poser n'importe où, voler n'importe où sans se cracher. Alors attends, je vais te faire passer par le trou de devant. Sans mauvais... Je pense pas que c'est possible, honnêtement. C'est sûr, attends. Sur quel sol je vais me tenir? Non, je suis plus bas, je suis beaucoup plus bas. Non mais là, je suis en bas de la vallée, je suis au fond de la vallée. Oh, yes. Ah bah au pire, tu vas MDR dans la... MDR. Quoi? Il y a un lance-roquette en bas. D'accord. Alors attends, viens. Là, je pense que je peux me poser easy, là. Là, c'est bon, là, il y a de la place. Ok. Bon là ça passe, à gauche, vas-y. Regarde là. Hop, ah, ouais ils essayent de me faire des dégâts. Mais... Ouais ils essayent. Ça chatouille un peu. Vas-y monte à bord. Tu peux là. Attends j'essaye d'abattre un vaisseau. Ah mais attends on vient dans une toile. Non mais ouais, je teste l'animus, je l'ai pas du tout tiré. Ah bien sûr. Pas du tout testé. Eh c'est bizarre ça. Je tirais de missiles et il y a plus de vaisseau. Au pire tu te mets debout à l'avant. Dans la partie avant du Hammerhead et tu tires depuis là à l'animus. C'est marrant, ça tire pas. Ah ouais, j'avoue. Il y a une scène de Rambo à faire. Métro. En fait, j'ai les animations, mais ça, je crois que ça tire dans le sol en fait. C'est trop con. Ouais, mais je sais pas si c'est un bug d'animation ou de dégâts ou de missile. T'es où, je te vois. Il y a un arrow. Mais j'arrive, je me dépêche. Ah mais j'avoue, ça peut être tellement marrant. Tu peux faire baisser des ascenseurs, des trucs comme ça? Ouais. T'es dessous là? Messieurs dames, je te vois pas. C'est un Wolfred. Ça marche. C'est une expérience intéressante. Enfin, ouais, je veux dire. C'était le début d'un truc. Octave? Non, merde, c'est quoi déjà son nom? J'espère qu'on refait Erwan. Ça vite. Erwan. Erwan.
Merci, merci Théodule, merci Gwenaël, merci. C'était un plaisir de partager ça. Grand moment. Allez, bah, des bisous. Des bisous, ciao Fred. Ok, tu t'en sors là ? Ouais, je vais trouver un moyen de rentrer. Au secours ? Au secours. C'est bon, je suis dedans, tu peux décoller. T'es dedans ? Ouais. Bon bah, bonne soirée les gens, merci beaucoup. Ah, ciao, ciao. Ciao. Ouais, ciao. Bonne soirée tout le monde, merci. Non, je suis pas dedans, arrête de bouger. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci Taco. Bye bye. What ? Pourquoi il dit ? C'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller. Il y a une tempête de carré noir quoi. Ok, c'est bon, on est dedans. Vas-y, je vais à l'avant. J'ai plus de munitions, merde. Vas-y, va à l'avant. J'ai une cible. Comment on refresh les munitions ? Il faut que t'ailles dans ton inventaire et que tu les vires et que tu les remettes. Des nouvelles. C'est bien, bien chiant. Mets-toi à l'avant déjà. Attends. On va essayer. Qui c'est qui nous tirait dessus là ? Enfin, ça me tire dessus de fou là. Moi, je vais en ramer en deux là, ça. Attends. Tu vas la rentrer dedans avec le Hammerhead. Ouais. En même temps, c'est un Hammerhead quoi. Pourquoi je peux pas le target lui? Patate. Il reste qui sur zone là, les gars? Nous deux avec Terada et je sais pas trop qui d'autre. Et plein d'autres vaisseaux. Attends, mais on se fait. Non, mais c'est chelou, ça s'affiche pas les munes. Ah si, j'ai eu deux munes là. Okay. Bon. Allez! Vas-y. Attends, mais je vais me faire attaquer par derrière j'ouvre, là. Mais ils sont devant. Combien? Vas-y, ouvre devant. Là, devant nous, il y a une cible. Ah non, mais c'est un Vanguard, laisse tomber. On va jamais le défoncer avec l'Animus. On a des tourelles avec des armes taille 4. Toi, tu vas devant avec l'Animus. Ne pas faire F4. C'est un problème avec F4. Mec, je suis vraiment à la limite de tomber dans le vide, je peux pas reculer. Oh putain. Ah bah, t'inquiète, c'est moi qui recule. Ok, il y a un Gladius. Je le vois, garde-le. Vas-y. C'est tiré! Ça tire pas, c'est de la merde! Non! Comment ça, ça tire pas? Ok. Ah, je vais faire un carnage. Il y a des gens qui sortent un Hammerhead et qui arrivent apparemment. On va mourir. D'accord. Peut-être que tu devrais aller dans une tourelle alors. Putain, je crois que. Ah, il faut pas s'asseoir dans une chaise. Dans une chaise? Pour se rincer au premier. Parce que j'ai l'impression que je suis désolé. Tu peux ouvrir le vaisseau, s'il te plaît? Je suis en train de le fermer là. C'est bon. Je crois qu'il faut que je m'assoie quelque part. Je crois qu'on se fait tirer dessus. Faut inspecter l'arme. Ah oui, je suis bête, faut inspecter l'arme. Ah oui, pour ça, pardon, oui, faut inspecter l'arme. Oh, c'est beau hein. L'arme est belle. Ah oui, c'est pas mal hein. L'arme est belle. Ouais, c'est joli. Très beau paysage. Il est beau ce jeu quand même. Il est beau le jeu. Ok. Alors, ne ferme pas le vaisseau. Alors pour moi il est fermé mais ne touche à rien. C'est bon, je suis prêt à tirer. Prêt à faire feu. T'es à l'avant? T'es à l'avant? Ok, manœuvre. Manœuvre d'esquive. Attention, la cible va apparaître. La scène Rambo quoi, c'est stupide. Mais en vérité c'est pas une cible. Devant toi. Ah oui, Gladius. C'est tiré. C'est pas touché je pense. On rame. Attention. N'oublie pas que je suis à l'avant en fait. Ouais, mais c'est un détail ça. Les boucliers. Ok, c'est un avant-garde. C'est la technique ça. J'avoue que si tu fermes la porte au moment où je tire, je me suicide. J'avoue que c'est le pire bail. Mais en fait, j'ai l'impression que quand je tire, rien ne part en fait. Mais j'ai l'impression que. De toute façon, on est dans un Hammerhead. Techniquement, on est tranquille là. Par contre, je vois. Oh oh. Il y a des missiles qui arrivent. Ouais, c'est un détail ça. Ouais, sauf que c'est un missile, j'aime pas, il a une gueule de torpille quoi. Attends, il y a des trucs là, c'est quoi ça? Oh, le Gladius, je l'ai là. Le Gladius, tu l'as? Attends, j'ai tiré, mais je vois pas de missile, c'est frustrant. Ah, tu vas en voir là. Oh, vas-y. Il a pris. Vas-y, j'en lance. Ouais, bah, il marche mieux tes missiles que les miens. Okay. Je vais dans la tourelle. Je suis à droite, tourelle de droite à l'avant. Ouais, ok, ça marche. Allez! Wouah! Bim! Un! Suivant! Il me faut une cible. Devant nous, Freelancer Max. Ouais, je tire dessus. C'est comment pour que la visée soit plus simple? C'est activer le.
Le gyro mode, ouais. Switch le gyro mode. Waouh! Attends, on se prend une volée là. Je prends de la vitesse. Fire. Je vois des explosions là. Je suis en train de défoncer des patates russes. On a tellement de missiles au cul. On se fait bien bourrer là. Ouais. Les boucliers avant, ils prennent si cher. Qu'est-ce qui se passe? On se barre. Vas-y, on va alors. On se barre. T'es dans quelle tour tu m'as dit? À droite. Ah oui, à droite. Okay. Devant, à droite. Ok, attention, je vais te mettre en ligne de mire. Où est-ce qu'il y a une cible là? Il y a un Jess, mais il est un peu loin. Et il nous faut une cible facile. Attends. Ah oui, j'en vois. Derrière nous en fait. Oh putain, on a tellement de vaisseaux derrière nous, mec, c'est l'enfer. Petite retournée. Là, j'ai une cible qui va s'aligner. Attends, il est où? Là, je l'ai perdu. Ah oui. Attends, j'essaye de l'avoir, mais. Ah, ils sont dans mon angle mort, c'est horrible! Ils sont tous en Vanguard! Oh, attends, on va t'exprimer. Je crois que j'ai tiré sur la Navy UEE sans faire exprès. Ah bon, ils sont là? Ouais, j'en ai vu un. Boum! Le Freelancer, tu l'as eu? Oh, je l'ai eu! Oh! Hammerhead! Hammerhead qui porte bien son nom! Allez, suivant! Ah, ça marche mieux que leur tirer dessus, hein. Ouais, ça marche bien. On est comment au niveau des shields et tout là? Ça va, c'est cosy. Ça va, tu veux. C'est, tu mens. Pour l'instant, là. On est full, mais. On est full. On est... Ah, par contre, on a le cul rouge. Ah, je peux pas lui tirer dessus, lui. Ah, ils ont peur maintenant, ils font tous des rondes. Ouais. Peut-être pas les malins, hein. Ils ont vu leur copain mourir. J'ai perdu des propulseurs. Ah, j'ai perdu des propulseurs. Ah oui! Faut qu'on arrive à s'enfuir. Faut qu'on se barre, là j'avoue. Viens, on se casse au loin. Ouais, là j'ai une idée. Va vers les ascenseurs du bas. Ok, je quitte la tourelle. Va vers la passerelle arrière. On va exploser, je pense. Non, ça va aller. Passerelle arrière, prépare-toi à sauter du vaisseau. Ça crame à l'intérieur du vaisseau. Ouais, mais t'inquiète. Passerelle arrière. Passerelle arrière. À l'intérieur, c'est oui. Toutes les alarmes à fond, mec. Tout va bien. L'ascenseur, tu veux dire l'ascenseur principal derrière? Je vais. Ouais. J'y suis. Ouais. Vas-y. J'ouvre. Attends, bah ouais, vas-y, échappe-toi. Faut que tu t'échappes. Ouais, je saute. Je saute que je suis. Mais prends d'avance. Je saute. Ok, je descends, je suis dans l'ascenseur là. Ok. Oh putain. Attends, je suis tombé, mec. Vas-y, je vais sauter. Oh, je suis pas mort. Non. Je suis pas mort. Attends, j'arrive. L'ascenseur. Vite. Ah. Je suis pas mort. Vite. 3, 2, 1. Oh shit, j'ai sauté. Tu meurs ou pas? Oh, la vie. Non, t'es mort. Non. Fuck. Putain, c'est beau la Suisse! Il y a des petites fleurs partout là! C'est si triste! Bah écoute, je suis solo sur la planète. Largage tactique! Eh, j'ai les genoux solides, mon gars! Oh non! Ça fait pouf! C'est si triste! On était à deux doigts de faire une action tellement épique! Bah écoute, moi j'ai survécu! Ah bah nice! Oh non! J'ai fait F4! Ah non, mais c'est bon, en fait, si je fais F4 et que je fais F après, je prends pas le bug. Mais quelle action, messieurs! C'est bon, hein. C'était incroyable. Mais j'aurais tenté, hein, la fin. Mais franchement, ça n'a aucun sens ce qui s'est passé ce soir. Mais c'était bien drôle. Il y a eu beaucoup de non-sens, hein, j'avoue que... Ouais, voilà, ouais. C'était du non-sens, H24, quoi. Par contre, je suis bloqué, je pourrais plus pouvoir tenter cela. On reparlera de l'idée de se mettre à porter cela. Alors écoute-nous bien. Non. C'était pas censé se passer comme ça, ok? Oui, mais bon, on sait comment. Personne devait mourir dans l'URSA.
Personne ne devait mourir. Yes, cette phrase n'a aucun sens. Ouais. Non, ça n'a aucun sens. Tout devait bien se passer. Non, et par contre, mention à Port Tressler qui a quand même fait survivre ses ascenseurs très longtemps pour le nombre de morts qu'il y a eu. C'est vrai que d'habitude, des fois, au bout de deux morts, tu peux plus. On avait une belle avance sur les ascenseurs et puis on l'a perdu quand même assez rapidement, malheureusement. Mais c'est comme ça. Ah, c'est pas grave. Rod, désolé. Pas de soucis. Bah, du coup, moi je suis bloqué à Port Tressler, je sais pas encore. Si j'arrête là ou. Moi j'ai survécu. Si je relance en serveur. T'as survécu. Au secours. Au secours. Au secours, Terra. Le seul survivant. Objectif Alpha Cast. Le Hammerhead il continue d'avancer. Non mais j'aurais tellement voulu voir ce Hammerhead partir. Mais tu l'as mis en vitesse de croisière, non? Oui, oui. Ah, mais oui, mais c'est bon, alors il n'a jamais s'arrêté. Il s'arrête plus, la vitesse de croisière elle fonctionne, elle a été réglée en 3.8. Sérieux? Quand on met un vaisseau en vitesse de croisière, il reste en vitesse de croisière. Il va jamais s'arrêter. Il fait exprès pour qu'il reste en vitesse de croisière au ras du sol, en fait. Et mais franchement, si mes jambes s'étaient pas cassées, ça aurait été si bien. Ah mais moi, j'ai eu chaud. Hein. J'ai mis le Medipen instant, j'ai vu mes jambes rouges. Medipen instantané, et j'ai réussi à survivre grâce à ça, quoi. Ouais, t'as eu de la chance. Ouais, c'est la première fois que ça me le fait. D'habitude, je meurs instant quand je fais ça. Alpha Terada, je vous salue bien. Je vous abandonne ici. Ça roule, Kamak. Ça marche. Des bisous, bien cool. C'était cool. Voilà. À très vite, Kamak. Bon. C'était l'ultime flyby. Exactement. Ah, pour le coup, ouais, clairement. Ouais. Alors, est-ce que l'événement est reporté ou annulé? Bah, évidemment, il n'est pas annulé. Non, il n'est pas annulé. Quand j'ai dit annulé tout à l'heure, c'était pour ce soir. L'événement va se refaire. Ou en tout cas se réadapter certainement à un nouveau patch plus stable. Si on a l'occasion de le faire sur une 3.8 point quelque chose, on le fera. Et si on a l'occasion de le décaler en 3.9 parce qu'on constate que c'est plus intéressant de le faire en 3.9, on le fera en 3.9. Dans tous les cas, on est obligé d'attendre qu'il y ait certains paramètres qui se stabilisent. Et comme ça, je vais pouvoir faire un final avec vous trois qui restez. Ouais, mais non, mais c'était. Il y avait tellement de. En fait, c'est dommage parce que c'est si bien parti. Oui. Et c'est parti tellement. Moi, de fait, je réfléchis à ce que je peux faire avec le rush vidéo de la soirée. Qui refrain. Mais en fait, je pense que. Le début à vous tous, c'est juste un best-of à lui tout seul en fait. Ouais, ouais. Savent, mais comment tu peux conclure ce best-of, tu vois? C'est ça le truc. Vous êtes plus en live? Si. Ah d'accord. Tu voulais critiquer les gens. J'avais mes blagues sur la Palestine, mais je vais pas les faire du coup. Je suis toujours en live. J'aimerais bien pas être ban Twix. Faites pas. Non mais en fait, en vrai, 3.8 points, je pense qu'il y a moyen de le faire. On va pas en attendre 3.9. Hein. En vrai, on est pas loin. Hein. On est pas en. Ouais. Non mais oui. En fait, vas-y, t'as vu, on fait des tests à chaque fois, en fait. On espère que la 3.1 soit clémente, ou la 2 ou la 3. Enfin, non, il y a deux patchs qui vont arriver. 3 en fonction des 3. Il y a deux patchs. Parce qu'il y a le. Comment ça s'appelle? Et rentrez-vous dedans au prochain flyby là, que je me marre. Il y a le Brawler et le Kara qui arrivent. Il y a le Brawler qui arrive. Ouais, ouais. Mais pour après, ce soir, on était vraiment à deux bugs de réussir quoi. C'était... En fait, c'est cette histoire de Port Tressler qui a foutu la merde. Non, c'est même pas Port Tressler concrètement, c'est une succession de différents bugs. C'est juste que ces bugs-là ont à chaque fois amené à la mort de quelqu'un. Conclusion, le jeu est beau. Ouais, mais c'est ça, ouais. Fait que forcément, ça faisait revenir les gens sur Port Tressler. Mais le problème, c'est que les morts, c'est vous qui étiez impacté par celle-ci. Alors que de base, bah, si vous mouriez une fois, c'était pas grave. D'ailleurs, la première mort, j'ai ramené la deuxième équipe tranquillement sur zone, il n'y avait pas de problème. Parce que c'était prévu, on savait que les ascenseurs allaient bugger au bout d'un moment, mais ils allaient très bien survivre pendant longtemps. Et c'est une succession de choses qui ont fait que ça vous a affecté quasiment que vous. Il n'y a que vous qui êtes mort très régulièrement. Et malheureusement, ça nous est tombé dessus, mais c'est le jeu qui veut ça, hein, c'est comme ça. Pour moi, le meilleur moment de la soirée, c'est le moment où tu viens en vocal pour nous dire « Hey, ne détruisez pas les vaisseaux encore !» En même temps où je tire sur un Cutlass que j'explose. Je sais pas quel était ce Cutlass, mais le timing était parfait. Quoi. Alors, par contre, information, la totalité
de l'équipe pirate qui était prévue sur la première phase, celle que vous avez vécue en entier, je sais, avec les Ursa, ouais. La totalité des pirates ont fini par être butés. Tu es aussi responsable de cette victoire. Ah, au moins, ok, j'aurais fait quelque chose d'épique et d'utile ce soir. Très bien, exactement. Et, par contre, bon, comment les Ursa ont pété? Ça, j'ai pas compris les Ursa. Ah, en fait, le deuxième Ursa, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On était trop dans le RP, je suis désolé, j'ai pas suivi. Mais moi non plus, j'ai pas compris comment ils ont pété en fait. Je ferais vraiment que je garde les 5. Alors, les Ursa, il y avait un problème de base, c'est qu'en fait, les gens à l'arrière ne pouvaient pas s'asseoir sur les sièges de base. Ça, donc... ouais. Déjà, le problème c'est que ça veut dire que ou la personne est restée à l'arrière et elle voyait rien de ce qui se passait dans le jeu, ou elle était obligée de venir un peu dans le cockpit, et à ce moment-là ça foutait des bugs horribles parce que quand t'as la porte qui se referme derrière toi, t'es trop dans le cockpit, du coup tu te mets à trembler dans tous les sens, c'est dégueulasse. C'est comme ça que je me suis retrouvé à passer à travers les textures et me retrouver coincé dans une roue d'ailleurs. Mais sinon, après, je pense que c'est le fait que je me retrouve coincé qui a fait bugger le truc à mon avis. D'accord. Cette phrase, ouais. Moi c'est dans une roue. Oui, non, mais parce que moi j'ai pas changé de corps et ça a pété jusqu'à trois, donc c'est peut-être ça aussi qui a pété le truc, tu vois, donc ouais. Enfin. Bon. Après, c'est de toute façon, c'est toujours les éternels problèmes de désynchro avec des serveurs qui tournent à 5 FPS et qui, du coup, bah, le jeu il va rafraîchir ta position dans un mur et ça va te faire bugger quoi. Oui. Bien sûr, bien sûr. Ah, il y a eu plein de petits trucs, mais c'est vrai que bah, là, le problème c'est les serveurs aussi. Serveur, il faut qu'il patche ça vite et puis ça sera rodé déjà. Tu as déjà une idée de quand est-ce que tu veux refaire ça, Kalec? Je vais attendre le prochain patch dans tous les cas. Donc avant étude de ce patch, pour l'instant je détermine pas de date. C'est possible que ça arrive en février, fin février ou début mars. Putain, j'en étais sûr. Mais hey, c'est vraiment bugué un inventaire, avec ma cut. C'est vraiment bugué l'inventaire. Genre, t'attends une heure avant de pouvoir refresh ton stuff, c'est chiant. C'est insupportable. Putain, mais c'est Andjes qui t'a buté. Ouais. Mais je sais pas comment il faisait, il se déplaçait hyper vite. Genre, son perso, il était. Ouais, c'est Andjes. La D5, elle était. J'ai vu ta rollback à un moment donné. Ah ouais? C'est vraiment injouable actuellement hein, ce jeu, mais bon. Un jour, le jeu est beau, hein, mais c'est vraiment injouable hein, par contre. Mais tu sais qu'hier, Todd Papy, dans le SL, là, il a dit justement que normalement les serveurs ils étaient pas censés. Enfin, normalement, les D5 auraient dû s'améliorer parce que normalement le tick rate des serveurs aurait dû passer de 5 à 30. C'est pire. Mais que c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Et... Non, c'est pas pire, c'est pareil. Mais que c'est pas le cas si, et que alors, du coup, ils savent si pas. C'est pire. Ils ont dit que c'est pire, et d'ailleurs nous on le ressent au vol, hein, au niveau des D5 c'est pire, mais il y a des trucs qui vont mieux en fait, et ils ont dit clairement que c'était, ils ont mis le patch à l'arrache pour les vacances, ils ont dit clairement que c'était pas la version finale même de la 3.8, hein, je pense qu'ils sont en train de bosser sur un patch là. Donc ils l'ont sorti quand même 2 semaines avant la date habituelle, sachant qu'en général ils ont 2 semaines de retard, et ils l'ont pratiquement sorti avec un mois d'avance sur le planning habituel. Là. Ouais. Le PU était plus stable que le PU quand même, il y avait déjà un problème. En tout cas, c'était bien cool, les copains. Merci d'avoir mis ça en place, même si on n'a pas pu faire le scénario parce que juste c'est injouable. Quand ce sera jouable, faudra réessayer. Faire ça en fin de patch. Ouais. Mais moi, à chaque fois, c'est toujours la même rengaine en fait avec SC, c'est pour ça que ça me saoule un peu, c'est qu'à chaque fois, je suis pas sur le bon patch. Dès que je joue, on me dit « Mais non, mais c'est pas le bon patch !» Ou alors « Ah putain, t'es vraiment fort pour trouver des bugs hein. !» Genre, c'est marrant, quand on dit « C'est pas le bon patch », c'est juste qu'il faut arriver sur la fin de patch, en fait. Faut pas que tu joues au patch natif, faut que tu joues au patch natif version 2 ou 3, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, bah en tout cas, c'était bien marrant. On s'est bien marré au moins, voilà. Et puis le jeu est beau, hein. C'est la phrase de la soirée, ça. C'est la phrase de la soirée. Le jeu est beau. Comment l'event? Oh, le jeu est beau. C'était vraiment stylé, toute la mise en scène et tout avec les vaisseaux. En fait, je pense que ça aurait été plus agréable de jour. On n'avait pas de chance que ce soit la nuit. Mais non, ça... en non, vrai, non, non. Tu trouves que c'était mieux de jour? De nuit? De nuit, bah oui, parce que t'as.
T'as un meilleur contraste entre les tirs des armes et le... C'est vrai, mais bon, on voyait pas grand-chose, du coup... Enfin, je pense que ça rendait pas vraiment au neige à la ça rendait pas hommage... au neige. Au neige, du coup. Ça rendait pas hommage à la planète Tech. Enfin, de mon côté, qui découvrait Microtech, tu vois, ça rendait pas trop hommage... Ah ouais, mais si tu découvres Microtech aussi, mais ouais. Bon, on a pu voir à la fin, c'est vrai que c'est très joli. Hein, là, j'étais en Suisse à la fin, là. Quand NGS m'a stream snipe et vu le cut là. Que le serveur en fait nous fasse pop sur une zone qui commençait à être de nuit pendant les préparations. Mm-hmm. Parce que je savais pertinemment qu'avec le temps de l'événement prévu initialement, on allait se retrouver sur une fin de jeu avec un lever de Staunton. Ah d'accord. Parce que forcément on a fait nos calculs et tout. Et okay. L'idée c'est que la deuxième phase d'infiltration pour récupérer les otages se fasse de nuit, et une fois récupéré tu te barres et puis t'as le soleil qui se lève et tout, enfin c'est... Ouais. Alors ouais, petit message de la part de l'otage, cet event était très beau depuis le fond d'un cutlass pendant une tempête de nuit avec des torches des pirates braquées sur la tronche tout du long. Petite pensée à lui. J'avoue, il y en a qui ont dû s'ennuyer. Qui ont dû s'emmerder. Hein. Ouais. Ils ont joué le jeu à fond et ils ont réussi à patienter quand même bien comme il fallait. J'ai fait le tour un peu des équipes et en tout cas, ils se sont tous donnés à fond et ils sont contents du minimum qui a pu arriver en tout cas ce soir. Donc, on les remercie du fond du cœur. Moi, je les remercie du fond du cœur parce que mettre 50 personnes, mobiliser 50 personnes sur une alpha comme celle-là et passer une soirée tous ensemble pour essayer de donner un peu de spectacle, c'est pas facile à mettre en place. Et tous ces gens-là se sont donné les moyens pour essayer de faire quelque chose. Donc, merci à eux. Ah non, clairement. Un grand merci à toi, Kalec. Et Kalec, merci d'avoir organisé. Deux mois d'orga, hein, surtout, hein. Mine de rien. Mais on voit le potentiel de l'event, en fait. Il faut juste que réussir à avoir des serveurs un peu stables. Et le jeu, et surtout qu'ils améliorent les tick rates, quoi. Et ça, on recherche de stabilité sur plusieurs points. Et l'essentiel, ça reste le serveur, comme vous avez dit. Et c'est vrai que sans ces stabilités, c'est très compliqué de faire des événements. On a eu une chance de malade sur le précédent événement, la chasse à l'homme 6. Ça s'est tellement bien passé. Très très bien déroulé et c'était vraiment une superbe expérience. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on continue ces chasses et qu'on essaie de les mettre en place parce que on a eu une expérience de malade avec la chasse 6. Quoi. C'est là qu'on voit que c'est vraiment beaucoup de la chance parce que la dernière fois c'était magnifique, c'était parfait. Bon, la fin de l'event a fini sur un bug absolument incroyable qui a tué tout le monde, mais tout le reste c'était tellement bien passé. Et c'était le bug était. Non mais franchement, c'était tellement bien placé ce bug qui nous a tous tués qu'on était tous en mode bon, c'est la meilleure fin possible de cet event en fait, vraiment. Du coup, c'est pour ça, des fois c'est vraiment de la chance, ça peut très bien. Pas avoir de problème durant tout l'event, et puis ce soir, même si on n'avait pas eu les bugs qui nous empêchaient d'arriver dans la situation de combat, vu comme je voyais Unjust se TP et les problèmes de desync qu'il y avait, ça aurait été injouable en FPS, hein, vraiment. Ouais. Ça aurait été absolument injouable, même sans bug. Donc bon, au final, c'était juste pas la bonne soirée pour faire l'événement de Bitter. On n'a pas eu les paramètres qu'on voulait, c'est tout à fait normal. Hein. C'est on refera. Mais c'était bien cool. Bah, je vous laisse, moi. Et merci encore en tout cas. Même. À tous. Merci. Ouais, merci à tous. Merci à toi pour ta présence. Merci. À... merci. Et puis, merci à la patience aussi de tes viewers pour tout ça. Bon, ils se marraient bien. Ils ont bien rigolé. Ils se marraient bien. On s'est bien marrés, nous. Ah là là. Bref, merci les copains. Ciao. Merci à vous. Bisous, ciao les gars. Bisous. Ciao, merci à tous. Ciao Fred. Merci à toi. Ok, et ben voilà, mesdames et messieurs, c'était l'événement Star Citizen. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi vraiment à vous faire l'événement dans sa totalité. Hein. On est loin d'avoir fait tout ce qu'on devait faire. Mais honnêtement, on s'est bien marré quand même. On s'est bien marré. En tout cas, j'espère que vous vous êtes bien marré. C'est clair que c'est pas encore ça, Star Citizen. C'est pas encore ça. On a beau dire mauvais patch, bon patch ou quoi que ce soit, le jeu est très très loin d'être dans un stade où c'est vraiment un jeu jouable, où tu peux dire que, yes, le jeu est dans un état... jouable où tu peux t'amuser vraiment de manière consistante dessus, mais bon, on verra quand ça arrivera à cet état. Moi je l'attends, je patiente, mais bon, ce qui est bien c'est que ce soir illustre quand même parfaitement pourquoi, enfin je le répète très souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais c'est trop dommage que tu fasses plus de SC, au début c'était vraiment toi le référent français sur Star Citizen, tu faisais des vidéos trop bien machin, mais enfin c'est très difficile de rester sur un jeu qui est aussi peu stable et qui est aussi chancelant en développement. Et je suis aujourd'hui, quand je prends du recul, je suis très content d'avoir pris d'avoir reculé un peu par rapport à Star Citizen, dans le sens, bon,
le projet est le plus ambitieux de l'histoire du jeu vidéo. Si ça aboutit, c'est trop bien. Mais par contre, suivre le développement de bout en bout et tout simplement faire du contenu, du stream sur ce jeu en permanence, c'est vraiment fatigant parce que t'es un peu à la merci des patchs en permanence, t'es à la merci des bugs et ça doit être extrêmement... Enfin, c'est très usant et ça, je pense, ça vient un petit peu chercher dans la patience de manière assez abusée. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs de Star Citizen actuellement sont très patients. Hein. Là, au niveau de la patience, c'est... Voilà. Mais après, le jeu est beau. Voilà. Donc bon. On va attendre. Moi, je pense que j'attendrai encore pour SC. Parce que c'est vrai que... Bah, au final, voilà, vous étiez tous hypés et tout. On était tous hypés. Et au final, les bugs qui ruinent tous les trucs au fur et à mesure, c'est un peu... voilà, c'est un petit peu frustrant. Mais bon, je vois qu'il y en a beaucoup qui demandent si on fait du Witcher maintenant. Non, moi je vais stopper le live ici. Et on se retrouve demain pour The Witcher vers 16h, je pense. Voilà, je commencerai un peu plus tôt demain. Mais rendez-vous 16h pour la suite de Witcher 3. On va essayer de terminer la trame principale. Et ensuite, on enchaîne avec les DLC qui sont incroyables a priori. Donc, trop hâte pour ça. Donc voilà. Voilà. C'est une alpha, puis le solo arrive très vite. Alors très vite, guillemets, hein. Voilà, des méga giga guillemets, parce que le solo, ça se trouve, on va pas le voir avant 2021. On a vraiment pas beaucoup de news et c'est un peu inquiétant. Mais bon, en tout cas, c'était rigolo. C'était très très rigolo. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve donc demain vers 16h pour The Witcher 3. Merci Lesram pour le Prime, bienvenue à toi. Merci à toi l'ami. Shaylun aussi pour les 7 mois de soutien. Merci à toi. Merci Crocodile aussi pour... excuse-moi, les 15 mois de soutien, Crocodile, merci à toi. Merci aussi à Peiju pour le Prime, bienvenue. Le jeu du vol, exactement, le jeu du vol, demain, ce sera donc à 16h, et voilà, ce sera 16h, 1h, le live demain, ça va être un gros live, mais ça devrait être très, 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 très cool. Merci du coup, Akrou pour les 25 mois aussi. Jijiko pour les 6 mois. Zephygia pour les 6 mois. Tiwiki, merci bro pour les 4 mois de soutien. Stosh aussi pour les 7 mois. Tip Top pour le Prime. Toutoun pour le Prime aussi. Raskat pour les 26 mois de soutien. Quantique pour les 5 mois. Versin pour le Prime. Batpandi, merci pour les 17 mois. Gérard. Et ton pote Gérard, là, pété dans le bain. Yes. Jack of Chickens, merci pour le Prime. Vieux JDO aussi pour le T1, bienvenue à toi. Shunshiryu pour les 6 mois. Les squads de l'enfer, vous êtes des grands malades. C'était marrant, c'était très marrant. Et c'est la première fois aussi que je parlais à Cyril. Il a l'air bien marrant. Il a l'air très très cool le mec. J'espère qu'on pourra refaire des trucs sur SC avec lui. Darksider, 11 mois. Old Batman aussi, 2 mois. Malicia Wells pour les 2 mois aussi. Elzaria, 41 mois. Igor, 31 mois. Merci à vous pour les subs de longue date. Phoenix, merci pour les 2 mois. Walkyrie, 1 an de sub. Merci à toi, Walkyrie. Grudu, 6 mois. Hero SSBU, 11 mois. Merci aussi à Général Mosky pour les 30 mois. Bref, ça part pas sur The Witcher, là. Là, c'est la fin du stream. Je vous laisse ici. Je vous retrouve demain soir, enfin demain après-midi, à 16h pour la suite des aventures de Gérard. Allez, bref, je vous laisse là. Portez-vous bien, passez une bonne nuit et à demain. Et merci Eldia, c'est moi, pour les 4 mois.